I got like four, bro. I got one. I'm cooking one. I got like four on them, though. You know what I'm talking about? Taylor, what you got over there, bro? I got a deuce, man. I got two ready, man. Oh, so BD, y'all moving slow as hell, bro. Bro, how many you got over there, bro? We got like one more. All right, bro, we need four more breaks, bro. Hurry up, bro. Hurry up, bro. Man, this nigga steady call. Bro. Bro, he keep calling me, bro. Why he keep calling? Toi, on voit plus le clip, hein. Faut que tu mettes la caméra virtuelle. Oui, bah, c'est pas le choix. Je prends bien qu'il s'en casse les couilles, hein. Ça va? You say what, man? Alright, fuck it, man. Just ton de gauche, comment ça, son de gauche? I'm in the trap, man. Ah, on aurait dû mettre Squeezie dans le titre, on est con. Ça aurait été de soulever. Bon, vas-y, lance le live, on rate le train d'arrivée là. C'est horrible, il ne sait pas gérer un OBS. Hein. Sur la caméra, bien sûr, je comprends pas. Bah, je vais essayer si tu veux. Mais j'ai 3 mégas en upload. On entend pas Raz. Ouais. Ah, j'ai plus rien. Les gens, j'ai plus internet chez moi en fait, les gens. Allô, je vous explique. Du coup, Raz va devoir gérer OBS ce soir, donc vous voyez, il est en souffrance.
gens, c'est affreux ce qui nous arrive là. Vous imaginez pas, rase-moi ton son, ah oui, tout le monde se perd du son. Les réglages sur mon truc. Parle aux gens là, vite fait. Faut que je fasse un truc. Oui, ça va les gens, le train de live, s'il vous plaît, les gens, je vous jure. En gros, il y a eu des voitures qu'on brûlait. Pas loin de chez WAM apparemment, et j'ai plus internet. Je sais pas si c'est lié, j'imagine, vu que c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Et du coup, je n'ai plus internet en fait, mais genre plus du tout. Okay, et alors, du coup, vous allez dire, bon, ne pas avoir internet quand t'es streamer, c'est un peu chiant, mais en plus, les gens, j'ai choisi aujourd'hui de changer de téléphone portable. Okay, donc, c'est-à-dire que je rentre chez moi et je transfère mes données de mon ancien téléphone vers mon nouveau téléphone. Et mon téléphone me dit, connectez-vous au Wi-Fi pour faire votre transfert de données. Donc je me dis, bah oui, bien sûr, mais pourquoi t'es pas connecté au Wi-Fi déjà? Et là, il me dit, non, il n'y a pas Internet, vous ne pouvez pas transférer vos données. Merci, Badidier, merci, Xavneg. Est-ce que vous m'entendez bien, là, les gens? Comment ça, je peux pas? Et en fait, je me rends compte. Oh, il y a une carte! Oh, let's go, Didier Raz, let's go! Waouh, Xavneg! Let's go! Incroyable. Là, c'est bon, normalement, là, au niveau des équilibres, les gens, dites-moi. Tu peux te monter encore? Non, là je vois, je tape à moins 10. Si je me monte plus, je suis dans le rouge. Donc, fermez là par contre, je vois le niveau. Moi je vais te baisser par contre parce que du coup t'es ultra fort. Normalement, tu devrais pas m'entendre plus fort, j'ai monté sur OBS, mais ouais. Oui, non, mais moi je t'entends fort dans le Discord. Ok, j'ai baissé la musique aussi. Paf. Ok, tu me dis de leur parler et finalement tu parles par-dessus moi. Bah oui, parce qu'il faut bien que je teste. Pour parler de tes effets, quoi. Faut bien que je teste si le son est bon. Comment je peux savoir? C'est horrible. Comment je peux savoir si le son est bon? Si c'est ça, le son. Mais complètement con. Ah, je suis censé deviner le level sonore sans parler. C'est incroyable. C'est le mec est complètement débile, en fait. Déjà en train de souffrir. Mec est complètement con. C'est une dinguerie. Bref, du coup, je n'ai pas internet, c'est ultra casse-cou, j'ai envie de crever, les gens. Vraiment, j'ai envie de crever. Et en plus de ça, c'est le putain de jour, je choisis de changer de téléphone. Du coup, mon nouveau téléphone, j'ai rien. J'ai pas une application, je peux rien faire, je peux pas le mettre à jour. Mon ancien téléphone, il marche plus parce que j'ai enlevé la SIM. Donc là, j'ai réussi à me mettre en 5G, ça m'a pris 3h30, j'ai envie de crever. Vraiment, c'est... Pourquoi ça arrive ce jour-là, en fait? Bah après, voilà quoi, t'as qu'à pas habiter dans un quartier où ça crame des bails, quoi. Pourquoi t'es pas allé chez Raz? Parce que j'ai un live dans l'heure, en fait. Oh. Je devais manger et voilà, quoi. C'est une dinguerie, hein. Oh là là, et puis Raz est d'une lenteur, il me dit, t'inquiète, je vais tout remettre, c'est facile. Il se trompe, il télécharge pas les bons trucs, après il se plaint, il est en mode, non, j'ai rien, je suis toujours que ça marche pas, alors qu'en fait, c'est dans le dossier, juste, il a pas pris les bons... Après, il se trompe. Google Drive, trop de la merde. C'est... Tu télécharges un dossier dans Google Drive, il télécharge pas tout ce qu'il y a dans le dossier. Pire outil. Vous avez les iPhones, non? Bah ouais, mais j'aimerais bien vous le montrer, mais bon. Tu peux le montrer, toi, le tien? Bah pourquoi tu peux pas le montrer, toi? Parce qu'il est connecté en... Vas-y, je déconnecte ma cam pour le montrer. Oh là là. Alors par contre, je sais pas pourquoi le nouvel iPhone, il s'éteint jamais. Oui, ça s'appelle Always On Display, ouais. T'as l'écran constamment allumé. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Après, tu peux couper ça. Oh, une carte! Une carte! Dany VLR, let's go! Dany VLR, elle est magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe? 200 balles et t'as eu qu'une carte en or? 200 balles, non. Une carte en or, Sylgarna? C'est le jour du scam. Ah, wow, le malchance. Oh, la malchance attends, de Sylgarna. Attends, tu t'es replay, fait surbaiser. Replay l'alerte. J'ai pas le. Replay, attends, je peux l'avoir ou pas? Oh. Attends, je peux le faire. Je peux le faire. Tu peux, le faire, toi, tu l'as le flux d'activité? Vas-y, t'inquiète, je vais déclencher une alerte. Parce que là, c'est dégueulasse, là. Ah ouais, ouais. Ah si, ça y est, je le laisse, c'est bon. Mais y'a pas Sylgarna dedans. C'est du génie, y'a pas Sylgarna dans mon flux d'activité. C'est du génie. Faut que tu le fasses. Ah, je suis trop heureux. Je monte mon iPhone. Moi les gens, je voulais prendre titane naturel, mais y'en avait plus. C'était horrible. De toute beauté. J'ai un peu le seum, mais après il est beau en noir aussi. Hein. Franchement, il est beau en noir. De toute beauté. Mais moi j'aurais préféré l'avoir en titane naturel. J'ai trop le seum. En plus, du coup, on a la même couleur. On est des cucks un peu. De toute beauté. Non? Les appareils et tout. Mmh. Mmh. Quel plaisir. Oh! Oh! Ourobolos! En carte en or encore! Après, je crois que c'est pas 300, on avait mis trop cher, je crois, les cartes légendaires. Non, à 200, t'as déjà une chance de drop, hein. Ouais, mais je crois c'est, que t'as, 10%. T'as une grosse... Non, t'as la moitié, mais je crois que t'as les ors. En fait, t'as... oui, c'est en vrai, c'est logique, c'est juste qu'ils ont eu deux ors, les bâtards.
Non, mais attends, attends, attends. Moi, je leur propose qu'on leur refasse un, bah un ouais. drop. Je vais le provoquer. Fais-leur un drop. Je vais vous provoquer un drop. Après, si vous avez re-or, là, vous allez vous faire enculer, par contre. Ah oui, là, par contre, si vous n'avez pas de chance deux fois, c'est dingue, hein. Ah, vous avez le seum pour les iPhones, je suis trop heureux. Attendez, je vous le remontre un peu. Pour que vous ayez le seum à nouveau. Vous avez acheté des nouvelles iPhones. C'est donc ça la gauche. J'aurais bien aimé en profiter, moi. J'aurais bien aimé être heureux, en fait, avec un peu aujourd'hui. Ça, mon malheur. C'est à la base, je me suis dit, tiens, je vais aller dans un. Je vais aller dans un petit Starbucks, me connecter au Wi-Fi. Je t'aurais tellement dû le faire. T'aurais trop. On va rentrer à la maison, on va le faire tranquille en Wi-Fi. Tu t'es fait niquer par le destin, là. Oui. Achète une coque, mais pourquoi faire ? Je prends de l'Apple Care. Ouais, c'est bon, les coques, c'est fini. Hein. Ouais, c'est surcoté, c'est pour les en pauvres. En plus, le téléphone, il est ultra léger et tout. Genre, d'où j'ai envie de mettre une coque dessus qui va l'alourdir, en fait. Truc de pauvre, les coques, les gens. Non, et surtout, même gros, la vérité, à la fin, moi, vu que j'avais cassé ma Merci coque, cluster. J'avais arrêté les coques. Et en fait, c'est tellement résistant. Gros, je l'ai fait tomber des centaines de fois. Des centaines, franchement, c'est... Bah, je pense que j'exagère vraiment pas. Hein. Alors, comment je peux émuler un... Ah, il faut que je fasse genre avec un prix, c'est ça? Ouais. Vas-y, je vais imiter des 200 et puis on verra bien ce qui se passe. Hein. Voilà, il y a eu Ourobolos et Stilgarna. Attends. Alors, vas-y, Stilgarna. Allez, aujourd'hui, il y a promo, on va dire. Allez, il y a promo. Allez, Stilgarna. Alors, voyons voir. J'ai mis 200. Ça se trouve, ça va être à nouveau. Une or. Eh bah écoute, tant pis pour toi. Et maintenant, on va faire pareil pour Ouroboros. Ah non, mais... Faut bien que ce soit Ourobolos, dur. Ourobolos, hein. Pas... Attention, c'est Ourobolos, hein. Et c'est 300, je crois, pour la légendaire garantie. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Escroc, il a donné 10 euros, Stilgarna. Escroc. Ah, regarde, c'est la carte race, pardon. Pardon. Désolé, hein. Double pardon, chance. Désolé. Mais bref, ouais. Oui. Envoyer l'émulation. Elle vient pas. Ah, genre, je refais une alors. Ça va bien, il y a même plus d'alerte. On en est là. Pardon, désolé. Scam plus 1000, va fermer là, c'est pas de notre faute. Calmez-vous. Vas-y, Ourobolos, j'ai écrit. Ourobolos. Oh ah, oh, ah. Oh, oh. Ah, t'as une légendaire sur mon logiciel. En plus, t'as une légendaire que personne n'avait jamais eue, mais sur aïe le logiciel. Aïe, 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 aïe. C'est canon sur le stream, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Mais ça aïe, va, aïe. Vous en avez donné deux, là. Ça va, vous avez eu deux chances. Hein. Ah ouais. Hein. Fermez-la. Fermez-la. C'est juste le retour des pulls. Qu'est-ce qu'ils ont ça, mais ça, ils sont en train de péter un peu. C'est une dinguerie. C'est horrible. Bon bah et merci quand même pour les dons. Non mais après les gens les dons c'est fait pour soutenir le stream. Ah. Pour son exploit. Ah là, là il se plaint bah ouais. Alors que c'est fait pour ça quoi. Terrible hein. Terrible hein. Ah. C'est PNJ qui ne regarde même pas les caractéristiques du téléphone alors que pour des plans moins chers on a beaucoup mieux. PNJ quoi qui verse un SMIC chaque année pour offrir la sélection est plus que naturelle. Pour ce genre de Librius. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a comme mieux de, au prix de l'iPhone ? Mais surtout pour faire du live IRL, cite-moi mieux. À la limite, je veux bien croire que le dernier Samsung est, peut être meilleur en photo dans certaines conditions, mais par contre, en vidéo, il n'y a rien de mieux que l'iPhone, je suis désolé. Hein. Et puis, désolé. Les streamers IRL n'utilisent pas pour rien, les frères. Hein. Et puis, c'est un iPhone, il en fait. Il est magnifique, quoi. Bah oui, fermez-la. Oh ! Merci, Prima Cronus. Merci, Prima Cronus, les 57 balles. Merci. Ah bah la barre est remplie, les Zawar Hero. Bah frère. Les Zawar Hero est validé. Les iPhones, ça te sert pour n'importe quelle vidéo, pour tout, pour Insta, pour téléphoner. Bah ouais. Pour là, littéralement, c'est en train de me sauver la vie, sinon je ne pourrais pas live. Bah oui. Mais après, vous êtes dans le déni, c'est tout. Oh, il est magnifique. Il est plus agréable à utiliser. Et le petit bruit de tuk-tuk-tuk-tuk, il est bien aussi, il a changé. Moi j'aime bien, c'est la bulle en haut là. Oui, oui, oui. Après, c'est vraiment des Yankees, quoi, mais ça me rend heureux. Bah, il y en a que ça pour être moi, heureux. Moi, ce qui me fascine, c'est Face ID, la vitesse par rapport au 12. Attends, je vais vérifier, attends, je vais me Face ID, attends.
J'étais pas face à Idi là. C'est une dinguerie. C'est instantané. Alors qu'avant, attends, c'était attends, ultra j'ai fait long. Une tête de fou. Ah, ça a pas marché. En même temps, il me rend jaloux. Je vais essayer. Eh, si je déconnecte. Attendez, je vais essayer de le montrer. Oh, je le Face ID est si rapide. Je suis en sueur. Ah, ça a fait bugger ta cam. Je suis un peu heureux. Ça bug. Ça, bug, ça fait bug, des pixels. Ça attend, c'est bon, bon c'est vas-y, bon. Vas-y, vas-y. Eh, je te jure, j'ai trop peur de déconnecter les gens. On va pas faire le malin. Hein. Oh, le Face ID. Attends, je vais faire un Face ID de 3 quarts pour voir. On va pas faire le malin. Oh, ah ouais, c'est de 3 turbo quarts. Lag. Il marche de 3 quarts. Non, mais oui, gros, il marche même d'en bas et tout, c'est trop bien. Il y a des petits aléatoires, mais au calme. Il y a des bref. Petits aléatoires et tout, quoi. Mais bref, ouais. Mais bref, ouais. Putain, je suis... Hey, les gens, je suis full perturbé, là. J'ai passé 2 heures à essayer de brancher mes lumières, d'avoir une connexion Internet, de machin. Je suis pas dans le live. D'habitude, on prépare le live un peu mieux que ça, quand même. C'est le Pro ou le Pro Max? Je crois, Dani, là, le Pro Max. Ouais, moi, il y en avait plus, les autres. C'est vrai. C'est genre comme c'est vrai. Ah, quel arnaque. Non, par contre, non, ouais, mais en fait, ouais, j'ai un ouais, poil ouais. malheureux. Alors, ah non, regardez, un poil malheureux. Regardez-le. Que je voulais en titane naturel. Allez. Je vais pas me plaindre, ça va. Il y a pire ouais. Il y a des pires moments dans la vie. Ah oui, il a été obligé d'acheter le Pro Max au lieu du Pro. Ah, c'est horrible. Non, c'était vraiment ça. Par contre, c'était vraiment. C'était le pire moment. Non, mais ils avaient le Pro en bleu. J'ai fait, frère, non. Frère, après le en bleu, bleu il le est bleu trop... en gros, en bleu, j'aime vraiment pas. Genre, autant blanc, j'aime bien, noir, j'aime bien. En bleu, mais il est... Titan, c'était mon préf. Il est trop beau en plus. Mais bon, le rêve secret vie, hein. était exaucé, non, mais bien sûr. Non, mais son vrai rêve secret, c'était qu'il n'y ait que le Pro Max en titane. C'était ça son vrai rêve. Oui, il s'est dit, ah là là, je ne réalise pas mon rêve, je dois l'acheter oui, en noir. Oui, c'est exact. Exactement. Et c'est quoi la diff avec le Pro Max? Truc vidéo, truc d'appareil, c'est quoi? J'ai une optique x5, toi c'est x3, je crois. Oh, ok. Ça. Et il y a l'écran plus grand aussi. Portrait en mode photo. Pourquoi il me demande de faire des portraits? Portrait? Allô? Pourquoi ça marche pas? Ouais, ça zoome de fou en fait. Ah oui, tu savais pas. Non, mais par contre, ça c'est Raz, il me fait trop rire à découvrir constamment en fait. 24 mm. Mais toi, en fait, je suis sûr que tu sais même pas utiliser la moitié des fonctions de ton téléphone parce que t'as jamais regardé le moindre truc. Si, je sais. Toujours que un tu peu battu les couilles. Faire plein de trucs. Je sais que tu peux le tapoter pour faire des captures d'écran. Bah voilà. J'ai fait une capture d'écran. Et du coup, ça, le truc où tu tapotes pour une capture d'écran, bah voilà, en fait, sur mon téléphone, j'ai 600 captures d'écran à cause de ça. Parce que je le tapote. Écoutez, regardez. Tapote. Ah voilà. Ta pote ? Après, moi je trouve le vrai truc. Qu'est-ce qui se passe ? Ouah, attends. Du coup, je vais arriver. Je vais vous montrer un truc, mais ça marche pas. J'ai trop peur de. Je vais planter, je pense. Adieu ? Je vais planter. Adieu ? Ça, je plante pas ? Non, tu plantes pas. Pourquoi ça ? Je pas d'amort. Attendez, les gens, ça va bien là. Allô ? J'ai parlé pour activer l'appareil, ça l'ouvre à des moments random. Oui, c'est insupportable. Faut désactiver. Oh là là, c'est bon. Vous êtes en live? Ah bah ça va, on fait une petite intro Apple. Oh là là. C'est juste qu'ils sont jaloux. Avec une coque, le tapotement Après, est moins sensible. Oui, c'est jaloux. Chiant avec la coque, je suis d'accord. Moi aussi, je serais jaloux. J'ai la même jaloux, pour mon Pixel 7. C'est quoi Pixel 7? C'est pas turbo jaloux? Bien sûr, ils sont jaloux, regardez. Moi, je serais ultra jaloux. Hein. Avec le fond d'écran. Pain. J'adore le tir de forçage. Meilleur appareil photo, ah oui. Le Pixel 7. Oui, allez, crari. Hein. Votre truc Google, là. Oui, on y croit. Ça va. Gaze le fond d'écran, mais allez vous faire enculer. On leur dit qu'on est jaloux, comme ça ils sont heureux. Bah oui. Oui, s'il vous plaît, dites que vous êtes jaloux. C'est une dinguerie. Hein. Sinon, moi, je vais être malheureux. J'aimerais être une petite bourgeoise, mais j'ai une dignité. Oh, genre, crari, si vous pouviez, vous auriez un iPhone. J'attends encore une ou deux générations. Oh là là. Non, mais après, ouais, je pense que le 16, ils vont probablement même changer le design. Moi, j'aime trop le design de celui-là. Après, les gens, on est obligés de les prendre. Faut bien que Wissam et Cassandre aient des iPhones, quoi. Vous comprenez pas, en fait, la logique. Ouais, en fait, nous, ça nous fait chier d'avoir un nouvel iPhone, en vrai.
C'est un sacrifice. Ouais, c'est ça. Nous, on est pas du genre à être heureux. Regarde, tu sais ce qui me rend vraiment heureux? Attends. Je tiens le câble. Ah, ce qui me rend trop heureux. C'est le fond d'écran Zawa Prod. C'est ça. Ouais, voilà. Il arrive pas à faire le ça, point. Ça, les gens. Ah, voilà, c'est bon. Ça, les gens, ça me rend heureux, tu vois. Et oui. Après, quand je vais dessus, tu vois. Ça me rend heureux. Ça me rend extrêmement heureux. J'ai lu 6, comme ça, c'est sur l'iPhone 6. J'ai non, plus rien, moi. C'est être encore avec l'iPhone 6, c'est grave. Ah, c'est grave, fait. Par contre, frère. Faut... Mais apparemment, si vous en avez jamais eu, le 15, il a l'air très très bien en vrai pour un premier. Sinon, vous avez les 12 ou les 13. Oula. 12, non, on avait le 12, il était bien le 12. Ça va, j'ai cru que j'avais planté. Non, c'est bon. je suis vraiment en sueur, je suis pas bien, je te jure, je suis pas bien. Mais le 12, il était bien, nous, on avait le 12, il était bien. Flexé comme des nouveaux riches, mais on a le droit de s'acheter. Attends, regarde, je vais te montrer comment c'est cringe, attends. Attends deux secondes. Oh putain, mais ma souris elle marche plus, ça me rend malade mental. Hein. J'ai plus de souris. J'ai plus de souris. Ah, j'ai une souris. Bon, tant pis, j'ai perdu celui que je voulais ban. Ce qui est bien demain, c'est que tu vas pouvoir aller en manif avec. Tu vas pouvoir toutes les deux secondes. Je suis avec mon iPhone 15 Pro de 256 Go. Titane noir. En manif, ça me fait mourir. Le lendemain de la sortie, je suis trop heureux. Cool, on pourra se le voler. Ah, oh, j'avoue. Non, go prendre Apple Care avant demain, par contre. Hein. Alors, bonne idée. Déjà, il y en a un qui me vole, mais je cours comme jamais. Hein. Je le tabasse. Hein. Je pense que je deviens Baki d'un coup. Hein. Ou alors, je me fais tabasser. Je suis une merde. Paf LBD dans ton titane noir. Non, mais... Ouais, prends la Apple Care au cas où. Déjà, je vais prendre le Apple Care. Et de deux, je vais pas aller me coller au CRS avec mon iPhone 15 de 256 Go Pro titane noir. Non, iPhone 15, il faut que t'arrives pas. iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro. 256 Go. Titane noir. Ok. C'est iPhone 15 Pro 256 Go titane noir. Voilà. Ça y est ? Ça y est, je l'ai. Je l'ai de fou. Voilà. Parce qu'en fait, tu veux faire le flexam, mais si tu veux y arriver, faut quand même bien le faire, quoi. Ah, dit, iPhone t'en rend secure. Mais si, je vais en manif, mais voilà quoi. Après, vous avez moi, peur que vous avez un nouveau tel ou de vous le faire voler? Moi, je m'en bats les couilles. Non, enfin, mais ils sont obsédés par ça, gros. Ils ont peur avec leur tel d'il y a 7 ans. Ah oui, c'est vrai que c'est leur truc. Gros, ils ont un pixel. Après, 1, une fois dans ta vie, tu te fais voler ton tel, c'est comme ça. Ah genre, oui. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de me faire voler mon téléphone. Bon, voilà, tu t'en remets quoi. Oh là là. J'ai l'impression, tu sais, genre quand j'avais vu, je sais plus c'était qui, Jimmy deux fois, je crois, qui avait tweeté en mode vous avez peur dans la rue. Et il y avait tous les droits tard du réseau. Oui, j'ai peur de me faire voler mon téléphone. Du coup, je le cache dans le métro. Je suis en mode, mais... Il y a une place dangereuse dans le métro. À la limite, non, mais non. Pickpocket, à la limite, c'est tu mets ta main dans ta poche. Non, les dans mecs le arrachent aussi. Si tu crains le plus. Ceux qui arrachent, c'est quand t'es sur le trapontin à côté de la porte. Oui. Ça, c'est oui, la place oui. Un peu touchy. Faut vraiment avoir pas de chance, mais c'est la place vite fait touchy devant les portes. Parce que le mec, au pire, il prend au moment où la porte se ferme, tu vois. Au pire, pour moi, si t'as peur de te le faire voler, t'as deux solutions qui sont soit tu prends un téléphone de merde, comme ça tu t'en bats un peu les couilles, soit tu prends une assurance, et comme ça tu t'en bats un peu les couilles, en fait, non? Ah ouais. Je... J'aurais le seum pour les photos, bah y'a l'iCloud. Oui, bah oui. Enfin, c'est quoi le problème? Trop bizarre. Tu prends une coque de merde, oui, bon, ça, il repère quand même, hein. Non mais après moi quand je me suis fait voler mon tel, j'avais un tel de merde, hein. Je pense que les gars ils t'attaquent et ils découvrent. Moi tu sais que si je connais un mec qui avait un Nokia nul à chier qui était dans sa poche arrière en vélo. Il y a un mec qui lui a volé, il s'est arrêté au feu d'après en mode je suis baisé, le mec est revenu lui a rendu en disant tu l'as perdu tellement c'était de la merde. C'est incroyable quand même. Bah oui, ça vaut pas la plainte. Genre c'est ça, le mec s'est dit ouais, je vais me faire peut-être foutre dans la merde pour ce téléphone de merde et il lui a refilé. Ah ouais. C'est du génie. Non, mais j'ai déjà raconté, fermez là. Nous, gros, la fois, on s'est fait, pareil, j'ai déjà raconté, mais la fois, on s'est fait agresser avec mon pote avait pas de thunes sur son compte en banque. Lui, il avait un Nokia et moi, j'avais un BlackBerry, mais tu sais, avec déjà 6 générations de retard. Ah ouais, ouais, ouais. C'était le moment où tout le monde avait des iPhones. C'était la fin du BlackBerry, ouais. Oui, tu vois. et il a réussi à me prendre 200 balles sur mon compte parce que je pouvais retirer 200 balles avec ma carte bleue, tu vois, c'est tout. Et du coup, les gardes nous ont full agressé juste pour 200 balles et deux téléphones de merde et un livre de Nietzsche. Ils l'ont pris le livre ? Ça m'en peut. Non, ils nous l'ont rendu. Ah oui, bah oui.
Moi, je me rappelle la toujours. Seule fois où je me suis vraiment fait raquette, le mec qui était avec moi a dit vous pouvez me rendre mes papiers s'il vous plaît. Et le gars a dit on va être gentil, il lui a rendu son portefeuille sans l'argent. Ouais, moi je l'ai demandé justement à la fin. Alors le livre il nous l'a rendu direct, il a dit c'est quoi ça? Il lui a dit ah c'est un livre de philo et il a dit ok, il lui a rendu, donc ça, c'était drôle déjà. mais après à la fin, ouais, à la fin en fait comme il y a une voiture qui arrivait, moi je crois que c'était du renfort, ça m'a fait bader. Et en fait après en fait ils ont badé direct, ils sont barrés parce que c'était des gens tu vois. Oh, des randoms, ouais. Des gens qui passaient dans le coin. Et du coup ils sont barrés et il y avait un gars qui était un peu en stress, j'avais capté qu'il était en stress et je lui ai dit s'il te plaît rends-moi mes clés, rends-moi moi les clés et les documents et il m'a rendu les clés tu vois. Comme quoi. Comme quoi, faut demander hein. Comme quoi des fois il y a des bonnes âmes dans ce monde. Voilà, il y a de l'humanité dans tous les échanges les gens. Sympa c'est, voilà je vous jure il y en a un qui était pas sympa, les autres ils étaient sympas de fou par contre. Ouais c'était le celui qui engrainait quoi. Bah le, ouais, le dur, bah lui là, mon pote il a pris des baffes donc Le mec m'a rendu ma carte SIM, ce qui me termine c'est la scène où le gars sort ta carte SIM, bon allez tiens mon ref, prends la carte SIM, tu sais c'est le moment un peu issou où t'attends le mec, il est en train de manipuler le truc et tout, t'es à côté en mode ok. T'as dit merci, bah les frères évidemment genre dit merci monsieur, au revoir monsieur. C'est pas tout le monde qui rend non j'ai dit merci et j'ai couru après. J'ai pas, on est pas non plus fous tu vois. J'ai dit merci et puis dès que j'ai eu mes clés, je les ai mis dans ma main et j'ai couru. Comme j'ai jamais couru dans ma vie je pense. Un paquet neuf de Philippe Maurice, le gars m'a donné un demi-paquet de Marlboro Gold. Mais c'est plus un racket là. Je suis mort, le racket nul. Bon, vas-y, tu me donnes un paquet de clopes entier, vas-y. Je te donne la moitié du mien. Armer les bougs, ouais, ils étaient armés, ouais. Vous avez des couteaux. Bah, tu fais pas le malin. Ah, là, là, bon, ça me fait rire, moi. Franck Ropers, alors. Ouais, bah voilà, bah, chaque fois que je regarde une vidéo Franck Ropers, ils ont jamais vécu la situation vraiment dangereuse que j'ai vécue où t'as 6 mecs avec des couteaux qui t'attrapent d'un coup, qui te l'amènent dans un coin. Et bah, c'était leur pute, en fait. Pied dans les parties. Ils m'auraient dit juste moi, je l'aurais fait quoi. C'était pas non, mais tu comprends. D'ailleurs, c'est horrible. Hein. Ton cerveau, il comprend qu'en fait, t'es une petite merde. Quoi. Il y a 6 mecs avec des couteaux, ils te disent suis-nous. Et tu fais oui. Oui, je pense même si t'es Cédric Doumbé, hein, je pense que tu dis oui en fait. À partir d'un certain nombre, c'est ça. Bah oui, 6 gars avec des couteaux, genre les gars, je suis désolé. Genre, il n'y a plus de virilité, de machin. T'es juste une merde quoi. Bah ouais. Et en vrai, justement, d'ailleurs, moi, mon conseil, dites oui. Hein. Vaut mieux donner son téléphone, son portefeuille, un peu de thunes, ça casse le giga les couilles, hein, je dis pas. Mais que de prendre des coups de couteau, quoi. Genre, surtout que ces gars-là, après, quand ils ont été retrouvés par les flics, ils ont mis des coups de couteau à des gars. Qui sont battus, qui ont refusé et tout. Donc c'est là que tu te dis, ouais, finalement. On a braqué ma caisse, j'ai même dit bonne journée. Ouais, mais la caisse, tu t'en bats les couilles, c'est pas ton argent, quoi. La seule fois ça m'est arrivé, j'ai dit non, je me suis fait mêler par 10 personnes. Non, mais voilà. Ilyes, vous voyez non, mais Ilyes, c'est pas parce que tu fais 2m50. Ilyes, c'est un bandeur de la rue, c'est pour ça. C'est invincible. Ilyes, on dirait pas, gros, c'est un bastonneur, la vérité, Ilyes. On dirait pas, mais c'est un bandeur temps, de la base. Gros, il t'attrape bah oui, déjà. Il a de la longe. Tu sais, il peut faire comme ça et le mec, il avance plus là. Je cours, moi. Oui. La nationalité des 6 mecs, encore plus pauvres que moi. C'est ça que j'ai compris. Quand je les ai vus. Pourtant, j'étais pauvre. Hein. J'ai reçu 4 coups de couteau. Le gars voulait pas me voler. Il a rien demandé. Il est parti. Donc c'est l'histoire la plus terrifiante. T'as pris 4 coups de couteau gratuits. Mais c'est passé. T'étais où? Waouh, ça c'est vénère. Terrifiant. Ah oui, c'est terrifiant de fou. Ça c'est vénère. Mais j'avais entendu une histoire comme ça. Parce que moi, ça m'était arrivé à Montpellier. Et quelques semaines après, on avait appris l'histoire. Il y avait un gars, il avait été retrouvé, tu sais, au bout du tram. Le conducteur de tram l'avait retrouvé. Il était au fond du tram avec des coups de couteau dans le bide, en train de se vider de son sang. Et c'est horrible. T'apprends ça 3 semaines après t'être fait voler ton téléphone. J'avoue, j'étais pas bien. Oui, parce qu'après, t'as le trauma un peu. J'étais en RP droit arbre pendant 2-3 semaines en mode. Ça fait peur en fait le tram un peu. C'est pas bien. Et devinez quoi? Je ne suis pas devenu raciste. Donc posez-vous des questions quand même. Ah, c'est le syndrome de Stockholm. Après, tu vois, leur question là, quelle nationalité? Si vous voulez avoir 100% de réussite à cette question, demandez c'était quoi la classe sociale. Mais ça, c'est bizarrement, vous voulez jamais demander cette question-là, on se demande pourquoi. Eh oui. Que des babtous qui raquettent, j'en connais quelques-uns, je peux vous les présenter si vous voulez les droits tard. Vous me donnez votre adresse, je vous les envoie chez vous. C'est vrai, c'est vrai.
D'ailleurs, parfois, les Babtou, ils sont plus dans le cambriolage que dans le racket. Donc faites attention, parce que vous n'allez pas juste perdre un téléphone. Quand je m'étais fait... il y avait eu des trucs, on s'était fait braquer dans la pâtisserie et on s'était fait un cambriolage de nuit aussi. Les deux fois, c'était un tout bab. Et le cambriolage, c'était un Babtou en costard, 50 ans, tout maigre, calvasse, tu vois, vraiment habillé comme un salaryman, tu vois. Trop bizarre. Pour des rouleaux de pièces de 10 centimes. Hein. Bravo, mon ref. Hein. Vraiment, félicitations. Hein. Très grave. Hein. Mais bon. Ils sont plus dans les paradis fiscaux que le racket. Oui, non, ça, c'est pour les giga riches. Mais de toute façon, tout le monde vole à son échelle. Hein. Plusieurs fois, on a essayé de me racketter, arnaquer. Je fais gentil d'ailleurs en donnant des conseils sur le papa, ils m'ont laissé tranquille. Demande, mais des conseils sur quoi? Attends, mais les gars, vous. C'est Oussama Hama. Il a dit. Vous voulez un conseil, les gars? Comment investir l'argent? Eh, les Yakuza. Moi, je connais le chef des Yakuza. Et c'est bon, tu m'étonnes, le gars, il se barre en fait. Oui, tu l'as. C'est quoi ce niveau de. Mais surtout, j'ai des conseils sur quoi? Des conseils beauté, des conseils mode, des conseils raquettes. Oui. J'en sais pas, c'est pas clair ton histoire. En tout cas, faites pas les ouf, quoi, si on vous, on vous embête. Après, des fois, il y a. Il y a un bon coin pour bouffer là-bas. Une fois, on a essayé de me voler mon tel. Et c'était genre, tu sais, c'était genre deux petits gamins là, qui étaient arrivés. Et qui m'ont dit, donne ton tel comme ça. Mais en fait, tu dis non. Et en fait, ils s'en vont au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Genre, en fait, il faut analyser la situation. C'est ça. Quand il dit, j'ai un couteau, je vais le sortir. Et quand ça fait 30 secondes qu'il dit qu'il a un couteau et qu'il va le sortir. Non, les mineurs, c'est dangereux. Juste quand un peu menaçant. Les mineurs, oui, par non, contre, mais quand là, ils sont là eux, ça allait. Ils voulaient juste me mettre un coup de pression et ça n'a pas marché, tu vois. Par contre, les autres, en fait, ils sont arrivés, ils ont dit bonjour, vous allez nous suivre. On a des couteaux, ils ont sorti des couteaux. On a dit oui, monsieur. Ah ouais. Où est-ce qu'on va? Bien sûr. Ah, c'est un très beau parking. Ah, j'aime bien à cet endroit très peu éclairé. Effectivement, il est vraiment sympa. J'aurais préféré l'endroit éclairé. Non, vous êtes. Ah, ouais, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Bien au fond, là, là où il n'y a personne qui puisse nous voir. Je suis d'accord avec vous. D'accord, très bien. Mon code de carte bleue, je l'ai oublié. Quoi? Ah, vous allez envoyer un autre gars. Et si on donne le mauvais code, il vous envoie un SMS et vous nous plantez. Non, si je me souviens de mon code de carte bleue, monsieur, en fait, je sais pas, parfois j'ai des trous de mémoire. Mais ça arrive comme tout le monde, vous voyez. C'était un peu ça, t'es très poli. T'es vraiment dans le consentement. Mais ça, t'as eu trop de chance. Moi, la fois où ça m'est arrivé, après, ils nous raquettaient parce qu'on avait été acheter plein de shit. On avait un gros bout de shit sur nous. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous avaient raquettés. Ils savaient qu'on allait choper. Mais ils sont arrivés. Moi, ils m'ont éclaté un tube en PVC sur la tête. J'étais plein de sang et tout. Genre, ils ont d'abord tapé chaud. Avant de demander les trucs, quoi. Genre, vraiment, ils nous ont d'abord tabassé. En fait, c'est ça qui terrifie. Après, ils nous ont traînés sur le sol jusqu'à un coin. Et là, ils nous ont foutu vider les poches, tu vois. Du coup, c'est ça, en fait. J'étais en mode, et puis avec l'Andréani, j'étais en mode, vous êtes des ouf, je saigne et tout, c'est n'importe quoi. Et en plus, un peu analyse ouais, bizarre, ouais, tu vois, ouais. Genre j'avais pas mal, tu sais, j'étais en mode, mais vous êtes complètement con, c'est terrible. Mais l'adrénaline, tu te mets à insulter les gens de fou, quoi. Ah ouais. Moi, je me rappelle, il y avait un vieux bourré une fois dans la rue, il m'avait poussé, sans aucune raison. Et j'étais en mode, mais t'es un malade! Genre, c'est ta première réaction, t'es vraiment en mode, ça va pas, en fait. Oui, c'est ça. Et après, j'étais en mode, oh putain, le gars, je lui ai turbo hurlé dessus. Alors que ça se voyait que c'était un vieux bourré, tu vois. Mais la première seconde, ton réflexe, c'est vraiment de hurler et d'être en mode, mais ça t'a vous faites raquette tous les 4 matins, mais ça nous on raconte là une anecdote. Et les gens, c'est arrivé. La seule fois dans ma vie où ça arrivait, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Rentrer à 4h du mat chez moi, comme tous les putains de jours, vie étudiante, ça t'arrive une fois. Ça arrive une fois, j'avais 16 ans. Mais après, c'est pour ça, moi, je vous dis, faites pas les oufs, parce que après, sur le moment, tu flippes, t'as tellement peur de te faire fracasser la gueule, et t'essaies justement de marchander. Le fait de tu es en mode vas-y prends tout ce qu'il y a à prendre mon frère. Ouais. Laisse-moi tranquille. Je me suis fait braquer au gun à ma coloc parce qu'on vendait de la beuh. Bah oui, mais après aussi là vous allez chercher aussi hein. Mais ce qui m'avait marqué moi c'était de remarquer que ils étaient autant en stress que nous. C'est un truc qui est précis, c'est que j'ai vu que le leader, c'était celui qui était le plus sous adrénaline, sous tension et le plus violent et qui nous faisait le plus peur. Mais les autres, ils se chiaient dessus, en fait. En fait, tu vois que c'est pas marrant pour eux non plus, quoi. Tu sais, il y avait un truc où t'étais en mode... c'est bizarre, quand même, comme ambiance. Bah ouais. Et il faut pas oublier ça. C'est pour ça, en fait, je pense qu'ils sont dans le stress. D'où le fait qu'en général, tu dois essayer de préserver le plus possible ton intégrité physique, quoi. Par tous les moyens, hein. Ouais. Ici, on court très très bien. Après, bien sûr. Ça, c'était la seule fois où je me suis fait emmerder dans le 9-4.
Les gars, j'ai couru comme un ouf dans une poste et ils m'ont lâché à l'entrée de la poste, tu vois, quand je suis rentré. Oui, ça, il faut savoir courir. Il faut savoir courir si t'as pas envie de te faire quand choper. Quand ils sont plusieurs et que tu cours, souvent ils courent pas à la même vitesse. Et en fait, oui. Au début, ils te poursuivent. Et quand il y en a un qui commence à te poursuivre tout seul parce que ses potes ont abandonné ou sont plus loin, et du coup, il va abandonner parce qu'il veut pas se retrouver en 1v1. Ouais. Mais et l'angoisse. Du coup, c'est la strat. Mais après, faut courir, hein. Mais l'angoisse de la course, c'est que si tu rates ta course, tu te fais défoncer parce c'est que ça, c'est un. C'est ça, c'est en fait, ça. C'est, si t'arrives en mode bon, bah ok, vas-y, je vous donne tout. Mais si t'es en mode genre je trace comme un ouf, si tu rates ta course, t'es finito parce que c'est là, ça, ils tombent à 6, full adrénaline et ils t'éclatent parce que tu les as fait courir quoi. Surtout en tant que fumeur. Donc, après, il y a l'adrénaline. En fait, la composante, c'est l'adrénaline. Ouais, et c'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, l'adrénaline, les 4-5 fois. Ah ouais. Les 4-5 fois où j'ai ressenti un peu une adrénaline de type danger, c'est une dinguerie comment, ah ouais. Genre c'est, tu deviens, t'as l'ultra instinct quoi. C'est... Ah ouais, fou. Ça monte vite, bah heureusement hein, parce que de toute façon faut que. Bah ouais. C'est ça. Petite trace, oui bien sûr, ouais, tu sors, tu tapes une trace. Ouais, courir, t'as ouais. Le temps, t'as ah, le t'as temps, t'es ouais. Là, attends, hey, mon gars, attends, tu me tiens ma carte, s'il te plaît. T'as pas une carte bleue ? T'as vraiment ma carte le temps de taper ma trace ? Mais t'aurais pas un bout de papier là pour. Non mais ça va être de quoi vous rêvez quoi ? Je m'échauffe, est-ce que je peux m'échauffer ? J'ai ah là essayé là d'aider là. Une meuf qui se faisait emmerder par 5 gars à l'arrêt de tram, elle a pu se barrer et m'a laissé seule me faire embrouiller par les gars, je suis une meuf aussi. Ah ouais, ça c'est sale. Peut-être quelqu'un sombre. Et tu te fais trahir, c'est ça, là, ouais, le seum. Après, c'est bon, bien, t'as ta conscience pour toi, t'as ta conscience. Logique de fuir aussi, non ? Bah ouais. Bah ouais. Mais bref, ouais, vas-y, Mais c'est pour secondes. Ça, les gens, si vous... L'astuce psycho, apparemment, qui fonctionne bien, si genre vous voyez des gens se faire emmerder dans la rue, ou dans le tram, dans le métro, c'est pas d'y aller vous en première ligne, mais c'est de dire aux autres faut qu'on agisse. Parce qu'en fait, ça, c'est un biais psychologique qui est genre où tout le monde se regarde en mode qui va y aller en premier. Et en fait, souvent, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à bouger, mais c'est juste que tout le monde attend que quelqu'un fasse quelque chose. Et du coup, le mieux, c'est même pas forcément que vous y allez en première ligne, mais que vous allez voir les plus gros costauds de la RAM, du machin, et de dire regarde, il se passe ça, ça a l'air et chaud. Et après, tu fais venez, semblant on y va d'y aller. Plusieurs. Et quand les mecs commencent à y aller, tu te mets un pas en arrière. Et c'est bon. Dilution de responsabilité, ouais, c'est ça exactement. Et du coup, si un jour vous êtes témoin de ce genre de truc, c'est pas à vous d'y aller en mode héros, essayer de prendre au moins 3-4 personnes avec vous. Et en général, c'est ça aussi qui va faire que... En plus, un agresseur va s'arrêter. C'est qu'il va voir que vous êtes 4-5 et il y a la pression sociale et il y a la pression du nombre. Donc si jamais ça vous arrive, après voilà, de toute façon, ça, moi, non, je ça l'autre fois, on était dans le héros non on plus, était hein. Dans le tram avec Wissam quand on revenait du jour, tu sais, on a installé son OBS et tout. Et il y avait un crackhead qui commençait à parler à des gos et tout. Et Wissam, tu sais, il était en mode goofy à la base, on rigolait, tu sais, il était en sketch, c'était Wissam. Et quand le gars commençait à parler, j'ai vu Wissam, il a commencé à se redire, à avoir un regard noir et tout. Gros, il était à deux doigts de le démarrer et j'ai senti qu'il était à deux doigts de se lever pour le démarrer et le gars s'est barré et ça a été. Et je voyais Wissam, il était en mode attends et tout. Tu sais, il était en mode je suis le roi du combat. Bâton. C'est, oui, c'est ça, il était en mode je suis le roi du bâton. Genre, tu sais, je le sentais, tu sais, vraiment en mode il allait passer en mode ça, Wissam. C'était trop marrant. J'étais en mode bon, bah, je vais le suivre, hein, on va y aller, hein, mais bon. J'aurais bien évité quand même. Et lui, il était prêt de fou. Hein. Vous pensez que ça fonctionne de faire le fou ? Alors, il y avait, je crois, c'était. Alors, ça, moi, j'ai toujours douté de s'appelle... cette strat. Hein. Non, mais c'est. Comment il s'appelle, putain, le gars de nerd là ? Pourquoi j'ai pas son nom ? Davy là ? Davy ? Comment il s'appelle, je le dessinateur ? Davy Mourier ? Ah, Davy Mourier, ah, voilà. Mais lui, putain, il a pas besoin de jouer. Il est fou un peu. Lui. Non, non. Mais justement, il avait raconté dans des vlogs à l'époque qu'il s'était fait agresser en bas de chez lui, en plein Paris, et qu'il a eu comme réflexe, il sait pas pourquoi, de RP Régis Robert, là, tu sais, son personnage full autiste dans. Dans ça ressemble Nerf, à quoi mode... bah, je sais pas, mais il est vraiment en mode... Tu vois, genre vraiment full... Voilà, full gogol, quoi, tu vois. Ouais, okay. Et il a dit, comme les gars étaient en train de le tabasser, il s'est dit, il a dit... Même lui, il dit, je ne comprends pas, mais je me suis dit, ok, je vais tenter ça. Et il a vu que les gars se sont mis à bader, en mode, on tape un handicapé, en fait. Et du coup, ils se sont barrés.
Et après, il avait raconté son histoire en mode, je vous jure, je sais pas si ça va marcher dans toutes les situations, mais en tout cas, ça a marché. Et surtout, il était en mode, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ce réflexe. Ça me fait trop rire, je suis mort. Ça m'avait fait mourir de rire, mais c'est un vieux truc. Hein. Il avait raconté ça il y a au moins 10 ans, je sais pas. La meuf qui fait le pigeon, qui fait du bruit de fou. Il a sorti sa teub. Ah oui, il avait sorti sa teub. Ah, j'avais oublié ce détail. Ah, en vrai, ça se tient. Filet de bave. Il se branlait pendant l'agression. Après, peut-être c'est attends, ce qui l'excitait depuis le début. Attendez, mais là, vous racontez, ça devient bizarre. Là, c'est plus une esquive, c'est un king que vous êtes en train de nous raconter. Là, c'est une dinguerie, ça. Là, c'est Conversano, là, quand il raconte ses fantasmes. T'imagines les mecs quand ils sont rentrés. T'as déjà vu ça ou pas? Non. Ah oui, quand il dit ouais, je fantasme de me faire violer par des noirs et tout là. Non, non, il était en mode, j'ai tout, de temps en temps, je fantasme de me faire violer, toujours par un mec obèse et tout, il précise. Ah oui, je serais, oui, c'était un mec obèse, c'est vrai, exact. Et je sais pas si t'as vu, là, récemment, il y a eu un nouveau truc, je te conseille pas de cliquer sur le lien Twitter parce qu'il y a des images un peu de cul, mais en gros, t'as quelqu'un dans le chat de Conversano qui lui dit, j'aimerais me branler que sur des personnes blanches, mais sauf que j'aime trop les meufs noires, beux et tout, du coup, comment je fais pour me sortir de ça? Et il lui dit, alors mon conseil, c'est de, si tu veux arrêter, c'est vraiment que tu ne regardes du porno qu'avec des blancs, genre hommes blancs et femmes blanches. Et il lui dit, et je te jure, ça va marcher, vous croyez que ça marche pas conditionnement, mais je suis tombé par hasard sur des pornos qui rendent gay. Et si vous regardez ça, vous pouvez devenir gay. Donc voilà, faites ça, machin. Alors déjà, le degré de racisme, on est au fin fond du caniveau. Mais le fait qu'il soit en mode par hasard, alors qu'il avait déjà dit qu'une branlette sur 10, il pensait à des trucs homosexuels. Et en plus, voilà, c'est ça, c'est les sissi hypno. Il est en mode, oui, c'est des trucs hypnotiques qui, du coup, te disent « Are you gay ?» et tout. Non, mais ça, c'est chiant. Ah oui, ça, c'est le truc qui rend trans aussi. Non, mais justement, c'est la plupart. En vrai, la plupart des pornos femboy, trans et tout, il y a souvent ce truc de « Est-ce que tu es pas gay, au fond ?» Tu vois, il y a un peu cet interdit avec lequel joue beaucoup le porno. Le porno gay, le porno... C'est des bails d'AGP, ça. Ouais, voilà, tu vois. Et en tout cas, Conversano, elle est un sacré consommateur. C'est effrayant, n'est-ce pas? Ah ouais. Du coup, il est en mode, du coup, branlez-vous que sur des blancs. Non, mais ouais, je la réflexion. Ok. Surtout que moi, ça m'étonne zéro que les racistes, ils se branlent bas que sur des blancs. Ça m'étonne zéro, quoi. Ah oui, justement, c'est même impensif un peu qu'ils fantasment un peu là-dessus. De toute façon, bon, tu vois, le pays, on dirait qu'il n'y a que des racistes dans le pays. Pourtant, la catégorie préférée en France, vous savez, c'est quoi hein? C'est le B-word. Ça dit tout. Hein. En plus, c'est logique parce que justement, ça rentre dans ce truc de dominer, de conquérir les meufs rebeux. Et tout ce truc aussi de vouloir dévoiler, déshabiller les femmes rebeux. Ça va dans ce truc de fantasme, colon, je pense le contrôle du corps des femmes, etc. Ouais. Je pense qu'il y a plein de porno voilé et tout, machin. C'est ça, c'est ça. Genre... Ouais. La paplane extrême droite trans, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas que le lore Conversano. Oui, la catégorie, oui, non, c'est juste dog. Que dans le lore Conversano, ça m'étonne encore moins. Comment ça, dire. C'est dog? Tu regardes des trucs zoophiles? Ouais, je vais te banner le chat. C'est quoi la catégorie? T'as vu qu'il y a dog une manif c'est où les gens? C'est à Lyon, c'est ça? Il y a une manif de gens qui s'identifient comme chiens, qui non. veulent être reconnus comme tels? Non. T'as vu ça ah sur bon le compte Twitter de Jean Yuri? C'est juste des mecs qui font du puppy play. Ah ouais? Et tu t'es mais ouais, pas, moi, t'es j'ai vraiment juste une un merde. Hein. Tu t'es fait avoir tweet, par le tweet d'un gars qui fait que des tweets comme ça pour dire des trucs comme ah c'est à la oh bah oui je vois des gens habillés en puppy mais eux ils veulent vraiment s'identifier chien. Oh là 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 là. Et gros mais toi t'es censé savoir ça, c'est une dinguerie quoi. Bah, je sais pas, je me suis dit, bon, ça peut-être des amateurs de pupi encore qui ont décidé d'aller plus loin. Moi, je me suis pas. Mais tu sais, moi, en plus, ça me choque. Moi, je suis même... En plus, moi, je vois ce tweet. En fait, pour te dire mon immense tolérance, c'est que moi, je vois ce tweet, je suis en mode, ok, d'accord. Mais je m'en bats les couilles un peu. Je suis en mode, bah, très bien. On parlait sur Move. Ah, bah, mais d'accord. Ouah, c'est. Nani nous désinforme. C'est moi, j'aime trop les mèmes en ce moment là qui sont en mode faire exprès de faire des fake news. Vous êtes matrixé, hein.
ça me fait mourir de rire. T'as vu celle de celle c'était Mine qui avait fait un truc sur Thomas Sankara gay et je sais plus qui d'autre. Il a fait 5000 likes là-dessus, tout le monde qui croyait. Ça c'est trop, c'est un ouf. Moi ça me fait mourir de rire. Mais c'est là que tu vois que les gauchistes gros ils sont matrixés. Sur Squeezie aussi. Trop heureux. Tous les gens là qui disaient ouais Squeezie il est horrible avec moi, il m'a turbo enfermé. Ah oui voilà, attends, tu voyais que c'était pour rigoler ça. Ouais mais du coup ce que je trouvais précis c'est qu'il y en avait vraiment plein et finalement ça finissait par le défendre un peu en mode ironie. Mais c'était marrant, mais après Squeezie le pauvre il devait plus en pouvoir. Ouais. Après bon voilà quoi. Voilà quoi. Mais après quand tu vois que les gens ils ont pris premier degré. Joe Cohen et Bolloré non? Non. On voyait là. Mais quand tu vois que les gens ils ont pris premier degré le truc de Zoukoumézi qui dit j'ai 5% des armes qui circulent en France et que t'as ces fanboys qui tweetent ça, attention, ne vous attaquez pas à Zoukoumézi, il a 5% des armes. Il faut envoler un béret à Thompson. Oui, et du coup j'ai vu des Zoukoumézi troll dessus maintenant, je l'ai vu l'autre fois, il a dit maintenant j'ai 25% des armes et tout. Genre, tu sais, genre, je pense que quand ils voient ça, genre les mecs ils doivent se dire, mais attends, notre public est gogol en fait, c'est comme nous avec notre chat, tu sais, c'est vraiment. C'est une dingue. Mais c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a la sauce parce qu'il y a ces screens quand ils suivaient ER et je sais plus quoi, quoi. La vidéo parle de vos iPhones. Bah tiens, vas-y, clique sur la vidéo, Jonathan, quand même, qu'on regarde ça. C'est celle-là, là. Vas-y, mets en React. On voit pas. Du coup, j'allais cliquer au moment où t'as dit on voit pas. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour le faire. Ah ouais, je vais prendre du plaisir à te voir être lent et nul ce soir. Tu vas attendre. Ah mais moi, je m'en fous. Hein. Tu as le stream ou pas? Oui. Le film était un peu financé par votre canal et je sais que Vincent Bolloré est tout sauf un militant écolo. Comment vous avez fait? Et trouve-moi un militant écolo parmi toutes les chaînes, parmi toutes les plateformes, parmi les moyens de communication, parmi tout mon pote. Ne rentre pas dans ce débat-là, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ce serait du temps perdu. L'Apple que t'as dans la poche, est-ce que franchement, est-ce qu'écologiquement il fait, il assure? Est-ce que tout ce que tu fais, les voitures que t'achètes, ne rentrons pas dans ce débat-là qui est stérile, mon pote? Parce que tout le monde a de quoi se reprocher, tout et n'importe quoi. Après, il a raison. Steph, en France, de Netflix, tout le monde. Tout le monde. Ne commence pas, toi, à juger de ta petite lunette en disant « Dis donc, mais moi, ça me paraît pas top. » Personne peut juger. Vous, ni nous, on peut vous juger. Arrêtons avec le jugement facile. Vous n'êtes pas, voilà, ne vous mettez pas à cet endroit-là. Mais bonne question, quand même. C'est pour que tu repartes pas tout ça. Et d'accord. Moi, je suis... Merci. Son nu, mais juste... Ouais, ok. Pause. C'est... oui, Osef. Il le dit en mode blague, en plus, ça va. Ouais. Ouais, c'est drôle. En plus, en quoi il est... Tout le monde s'attaque. Fou, en ce moment, c'est le clash, d'ailleurs, le clash là, parce que tu sais, il y a un clash entre la Caca Box, notamment Potatoes et la team du lundi sur ça. Et il arrête pas de les faire sur le truc de l'avion et tout. Parce qu'il y a des turbo clash. Il y a que des clips de TikTok qui sortent d'Antoine Daniel qui parle mal de la Caca Box, Into machin qui parle mal de la Caca Box. Et à chaque fois, ils passent des 10 minutes à se moquer d'eux parce qu'ils prennent l'avion pour 50K pour aller à Vegas, etc. Et après, ils ont raison. Après, il était là, il commençait à dire et toi, tous les racistes dans ton chat pendant les Z-Event qui aiment pas les Arabes et tout. J'étais là, oh là là. Bah, ils ont raison. Il a un peu raison. Mais alors, il y a une haine, gros, là, c'est en train. En tout cas, ou alors, c'est mon algo TikTok qui met en scène une guerre des tranchées entre Cacabox et la team des gentils, là. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Bah, ils ont leur hypocrisie aussi, quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est pour ça que moi, le discours de dire on est un peu tous hypocrites, moi, je suis vous êtes en mode débile et tout, mais en vrai. Je sais pas. Oui. Moi, je qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, si vous êtes en mode Bolloré, c'est Groupe Canal qui a financé ce film. Du coup, c'est Bolloré, alors que derrière, il est pas écolo. Mais regardez pas de live sur Twitch, quoi. Bah moi, je trouve que Bezos, en plus, c'est loin d'être écolo, Bolloré, il y a le côté écolo. Mais s'il y avait que ça,
Genre, parce que tu vois, moi je suis d'accord avec le truc de Cohen sur l'universalité de la non-écologie, de plein de trucs. Mais il y a une singularité Bolloré qui est plutôt faire le lit de l'extrême droite, tu vois. Après, on parlait, tu sais, genre, c'est pas pour ça que je dis il faut attaquer Jonathan Cohen, oui, qui se fait produire pour ça, je dis pas ça du tout. Mais tu vois, genre. Du coup, on aurait pas mettre le vidéo sur YouTube. Oui, parce oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que, bon, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais, c'est pour ça que moi, je trouve son discours de dire le débat est un peu inutile, frérot. Mais et puis. Marrante. Et puis, il est en promo. Après, il aurait pu lui répondre plus en lui disant oui, bah oui, c'est le problème de. Quand tu veux parler d'écologie, t'es obligé de le faire dans le cadre du système capitaliste. Oui, et mais. Du coup, forcément. C'est bon, Cohen, c'est le réel, quoi. Genre, c'est oui, oui, oui. Enfin, tu vois, genre, c'est pas. Voilà quoi. C'est pas tu peux critiquer ton boss, mais les gens, je pense pas que c'est Bolloré. Ah, attends. Non, moi là, je pense. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que vous sous-estimez. Ouais. Bah, tu t'es obligé d'être vrai, corpo quand tu fais ça, je pense. T'as raison. Et reprocher aux gens d'être corpo, bon. Non, t'as raison. Je pense que c'est chaud de critiquer Bolloré, à mon avis, vu comment Hanouna et tout, là, ça a l'air d'être contractuel. Ah ouais, tu vois. Genre, après, Hanouna, que... c'est une émission politique qui est la plus influente. Oui, oui. C'est Jean-Michel, cinéaste du groupe Canal. Je pense que Bolloré s'en bat un peu plus les couilles. Tu vois. Bah je ouais, sais ouais. pas, hein, mais. Bah ouais. L'humoriste qui a imité leur dépro qui s'est fait virer. Ouais, ouais, non, mais moi, je pense qu'il y a l'air d'avoir une. Amazon. Moi, je pense qu'il y a quand même une ambiance où tu sais que tu peux pas y aller là-dessus, quoi. Je pense vraiment qu'il y a un truc où tu sais que c'est pas. Ouais, tu peux pas le faire, quoi. Tu peux pas commencer à blabla sur le sujet, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Oui, bah oui, c'est vrai que s'il dirait Bolloré, ça l'enculé, il travaillerait peut-être plus avec le groupe Canal après, oui, effectivement. Bah, c'est ça, c'est ça. Effectivement, effectivement. Non, non, mais ça, sur ça, oui, oui, je pense qu'il y a forcément un effet comme ça, effectivement. Regardez le trailer du film. Ah oui ? Vous voulez voir ça, vous ? Non, oh, pff, on s'en branle. On s'en fout, non ? Ouais. Vous irez le voir vous-même, hein, vous démerderez. Finalement, vous voulez faire de la pub. Alors, c'est ça, les gauchistes, vous vous dénoncez pour finalement faire de la pub au film. Vous êtes un peu des génies, moi, je oui, trouve. Vous êtes complètement con. Hein. Ça, la vérité. Hein. Comme d'hab. Le film, il est archi. Le film est archi gaze. Oh, bon, ça, je sais pas. Moi, j'ai vu son film là sur Prime Video. Tu l'as regardé ou pas, inspecteur Ou c'est et un inspecteur de police et en même temps un chanteur. Tu l'as pas vu? Non, ça c'est vraiment. Bizarre. C'est un sketch Jonathan Cohen du Nord-Cran, mais moi le film j'ai trouvé vraiment gaulerie. Hein. Bah, c'est tu un m'attendais qu'il à rien drôle, en fait, c'est un bon acteur. Non, mais il surtout juste, gros, il non, fait mais... le débile, je suis heureux quoi. Sentinelle, ouais. Moi ce que j'ai aimé en fait dedans, c'est qu'ils osent faire des gags très longs, un peu, tu sais, des vannes insupportables trop longues. Et ah, moi ça me fait le plaisir de rire. Ça, ouais, ouais. Genre il y a une scène qui m'a terminé où c'est juste genre, tu sais, genre il y a une scène de corruption où t'as genre la maire de la ville qui va voir une sorte de leader dont elle se sert pour son plan machiavélique, tu vois, bref. Et ils vont se croiser sur un parking avec une voiture. Et en fait, ils se placent à côté, mais ils sont pas à côté pour se parler. Du coup, il fait le tour, mais il se remet mal et refait le tour. Et en fait, c'est vraiment une scène longue où tu vois la voiture qui arrête pas de faire le tour. Non, mais il faudrait voir la scène, tu comprendrais mieux. Mais pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'ils voient de quelle scène je parle. Et gros, c'est trop marrant. Ils sont à la voiture, ouais. Ah putain. Mais non mais désolé, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Et il y a beaucoup de gags sur le fait que c'est un flic, qu'il est complètement teubé. C'est assez gaulerie, j'ai trouvé moi, j'ai trouvé ça assez gaulerie. J'ai compris, ça me ferait rire, c'est bien, vous êtes gentils les gens. Je confirme, je suis la voiture, c'était très drôle. D'accord. J'ai pas vu mais j'ai compris. La seule scène drôle du film, oh Dose, dit Dose. Après, c'est pas Dose, le film Dose, de l'année en mode Moi je suis en train de rattraper Jujutsu Kaisen moi. Et ah, c'est vraiment Shibuya. Bien. C'est vraiment bien. En vrai. Il a bien l'arc Shibuya. Il y a Shibuya qui a cramé aujourd'hui carrément. Tellement il est bien. Dans... Ah bon ? C'est pas chez le toi que ça Shibuya, a cramé ouais. plutôt ? Bah, ta connexion. J'habite à Shibuya, faut croire. Faut croire que t'habites à Shibuya. Non, mais là. Pardon. Là, j'ai fini la saison 1 où t'as des trucs de flashback et tout. Et je suis au tout début de la saison 2 et c'est vraiment cool. Hein. Il y a des scènes de fight qui sont stylées. Par contre. Désolé, c'est incroyable, mais il n'y a pas de scénar dans votre animé. Ça veut dire que c'est vraiment un animé où ils ont épuré le shonen au point où il n'y a plus que le truc d'avoir des fights et des mecs stylés avec des poses badass, quoi. Mais bah du oui, coup, bah c'est autiste en vrai. Du coup, ça marche bien, tu vois. Après, c'est vraiment c'est teubé. Animé, hein. T'as déjà vu un animé japonais avec non. un scénario par Alors, en fait, eux, justement, Naruto. Vu qu'ils n'essayent pas, c'est moins cuck, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est pas One Piece en mode on voilà, te raconter 6000 voilà. trucs inintéressants, quoi. Voilà. D'accord. C'est ça. Comme Bleach. Mais sinon, ouais. Ça parle du tapis là. Attends, go parler ah de tapis. Je vais, ouais. Tapis, j'ai fini moi, oui. ça y est.
Alors. Envie de fait. Oui. Moi, franchement, j'ai kiffé. Hein. Je dirais juste, moi, je trouve. Ouais, trop court. Ouais. Des choix bizarres de montrer certains trucs et pas d'autres. Ouais, de fou. Et en plus, des fois, tu sens que. En fait, je trouve la série, elle a un parti pris de dire on va pas montrer certains faits connus et montrer d'autres trucs qui sont moins connus. Oui. Moi, ça, je trouve ça cool dans l'idée. Mais sauf qu'en fait, elle assume à moitié parce qu'elle te fait quand même montrer des scènes qu'elle se sent obligée de montrer, oui, genre qui le sont débat trop avec. Emblématique, c'est ça, ouais. Qui sont, bah, ça perd limite le parti pris artistique habituel de la série qui est de montrer autre chose, de même trafiquer son histoire, de changer des éléments, de machin. Et. Après. Et sur ça, c'est un peu bizarre. Je me dis, en vrai, ça aurait bien mérité 10 épisodes, voire moi, plus, je suis d'accord. Quoi. Moi, même 12 épisodes, j'aurais aimé que ce soit plus long. Mais on en parle de la scène avec le juge. Le dialogue avec le juge. Pff, quel masterclass. Incroyable. Oh la fin est cool. D'ailleurs, oh là, elle équilibre une série assez positive sur Tapi. Ouais. En le décrivant très bien et en montrant un peu ce qu'il pense au fond de Tapi. Ah ouais. Après, moi, ce que j'ai kiffé. C'est que ça. Oui, le proc, pardon, c'est pas le juste, c'est le proc. Genre, on dirait il a viré personne, ou alors il l'a fait à contre-cœur. Il y a plus de Sarkozy. Il y a le gars. Oui, c'est vrai. Il a juste, pour l'amour de Marseille, une fois fait une connerie. Non, mais attends, frère. Ah, après, on monte. C'est un super alors, père là, de famille. Après, ça, apparemment, c'est réel. Moi, j'ai. Apparemment, genre, mais... c'est ce que son fils il disait. Le... Hey, et c'est son le boss. Fils, il a des remarques à dire. Bah, par exemple, lui, il a pas aimé le passage sur Marseille. Parce qu'il dit, par exemple, Marseille, ils ont montré des choses fausses, genre le fait qu'ils faisaient des discours, tu sais, les discours de motivation avant le match, qui n'étaient pas du tout le genre de Tapi, justement, ils détestaient ça. Et Tapi, tout son management à Marseille, c'était de croiser un joueur tout seul dans les couloirs, de le choper en tête à tête pour lui dire quelques trucs et d'avoir un suivi. Et tu sais, très chef d'entreprise, paternaliste, tu vois, et qui m'étonne pas. Tu sais, où vraiment, il avait sa manière d'agir avec chacun de ses joueurs, où il les attrapait dans son bureau, il les chopait tout seul pour leur parler, les flatter, enfin, tu vois. Et en fait, je trouve que ça aurait été bien de montrer ça, parce que c'est très Tapi, tu vois. Ce truc de caméléon. Bah après, vois, ça marche, mais ça marche quand même. Série non, mais... aussi. Je suis d'accord, mais il y a des trucs. Ah, on dirait, en fait, voilà, regarde, y a des trucs la vie, ça aurait genre... été intéressant. La famille est contre l'idée. Tu vois, quoi t'as cet avis-là. Non, c'est juste à tout le monde qui dit ça depuis 10 jours. En plus, vous avez vraiment lu ce qu'ils disent, la famille ? Ils ont bien aimé. Moi, la seule chose dont se plaint, la seule chose dont se plaint Dominique, c'est que son personnage est trop féministe par rapport à ce qu'elle est. Mais moi, parce ça, qu'elle je a dit, moi, couilles. J'étais une femme, a dit, je suis une femme d'une époque révolue. Elle est complètement con. Jamais je l'aurais embrassée en premier. Jamais. Mais je parle pas à toi, je parle au chat. Jamais je l'aurais embrassée en premier. Jamais j'étais entreprenante comme ça dans ses affaires. Là, on dirait que c'est moi qui fais tout à sa place. Ça se fait pas pour lui. En plus, par exemple, à un moment, il m'avait fait signer un document à mon nom. Il avait mis des trucs à mon nom. J'ai détesté qu'il fasse ça. Ça me présente. En gros, elle est en mode, ça me présente un peu comme une sorte de wokiste libérale. Bah, et ouais, je déteste ce genre de femme. Donc j'ai le seum. C'est pour ça qu'elle. Après, elle dit que ça, qu'il est super bien joué, que c'est ah un oui, peu déroutant tellement il est bien joué. Mais en fait, mais qu'elle aime pas comment elle a été transformée en espèce moi, je trouve de modèle que c'est... féministe. Moi, je trouve que c'est le truc qui est le plus ridicule de la série en vrai, parce que tu sens que c'est un peu fake. Par contre, un truc que je trouve cool, pareil, c'est peut-être fake, mais la relation avec son père, elle est intéressante quand même. C'est assez beau, quoi, avec le daron qui est partagé entre le fait que c'est un ancien coco de gauche, mais qui aime quand même son fils, qui veut quand même le voir réussir, mais qui n'est pas tout trop à fait stylé. D'accord. Leur relation, elle est vraiment belle, vraiment bien mise en scène. Ouais, mais genre, perso préféré, c'est... perso. Ouais, son daron, il est moi, trop je trouve stylé. Ils ont vraiment insisté sur son côté prolo, ouais. Et comment ça le drive dans tout ce qu'il fait. C'est ça. Et ça, j'ai vraiment aimé. Moi, forcément, il me touche au cœur, la série, en faisant ça. Bah, je pense sûr. Que c'est un... On parle en fait, de la série Bernard Tapie. Peut-être que la série, je pense, pour les gauchistes Mediapart, c'est la pire série du monde à jamais faire sur Tapie parce qu'elle dénonce pas assez. Par contre, du point de vue de pourquoi les gens, et notamment les prolos, les milieux populaires, aiment Tapie, cette série explique vraiment pourquoi les gens ils l'aiment, malgré son bagou, malgré ses côtés voyous, malgré ses côtés escrocs, ça reste ce prolo. Qui est devenu ministre. Ça reste le boss, quoi. Ça reste ce prolo qui a sauvé l'OM, qui a essayé de sauver des entreprises dans un monde capitaliste. Ça reste aussi un de ces capitalistes qui assume, qui dit qu'il est riche, qui dit qu'il s'en bat les couilles. Et il a été humilié, comme peu d'autres hommes politiques tout aussi corrompus que lui l'ont pas été. Ça montre justement comment il est vu par ses équipes quand il est au gouvernement, comment il doit toujours faire ses preuves, son plan banlieue qu'il n'a jamais pu faire, ça explique un peu, entre guillemets, pourquoi, même si c'est très romancé et tout, etc. Les tartines. Et je trouve que c'est intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois vraiment comment le mépris de classe le suit toute sa vie, même s'il devient extraordinairement riche et puissant.
Bah ouais. Et sur ça, la série, elle porte un message qui est fort, qui permet de comprendre, justement, si vous êtes un peu trop des gauchistes, je comprends pas pourquoi les gens, ils aiment Tapie. Ah non, vous allez comprendre. Ah ouais, pourquoi il y a tout Marseille qui l'aime, après tous les banlieusards l'aiment. C'est ça, mais moi, ce que j'aurais kiffé, en fait, c'est presque, tu vois, moi, là, j'aimerais une série, par exemple, sur Tapie en politique, parce que tout, comment il arrive à Mitterrand, sa relation à Mitterrand, pourquoi il démissionne, c'est pas du tout la même histoire. Quand il se fait récupérer par les radicaux de gauche, qu'il devient candidat pour eux, parce que je crois qu'il va être député ou sénateur, plus. Et que du coup, en fait, c'est un parti de vieux qui sont installés dans des trucs qui comprennent rien à rien et qui foutent Tapie au premier plan, qui a rien à voir avec eux. Enfin, il y aurait des trucs, mais après, en fait, cette série-là, on est 12 à avoir envie de voir ça, ça serait chiant à la fin, tu vois. Genre, moi, je comprends aussi leur choix, mais ouais, peut-être 2-3 épisodes en plus. Globalement, le rythme est super. Bien, ouais. L'époque, et putain, surtout à la fin, quand ça se rapproche des années que j'ai un peu connues, les années 90, machin, ouah, les voitures, les costumes, ouah, gros, c'est terrifiant d'authenticité. Lafitte, il est extraordinaire, c'est vraiment Tapie. Par contre, lui, il est franchement un délire. Dans sa voix. Au début, je voyais Lafitte, et plus la série passait, plus je voyais Tapie. C'est délirant. Celle qui joue Dominique, elle est incroyable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'écriture féministe qu'ils ont fait du personnage. Mais c'est bien, c'est actuel. Je comprends qu'elle, c'est ça la saoule. Non, mais je comprends qu'elle, ça la saoule. Genre, ça doit pas être agréable de se faire Netflixiser, peu importe comment tu penses. Tu vois, je pense que c'est pas très agréable. Ouais. Mais par contre, je trouve que ça a du sens en termes de rythme, de narration. Et que son personnage, il est quand même très cool. J'aime bien aussi le personnage de Nicole, que je trouve assez bien travaillé, et qui lui ressemble pour le coup. J'avais vu des interviews de Nicole, moi, déjà. Et je trouve il lui ressemble, son perso, un peu, tu vois. Et puis, ouais, le daron, extraordinaire. Mitterrand, trop bien, trop heureux. Ils n'ont pas osé faire Le Pen, ils l'ont pris le vrai, je trouve. Ça, c'est, ça m'a fait rire. Et, et la fin, ouais, le procureur, la scène, elle est une de mes scènes de série télé française préférées, hein. Je pense que ça rentre dans le top 10 des meilleures scènes que j'ai vues. De fou. Je m'attendais pas à un truc en vrai de cette qualité-là, tu vois. Mais probablement, moi, je pense, pour si vous êtes trop en mode Tapie, quel connard, quel escroc, et que vous n'avez pas un peu le cocoro prolo en vous qui bat un peu de vous dire il les a quand même bien baisés, et en plus avec un bagout de prolo, bah forcément, vous allez détester parce que par contre, les côtés vraiment sombres du personnage sont effleurés. Et ça reste ça reste un défaut quand même, moi. Et je même la prison, tu vois, genre quand son daron l'emmène en prison dans le coffre de bagnole et qu'il lui fait un câlin avant de partir en prison, c'est vraiment beau. Mais c'est un peu éludé, tu vois. Genre, enfin, en fait, il y a plein de trucs où je trouve que t'as envie qu'elle prenne plus son temps, la série, tu vois. Parce que même plus, les élites. Il voulait se suicider, gros. Oui, c'est ça, gros. C'est... Puis c'était aminci et tout. Et c'est probablement ce qui lui a provoqué son cancer. D'ailleurs, je trouve ça. Moi, un des trucs que j'aime le plus sur Tapie, c'est son combat contre le cancer, comment il en a parlé, les discours qu'il en a tirés. En plus, en même temps, il avait les affaires Sarkozy, là, qui ont été ressorties sous Hollande et tout. Oui, toutes les histoires du Crédit Lyonnais. Beaucoup de. Le rachat d'Adidas, pas montré. Pour moi, c'est incompréhensible. On passe 6 ans sur le truc de Cœur Assurance, là, pour montrer un peu qu'il s'en bat les couilles des gens, qu'il est trop business. Mais en même temps, on montre pas trop Adidas. Par exemple, Adidas, moi, j'aurais adoré l'aventure Adidas. En plus, il y a plein d'anecdotes de fou. Et notamment, c'est ce que son fils disait sur les reproches de la famille. C'est qu'il disait des fois, ils ont fait des trucs un peu over the top. Mais ils n'avaient pas besoin parce que ce qu'il a fait vraiment, c'était déjà des dingueries, tu vois. Et même dans les trucs mauvais, hein, genre, t'es pas pour dire, ils ont, genre, tu sais, genre, je pense que ils savent qu'ils peuvent pas être dans le déni du fait que leur daron, c'était un magouilleur, tu vois. Moi, je dis pas que ça doit être la famille qui le fait parce que, bon, ça devient le bordel. Et puis, ça reste un proche parce que c'est le fils Séguéla, et Séguéla qui est un publicitaire, qui est un ami très proche à lui. D'ailleurs, par exemple, Mitterrand, on voit Mitterrand qui le regarde à la télé, mais ça s'est pas passé comme ça. C'est Séguéla qui a présenté Tapie à Mitterrand. Enfin, tu vois, il y a plein. Non, mais il y a plein de trucs qui sont changés. Après, est-ce que c'est grave? L'histoire est bien quand même. Non, vraiment. Moi, je suis pas matrixé. Ils le précisent. Ils te disent. Ils modifient les événements. Tu vois les grandes lignes. Ils racontent quelque chose, mais j'ai l'impression que ce que la série essaye de raconter, parce qu'encore une fois, une série, surtout une biographie, n'a pas à être exhaustive. Oui, bien sûr. Elle donne un avis, une interprétation, et ce qu'elle raconte. C'est un parcours extraordinaire de quelqu'un qui aurait voulu être artiste et qui se retrouve, qui a un touche-à-tout et qui fait tout à sa simple volonté. Et sur ça, sur le personnage de ce qu'était Bernard Tapie, je pense, de ce que lui, il essayait de dire de sa vie, c'est vraiment... Bah, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'apprécie le personnage. Pareil. C'est ce côté volonté de vie, bagou, ouais. et tout ce qui va avec. Et par contre, il est tellement là-dedans
que du coup, des fois, il fait du mal à sa famille. Des fois, il fait des escroqueries qui le baisent. Genre, moi, j'aime trop quand elle lui dit « Vous auriez pu être une comète. Vous auriez pu être président, changer ce pays. » Et, Une nébuleuse. Ouais, vous avez été une nébuleuse. Pff, magnifique. Non, mais le dialogue avec le proc... Ça, c'est beau. Dialogue avec le proc, il est magnifique. Assassin, bourgeois. Ah ouais. Ah ouais, dans ses valeurs de morale. Ah ouais. Ah, et justement, très belle scène. Ah ouais, parce que le proc a raison. Surtout le proc. Le proc a raison moralement. Mais sauf que c'est un... Sauf que c'est un bourgeois. Ouais, et en fait, je trouve que ça dit tout de la... Cet extrait-là dit beaucoup de choses de la gauche et de Tapie. Pourquoi après, justement, il a allé sucer Sarko? Parce que la gauche l'a beaucoup baisé aussi à lui faire la morale. Ça, quand son père lui dit, t'es allé chez les socialistes, tu t'attendais à... et tu t'attendais pas à ce qu'il te méprise. Oh, son père, le coco, là. Oh, là, il y a des dialogues, j'avais l'impression d'entendre mon daron, tiens. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé et je pense qu'il faut avoir un peu d'affinité pour le personnage, sinon ça va trop vous vénère. Mais si vous en avez un peu... C'est mort. Moi, à la fin, j'étais un Tapie le boss. Ah ouais. Bah, ok, c'est toi le boss. Ah ouais. Mais bref, ouais, on regarde le bref, ouais. Vas-y, j'ai pissé, c'est parti. Vas-y. Moi, je suis pour l'OM, allez l'OM. Voilà, bah tu dois kiffer, hein. Ça va, c'est bon, il a graissé la patte, hein. Ah, c'est bon, une fois, un match qui était plié d'avance, de toute façon. Oh là là. Une conducteur avec Paul Naref, ouais, j'ai bien aimé la fin, oui. Ils bouclent sur tout ce qu'ils ont montré, non, c'est intéressant. Puis quelle vie, quoi. En fait, c'est passer la critique politique, après moi, c'est ce que j'essaie de vous dire à chaque live, et bon, je passe pour un fou à chaque fois. Mais passer la critique politique, les gens, enfin, la vie, quoi. Accepter les contradictions de la vie. Accepter le fait qu'on n'est pas forcément dans le monde dans lequel on rêverait naître. S'en tirer. Espèce de lutte parfois un peu étrange que ça peut être. Tapie sur ça, il est extrêmement inspirant, quoi. Malgré tout. Même s'il est moralement condamnable sur des dizaines de choses. Hein. C'était vraiment un capitaliste à la con. Hein. Je vais devenir Euro à mater vos streams, c'est-à-dire Euro. J'ai pas compris. Par contre. J'aime les pauses pipi qui deviennent philo. C'est le seul moment où je peux parler de ça. Pourquoi on se moque de moi? C'est horrible. Le plus touché, c'est le fait de toujours croire en ses rêves. C'est une dinguerie. Bah, c'est pas qu'y croire en plus. C'est les arracher. C'est ça qui est intéressant avec Tapie. C'est pas juste un cum qui croit en ses rêves. Hein. C'est un gars, il va au bout. Quitte à se salir les mains. Et ça le fait aller, ça le fait chuter aussi. Hein. L'exploitation des prolos. Bah ouais, mais bon, t'aurais préféré. Ouais, mais de toute façon, pour vous, les prolos qui ont le droit d'être de gauche, c'est ceux qui restent pauvres, quoi. J'ai bien compris votre avis à force. Hein. Vous aimez bien les noirs, les arabes, les prolos? Mais seulement quand ils restent pauvres, quoi. À la limite, pour les plus BDG d'entre vous, vous autorisez certaines femmes à être des girl boss et à pouvoir être des patronnes un peu horribles parce que vous êtes trop BDG, mais sinon, globalement, vous supportez pas, quoi. Bah oui, vu que l'argent, ça fait voter à droite. Ah ouais? Après, la série, elle sous-entend que si la gauche l'avait pas baisé, il aurait peut-être pu devenir président et sauver les banlieues. C'est la vie de la série. Mais vous voulez jamais réfléchir dans cet angle-là, c'est bizarre. Moi, je trouve ça bien, justement, que la série, elle ose aller dans ce genre de proposition. Peut-être qu'ils rentrent droite, les prolos, c'est aussi que la gauche se fout de leur gueule et les méprise. Hein. Peut-être, hein. Posez-vous des questions, d'ailleurs, en ce moment. C'est un peu certaines problématiques. Essaye d'aborder des Ruffins, essaye d'aborder des bouteilles Jacques, essaye d'aborder. Je sais pas, regardez un peu. Hein. Ils auraient jamais sauvé. Ah bah, là, vous avez la vie de la banlieusarde, là, dans le film. Là. Qui, de toute façon, j'y ai jamais cru en barrant de son bureau, là. Justement, moi, je trouve la série, elle est bien.
à te montrer que c'est un escroc qui croit. En fait, c'est un escroc qui croit en ses propres escroqueries. Mais qui garde la face à la fin. Quitte à se trahir lui-même, quitte à trahir son daron. Enfin bref, c'est intéressant quoi. J'aurais fait révolution, non, non, par contre ça non. Dans les heures du film, tout est dit. Mais en fait, vous avez vraiment un problème, hein. Vous avez vraiment un problème, hein. Croquer tout le monde, même lui-même. Oui, c'est ça qui est intéressant. Dans ce cas, pourquoi vous allez pas chier sur Mélenchon? Il était dans le gouvernement avec Mitterrand, lui aussi. Ah, on vous entend moins, là. Je sais pas. Les gauchistes ne pas être des prouveurs, poseurs, challengers, je te jure, hein. Je te jure, c'est grave, hein. Je te jure, c'est grave, hein. Dany se compare à Mélenchon. Quoi? Qu'est-ce qui... Alors, donc, ce que j'ai dit, j'aimerais comprendre ce qui te fait dire ça. Je te jure, des fois, je vous comprends pas, les amis. Hein. Je te jure, je vous comprends pas, des fois. Hein. Mélenchon, c'est le tapis de gauche. Ouais, mais après, Mélenchon, il est pas né pauvre, hein. Vous oubliez, hein. Il va y avoir un complément d'enquête sur Shikiru JLM. Ah ouais, ouais, j'ai trop hâte. Trop hâte de voir ça. Vous allez découvrir qu'ils ont escroqué un peu des trucs pour la FFI. Vous allez les détester parce que vous aimez trop la pureté. C'est horrible. Hein. Tapis, les bourgeois adoraient le détester. Pour nous, les pauvres, c'était un gars de chez nous qui a réussi, voilà tout. Ah ouais, et qui osait dire les trucs. Qui mentait pas, qui était pas hypocrite. Mais le bagou, ça peut pas parler à certains. Il y en a, ça vous dégoûte. C'est pour ça que vous trouvez que Mélenchon écrit trop fort. Mais vous pouvez aller dans le chat de Jean Massy, hein, si vous voulez vous en plaindre. Très bien accueilli, je pense. Hein. Gars du 9-3, d'ailleurs, appelons. Oui, oui, non, mais... Ça, c'est des détails qui les intéressent pas. Hein. Son daron chauffagiste, ça les émeut pas. Hein. Bref. Bandeur de tapis, prétexte qu'il n'est pauvre, c'est pas non plus ouf, donc donnez pas de leçons, les deux positions sont éclatées. Mais frère, où est-ce que moi j'ai nié les parts sombres? C'est vous en fait, c'est vous êtes dans une détestation constante. Et après vous retournez le truc quand on vous le dit. Vous aimez trop faire ça. Regardez-moi ce bandeur là, par contre vous en avez un vrai là. Faut pas trop sucer tapis non plus. Ouais mais en fait on est obligé à cause de vous. En fait, vous nous placez en défense. Parce que vous êtes insupportable, en fait. Tout est rien et t'as pas d'argument. Attends, regarde. Attends, vas-y, ouais, vas-y. Alors, attends. Pof. Hop. Allez. Ah. C'est juste du contrarianisme. Non, moi, depuis tout à l'heure. Enfin, bref, vas-y, bref. Ça sert à rien. Pourquoi de parler tu parles avec ça eux. Avec eux c'est mais des gros, c'est une dinguerie. Dès que tu veux parler de cinéma avec eux, dès que tu veux quoi que ce soit pour tes nuances, ils sont incapables de réfléchir dans la nuance, sont incapables de penser que c'est complexe, que les gens sont complexes. Ils sont toujours supérieurs à tout le monde. À les écouter, ils sont tout le temps parfaits. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais genre, je sais pas, en plus, il y a des films détestables. Il y a en fait des films sur des personnalités. Par exemple, le film sur le patron de la CIA, là, avec DiCaprio, là. Oui, c'est DiCaprio qui le joue, ou c'est Matt Damon, je sais plus. C'est Clint Eastwood, je crois, qu'il a fait. Ouais, de Clint Eastwood, ouais, oui, sur le gay, là. Comment il s'appelle ouais. Carver, Carter. Oui, Hoover, oui, voilà. Oui, Hoover, oui, voilà. Par exemple, ça, ce film, c'est sur le mec qui a fait la chasse aux communistes, qui a commandité des assassinats, qui est vraiment la pire personne. Mais le film sur sa vie, il est fascinant. Et le personnage, il est fascinant. Tous ces paradoxes sont fascinants. C'est un film qui est magnifique, en fait. Non, regarde dans leur tête, tu dis ça. Il a dit, je suis devenu bourgeois. Voilà, c'est... Eh, mais vous savez quoi, les gens? Quand j'étais 100 fois plus pauvre que vous, je kiffais ce genre de film. J'aurais regardé tapis, j'aurais eu le même avis. Vous êtes des merdes, en fait. Vous êtes des merdes. Vous aimez les pauvres pauvres, en fait. Ça y est, pour vous, t'achètes un iPhone, ça veut dire que tu suces tapis. Mais vous êtes des malades mentaux. Vous êtes vraiment des malades mentaux. Est-ce que tu rêves de devenir riche?
Oh. C'est une dinguerie. Ah, en plus, ton nom, c'est Mobdeep94. Écoute les textes. Fais quelque chose. Va réécouter Mobdeep. Va réécouter ce qu'il raconte. Ça, tu leur enverras Mobdeep un message pour dire qu'ils rêvaient d'être riches et qu'ils sont un peu ridicules. Ah. Oh. Mais bref, ouais, le vu ou... Par contre, quand t'es en difficulté, argument, oui, j'ai été pauvre, vos gueules, c'est... Non, mais... Mais parce que c'est que ça qui vous intéresse. Il n'y a que ça qui vous convainc, en fait. C'est dire comment vous pensez mal. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une folie. En fait, vous, dans le monde, vous ne voulez comprendre que vous-même. Tous les autres, ils ont tort. Enfin, sans les religieux, c'est des débiles, vous avez pensé ça toute votre vie. Parce qu'ils croient en Dieu. Et vraiment, comment diable on pourrait croire en Dieu ? Ensuite, Tapis, c'est forcément un connard, il a voulu devenir riche. Moi, je m'en bats les couilles, je suis pas né avec des problèmes d'argent, je comprends pas pourquoi on pourrait désirer vouloir les trucs que les bourgeois ils ont. Parce que moi, j'ai déjà eu et c'est pas bien. Oui, c'est toujours faire des leçons. Regarder un film, non, le film n'est pas 100% de gauche, je ne peux pas le regarder. Éclater la vie de Jonathan Cohen. Je vais pouvoir RT sur mon iPhone. Ouais. Ah, ils rendent fous. Bon, vas-y, je vais pisser, tiens. Allez, vas-y, va pisser. Énerve-toi un peu. Ah, ouais, vous voulez. Ah, merde, je voulais prendre mon tel, mais je peux pas. Ah, moi, je l'ai pris. C'était trop heureux. Je suis puni. C'est pour ça que t'as mis autant de temps. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous donnez de l'air au bon mulch manteau ? Je sais pas s'il y a un plaisir sadique, je pense. Ah. Ah. C'est horrible. Divertis-nous. Ah non, j'ai pas envie, vous avez été chiant. On va reparler d'un truc qui m'intéresse. Est-ce que Raz, il peut le faire un moment philo ? Un moment philo ? Ah non, je peux pas faire un moment philo. Si vous voulez, je peux vous lire, du François Villon. Si vous voulez. Ça, c'est un moment philo bien. Ça, c'est bien. En vieux français, en plus. Genre, ça, c'est quand même... C'est quand même bien, non ? Vous en pensez quoi ? Un petit François Villon. Je suis pécheur, je le sais bien. Pourtant, Dieu ne veut pas ma mort. Mais converti, c'est vivre en bien et tout autre que péché mort. Soyez vrai, vous l'entez. J'arrive pas, c'est en vieux français. Hop, c'est cancel. Allez. Mais bref, ouais. Un autre livre. Ah non, ça va. Une reco BD, je sais pas. Ma BD préférée, Kedjis de Dave McKean. Frère humain qui après nous vivait. Oui, voilà, oui, bien sûr. Trois BD de Dave McKean, Kedjis, La vie de Paul Nash et. Je sais pas. Je sais pas. Maladie mentale. Bon. Ouais, allez, vu. Hop. Vas-y, parce que là, c'est bon. Ouais, y'en a marre. J'ai rien à boire, j'ai très... Les fans du Zul sont partis. Quel sort pour les Arméniens attends, du Haut-Karabakh ? Attends, pause. Raz, ça se voit que t'es un fétichiste qui lit un tiers de ce qu'il achète. Waouh, et comment vous prêtez vos vices aux autres, là ? Alors là, Michotte. Les trucs que j'ai jamais lus, que j'ai achetés en livre, c'est dans les bouquins, c'est les essais politiques, les trucs bourdieux. Genre ça, c'est les trucs que j'ai jamais réussi. Ou genre aussi Deleuze, Guattari, des trucs comme ça. Mais en roman, je pense que j'ai presque tout lu. Les BD, je les ai toutes lues. Par contre, ça, je les ai toutes lues. Ça, c'est clair et net. Et les trucs que j'ai jamais réussi à finir, ouais, c'est genre les trucs... Genre Histoire de la folie de Foucault, trucs comme ça où j'en pouvais plus à la fin, j'avoue. Les trucs trop compliqués. Et Bourdieu, trop chiant. Genre trop relou. Ah ouais, c'est et trop dur. Et philo dur. Aussi, il y a certains trucs de philo que j'ai jamais fini. Genre bah, y a le plus accessible de Bourdieu, c'est Questions de sociologie. Et ouais. C'est déjà pas simple. Ouais. En vrai. De fou. Comme un avion mais sans ailes, j'ai la ref, Charlie Couture. Ouais. Non, mais 1000 plateaux. Ouais. Non, mais 1000 plateaux. Moi, je pense 1000 plateaux est l'un des livres les plus débiles. C'est quoi 1000 plateaux ? C'est Deleuze ou un truc comme ça ? Ouais, Deleuze et Guattari, là.
c'est un des trucs les plus débiles. Enfin, gros, c'est vraiment genre, c'est de la folie en fait de lire ça. C'est vraiment de la folie mentale si t'as envie de lire ça. Et un livre illisible aussi, moi je suis sûr, vous faites tout genre de l'avoir lu. C'est Le Capital. Moi, quand tout le monde me cassait les couilles, il faut lire Marx. Il faut être économiste en fait. Gros, j'ai commencé. Je suis désolé les gens, en plus, ça implique des trucs d'un fonctionnement d'une société où je comprends rien, où il part dans des tunnels sur la société féodale, sur comment ce truc marche dans je sais pas quoi, avec des textes, des mots techniques partout. Mais tu lis le manifeste du parti communiste. Ouais, voilà. Et tu moi, fais j'ai pas lu, chier j'ai comme lu aussi le truc sur la commune là, qui était un peu stylé. Et voilà. Tout. Mais genre, c'est Marx, par contre, il y a des trucs, notamment un Marx à lire qui est méconnu sous côté, c'est le Marx jeune. Il y a plein de. Moi, j'avais un moment, j'avais un petit bouquin qui mettait. Genre la question juive. De quoi? Marx jeune. Genre ses écrits antisémites et tout. Non, je sais pas, moi j'avais un petit bouquin, okay, il y avait plein de ses lettres. Bon, ça va. De quand il était jeune, de petits textes, de petits trucs. Je crois qu'il n'y avait pas ça dans la compile que j'avais. J'ai, eu peur, j'ai eu peur. Et justement, enfin, il y avait plein de trucs, même où il parle un peu de lui, des trucs que j'avais trouvé très précis. Ouais, bien sûr. Lutte de classe en France, non, pas lui. Par contre, j'ai lu le remake de Todd. Très bon remake. Trop bien. Trop bien. Mais bon, voilà quoi, après, vous cassez les couilles aussi. Oui, Le Capital, vous demandez à ChatGPT de vous résumer les points et c'est bon. Hein. Ah non, voilà c'est comment trop, on la vérité, c'est elle, pour parler du aussi Lordon. Capitalisme et servitude, là. Ouais, moi, je peux pas, je vous jure, les gens, ça, j'y arrive pas, moi. Et pourtant, j'ai lu. C'est... Genre, j'ai lu Lordon, le Rouge la et Noir société en des entier. Affects. La société des affects, c'est son plus accessible, je trouve. Ouais. Enfin, c'est plus accessible et c'est plus intéressant. Moi, je trouve que là où j'ai pris le plus d'idées à Lordon, moi, c'est dans La société des affects. Ouais. Ouais. Mais parce que, mais en fait, moi je trouve que j'ai lu des romans qui étaient vraiment chiants à lire et compliqués. Mais en fait, la forme roman, même quand c'est dur à lire, tu vois, du Proust bien oui, verbeux. Oui, mais les essais, ça se lit pas comme un roman. En fait, je pense que beaucoup de gens aussi, et ça, moi je faisais la même erreur au début, c'est que tu lis un essai comme un roman. C'est-à-dire que tu commences page 1 et tu lis de manière linéaire. Ça, peut-être que c'est peut-être et ça en fait, qui m'a ça, c'est à l'erreur. Mais c'est l'erreur, gros, parce qu'un texte, surtout les essais notamment, peut-être. Truc de philo, truc de socio incompréhensible et tout. Déjà, ça se lit jamais comme ça. Déjà, il faut savoir qui a écrit ça. Donc, c'est quoi déjà les grandes idées de l'auteur ou de l'autrice en question. Faut déjà connaître un peu, entre guillemets, le personnage. Donc, pour ça, faites des recherches, même assez basiques. Déjà, regardez des vidéos, lisez Wikipédia. Prenez un peu déjà des... Pour comprendre, genre, Nietzsche, c'est quoi ses concepts, machin. Tu peux acheter des livres même. Tu as des livres maintenant qui parlent des concepts, qui expliquent les principaux concepts et tout. Et après, si tu es intéressé par une lecture... Il y a souvent des essais complémentaires qui expliquent, il y a des cours, il y a de la vulgarisation. Et là, en général, tu plonges dans le livre avec ça à côté. Mais moi, je comprends, c'était pareil quand j'ai commencé la philo, je lisais de A à Z, je comprenais rien. En fait, ça, c'est une connerie un peu. Ouais, ça sert à rien de faire ça. En fait, il faut que tu rentres. Mais après, c'est un des moyens de rentrer dans le truc comme un autre, tu vois. Mais c'est vraiment mais réel. Ne vous dites pas, il y a besoin de lire de A à Z. Justement, tu peux prendre le bouquin, puis même, tu vas lire un essai, le gars, il va t'expliquer, par exemple, la fin. Du bouquin pour te dire en fait voilà par exemple Spinoza il dit ça à la fin de l'éthique et c'est pour ça qu'il faut comprendre le début de l'éthique comme ça mais genre si tu lis de A à Z comment tu te rends compte de ça là t'as un spinoziste un mec qui a étudié les textes de Spinoza qui a étudié l'histoire de sa vie qui a étudié les philosophes dont il s'est inspiré les philosophes qu'il a inspiré et c'est pour ça que tu peux entre guillemets lui faire confiance et c'est après que tu développes ta et c'est pour ça que c'est pas un roman tu le lis évidemment de A à Z c'est fait pour c'est une histoire. Mais c'est ça, c'est vraiment vrai. Là, je suis en train de lire un gros bouquin de 800 pages qui s'appelle « Pourquoi êtes-vous pauvre ?» C'est un ricain fou, une sorte de journaliste sociologue. Et en fait, il va voir des gens dans le monde entier pour leur poser la question « Pourquoi vous êtes pauvre ?» Et en fait, il parle avec des centaines de personnes. Et du coup, j'ai arrêté de le lire linéairement. Et je regarde un peu, parce qu'il y a des photos à chaque fois des gens. Et en fait, je regarde une photo de la tête de quelqu'un qui m'intrigue et je lis son témoignage. Et en fait, au final, j'ai plus lu le livre que je l'aurais lu. Parce que je l'ai lu de façon non linéaire et que j'ai lu en prenant des trucs qui m'intéressent, c'est totalement vrai. Et même je vois Cassandre, ce que tu dis, c'est vrai aussi, Cassandre, il me dit tout le temps, lui, tous les trucs d'essais qu'il lit et même des romans, souvent il a envie de les lire parce qu'il a vu quelqu'un lui en parler et dire ce qu'il avait kiffé, genre ce livre il parle de ça, il est important pour telle raison. Et en fait c'est là que ça lui donne le courage de le lire, parce qu'il sait pourquoi il va aller le lire et ce qu'il va aller chercher dedans. Et justement, ça permet de te canaliser dans ta lecture et dire « Ah, ce livre-là, il est intéressant pour comprendre tel truc sur tel truc. » Et quand je vais le lire, ça va me permettre de le capter. Quoi. Alors que si tu arrives à Out of Nowhere... Il y a un com que je trouve intéressant qui dit « Après lire une analyse d'un essai philo avant de lire l'essai,
ça peut aussi biaiser ta compréhension première du truc. Alors moi, j'ai envie de dire un gros oui à ce que tu dis, dans le sens où, évidemment, il faut que vous ayez du recul. Parce que, par exemple, moi, je trouve que Deleuze sur Nietzsche, c'est trop bien à lire. Mais le Nietzsche de Deleuze, c'est Deleuze qui a le Nietzsche, en fait. C'est vraiment, c'est le Nietzsche de Deleuze, quoi. C'est son Nietzsche à lui, que je trouve extraordinaire. Hein. Attention, moi, j'adore. Mais c'est pas Nietzsche, quoi. Donc, en fait, ça, c'est important que vous ayez ça en tête. Et c'est vrai que des fois, moi, j'arrive à repérer parfois des gens, comment ils me parlent d'un auteur. Des fois, je suis en mode, ah, OK, toi, t'as lu Macheret. OK, toi, t'as lu... Oh, précis, il a lu Genet. Oh, il a lu... En fait, moi, j'arrive à voir parfois qui ils ont lu. Et c'est aussi la force de lire plusieurs auteurs qui pensent pas la même chose. Par exemple, Patrick Votling sur Nietzsche, c'est pas forcément la même vision que Deleuze. Et c'est comme ça que tu peux voir aussi un peu plus, ça va te permettre toi d'apprivoiser ton propre rapport au texte. Mais aussi là où j'ai envie de nuancer ton commentaire, c'est qu'évidemment que la première fois que tu découvres des choses ou que tu lis un seul truc, c'est pas grave non plus. Ce qu'il faut, c'est avoir en tête quel commentaire tu as du truc. Plutôt que d'essayer de dire Nietzsche a dit ça parce que Rushdie a dit ça, ouais. Tu dises ok, selon le Nietzsche de Rushdie, et ouais, ça peut même être un intérêt de le lire, bah pour oui. Voir quelle connerie il a pensé. Et même c'est ce que disait Wissam aussi. Wissam, il parle pas mal de lecture sur ce stream là. Wissam, il va faire des exercices lecture où il file un livre à lire en un mois, et au bout d'un mois il fait une radio libre avec les gens qui l'ont lu. Il y avait plein de gens qui étaient en mode ah, j'arrive pas à le finir, etc. Et Wissam, il était en mode mais non, lisez tout ce que vous pouvez. Vous mettez pas la pression, vous traumatisez pas avec le bouquin. Si vous en lisez 20 pages, c'est bien. Si vous en lisez 60, c'est bien. Et en fait, si tous les mois, vous lisez ne serait-ce que 20 pages, le mois d'après, vous lirez 40 pages d'un autre livre qui, en plus, peut-être va plus vous plaire, qui sera plus facile à lire. Et en fait, au bout d'un moment, c'est de l'apprentissage. Genre, c'est une habitude, quoi. Le plaisir de la lecture, il vient en lisant, quoi. Et donc, le but, c'est pas de se traumatiser sur le premier truc que tu essayes de lire, c'est d'y aller par étapes et puis oui. D'accepter aussi. Il faut accepter d'abandonner des livres. Ça veut dire, genre, vaut mieux rendre un livre et passer à un autre, quoi. C'est l'école qui crée ce rapport traumatique à la lecture. Parce que réfléchissez, les gens, quand vous écoutez un album de musique, vous commencez par le premier de l'auteur. Vous écoutez direct le son qui vous enjaille. Parfois, ça vous fait écouter l'album. Dans l'album, vous avez des gros skips. Vous avez des morceaux qui vous parlent. Quand vous regardez des animés, et il y a des animés, on vous les a un peu spoilés. Et c'est ça qui a fini par vous donner envie de les lire. C'est une fois que vous avez compris que Fullmetal Alchemist, ça parlait de la guerre mondiale, enfin que ça parlait du rapport un frère au sacrifice, peut-être que c'est ça qui vous a donné envie de le voir. Pareil pour des films, vous avez longtemps entendu parler d'un réalisateur avant de regarder tous ses films, etc. Enfin, on ne devient pas expert de Tarantino, tu vois, du jour au lendemain, ça prend du temps, machin. Et en plus, ça se décante tout ça. Et je pense que pour la pensée, et tout ce qui est essai, donc c'est très large, hein, ça, on parle de philo, on peut parler de socio, mais on peut parler de psychologie, on peut parler de plein de domaines. En fait, dans tous ces domaines-là, vraiment, genre, ce qui va compter aussi, c'est le recul que vous allez avoir. Par exemple, moi, j'ai lu Nietzsche très jeune. La première lecture que j'avais de Nietzsche, déjà, je ne comprenais pas grand-chose. Mais Nietzsche aussi, en plus, c'est quelqu'un qui te dit ça, d'ailleurs, de la pensée, qui pense ça de la pensée. C'est un accompagnateur. C'est quelqu'un avec qui tu vis, tu vois. Et tes idées, elles évoluent parce que c'est une grille de lecture, en fait. C'est pour ça, moi, j'aime bien. D'ailleurs, je trouve les vrais marxistes un peu conséquents. Moi, je commence à les respecter par rapport aux gauchistes, et qu'ils disent qu'ils ont une grille de lecture marxiste et qu'ils essayent de l'appliquer au monde, tu vois. Ça leur permet de tirer des analyses. Et ça, tu vois tout de suite qu'ils ont déjà un certain rapport aussi à la réflexion, parce que tu as des gens qui vont dire « Mais je lis Marx, donc Marx a raison ». Alors qu'ils vont utiliser Marx, ils vont utiliser les outils marxistes sur des concepts. Bah, par exemple, même tu regardes Paduring, son rapport à Kluskar, ou Kluskar qui est un auteur marxiste qui est utilisé pour. Lui, il a parlé du libéral libertaire pour parler des Cohn-Bendit à l'époque et de comment le libéralisme utilise le progressisme pour se faire accepter. Et t'as plein de gens aujourd'hui qui essayent de dire que globalement, les Arabes, les LGBT, tout ça, c'est pas bien, comme le disait Kluska. Et lui, il est en mode, mais non, ils ont mal lu le livre parce qu'à l'époque, c'était pertinent. Et il explique justement qu'un jour, ça va se transformer en libéralisme autoritaire, que va y avoir un retour du fascisme dans le libéralisme. Et aujourd'hui, on est dans cette période-là. Et en fait, c'est là que tu vois que d'un même mec, tu peux avoir Alain Soral et tous les droitards qui en font une lecture pour dire les LGBT, les musulmans, c'est mal. Et tu peux avoir des gens pour dire le moment libéral-libertaire avec le libéralisme progressiste est fini. Et maintenant, on arrive dans sa période de libéralisme autoritaire. Et c'est là que tu vois que la pensée d'un auteur et ce qu'il a écrit peut servir à tout, quoi. Bah, Nietzsche, hein, je pense que c'est le meilleur exemple. Hein. Oui, il a pareil, tout et rien.
Mais parce que sa pensée, elle est trop puissante et ceux qui l'utilisent politiquement en général, en plus, peuvent que se contredire, en fait, au bout d'un moment, tu vois. C'est obligatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est la grille de lecture, en fait. C'est toujours comment... En fait, pour moi, tu penses réellement... Le mot réflexion, ça veut dire quoi ? C'est littéralement ce qui se reflète. Donc, en fait, tu as besoin de plein de miroirs. Vous voyez les jeux là sur OBS, là, quand tu montes ton OBS et que... Tu vois, ou quand tu filmes ton écran et que tu as 150 fois le même effet à l'infini. Mais c'est ça, la réflexion, en fait. Et plus tu as de miroirs, plus ça va pencher, ça va pouvoir rebondir, en fait. Et c'est pour ça que le mieux, c'est pas d'avoir une seule grille de lecture, mais c'est de pouvoir les cumuler. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu saisis que certaines grilles de lecture sont particulièrement puissantes, voire meilleures que d'autres. C'est quand tu te rends compte qu'elles ont souvent raison. Typiquement, un marxiste un peu conséquent, dès qu'il va s'agir de penser le capital, dès qu'il va s'agir de penser le travail, les inégalités sociales, la lutte des classes, etc., c'est une grille de lecture qui va fonctionner dans énormément de cas, tu vois. Genre, très souvent. Mais tu peux aussi prendre les choses à rebours. Alors typiquement, quand avec Cassandre, on s'amusait à l'époque, c'est à dire qu'on peut utiliser les outils de la pensée nietzschéenne pour critiquer certaines attitudes queer tout en faisant l'éloge. Nietzsche n'a pas écrit un mot sur les droits LGBT. L'aristocratie queer. Mais tu peux autant voir la volonté de puissance dans le fait de justement de transitionner, de machin, de s'affranchir des normes. Tu peux voir ça. Comme tu peux aussi utiliser les critiques que fait Nietzsche des nouvelles idéologies en mode attention à construire, à déboulonner des étiquettes, à en construire de nouvelles, est-ce qu'on se renferme pas aussi ? Et ça permet d'engager des réflexions sur le genre, sur la non-binaire. Bah, ça permet des réflexions, mais non, mais même des questions. Tu peux poser avec Nietzsche, tu peux poser la double question. Tu peux dire est-ce que les non-binaires, c'est une nouvelle illusion ? Comme tu peux dire est-ce que finalement. Transitionner pour répéter les stéréotypes de genre, est-ce que c'est pas aussi finalement se remettre une chaîne autour du cou, tu vois. Et quand tu dis ça, c'est pas pour dire du coup ça n'existe pas, c'est invalidé. Mais ça permet de réfléchir. Mmh. Et c'est comme ça qu'on pense sa vie, c'est aussi comme et ça qu'on je pense aussi que découvre la puissance de la pensée, quoi. Les gens, je pense que aussi le rapport à la philo et la pensée qu'ils ont aussi, des fois, ils ont un rapport absolutiste à la pensée. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, il y a des marxistes qui vont faire un sort à Foucault et Deleuze. Tu vois, par exemple, Paduring, il en fait partie. Parce qu'ils ont un rapport très fonctionnel à ce qu'ils ont. Et si un auteur, genre Nietzsche, va être utilisé par des droitards, va être utilisé de manière un peu dandy, nihiliste, qui est complètement contradictoire avec Nietzsche en réalité, ils vont faire un sort à Nietzsche parce qu'il y a des choses dans ses œuvres qui te permettent de penser ça, et du coup ça va très vite le disqualifier, tu vois. Et que en fait, même des fois, des penseurs qui te permettent de mal penser, ça peut être utile, tu vois. Par exemple, toi, là, ce que tu dis, l'exemple sur la non-binarité avec Nietzsche, de dire d'avoir une partie de Nietzsche qui pourrait te permettre de parler de cette nouvelle illusion que ça pourrait être, c'est pas pour dire que tu le penses, mais ça te permet d'explorer cette mauvaise idée. Et en fait, des fois, c'est aussi ça qui est intéressant dans la philo, c'est de te dire comment une idée, comment cet auteur pourrait me faire mal penser ce sujet-là, en quoi peut-être dans cette mal pensée, il y a 10% de pertinent que je peux garder, et comment même je me renforce. Ça veut dire que aller chercher à renforcer une opinion que tu as, que tu crois dure comme fer, et d'essayer de la confronter et même d'aller contre elle avec d'autres penseurs, ça peut paradoxalement te permettre de encore mieux la penser en profondeur, et parfois de la nuancer, parfois non, parfois les deux. Enfin, genre, ouais, penser contre soi-même, ça rend plus puissant, en fait. Je pense que, et après, moi, c'est aussi sur ça que j'essaye d'écrire, surtout quand je suis face à des bad mulch mentaux. Moi, je me rends compte que, et il y en a dans le chat, mais tu vois, je me rends compte que c'est encore plus difficile de faire comprendre ça. Mais j'ai l'impression, pour simplifier les choses aussi, qu'il y a des gens, ils sont politico-centrés dans leur manière de penser aussi, le monde. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Attention, même moi, je m'estime un peu être comme ça. Enfin, j'ai plein d'aspects comme ça. Mais je pense que la pensée politique, en fait, ce qui est complexe, c'est que la pensée politique, au bout d'un moment, faut trancher. Tu peux pas être et un peu de gauche et un peu de droite. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, par exemple, si on vous dit « Est-ce que tu veux expulser les migrants ou non ?» Est-ce que tu veux la 6ème République ou non ? Est-ce que tu veux le salaire à vie ou non ? Vous voyez, au bout d'un moment, tu peux dire, penser tous les paradoxes, toutes les contradictions, et il faut d'ailleurs le faire si tu veux être un bon militant, si tu veux avoir une pensée cohérente. Le vieux, il disait, hein, c'est une théorie claire, sinon t'avances pas en politique, tu vois. Donc, il faut une théorie claire. Mais à un moment, il faut trancher, tu vois, c'est ce que disait Sartre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il aime beaucoup Wissam, le truc de dire, à un moment donné, il y a un colonisé, il y a un colon.
Voilà. Ouais, ouais. La politique, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, oui, le colon, il a plein de nuances, plein de paradoxes, plein de tout ce que vous... on peut s'amuser à penser toutes ses souffrances. Et il en a, parce que comme tous les autres êtres humains, mais à un moment donné, il y a un colon, un colonisé. Tu vois, faut aussi en politique trancher et parfois faire preuve d'une forme de manichéisme, alors après avoir bien, bien réfléchi, tu vois. Et assumer d'ailleurs d'être d'un côté du spectre en lutte contre un autre côté du spectre, tu vois. Et que c'est d'ailleurs ça qui fait progresser la pensée, l'humanité, la politique en général, tu vois. Par contre, en philosophie, quand tu penses de manière un peu plus philo, de manière tu prends du recul, il faut réfléchir autrement parce que pour moi, et c'est mon opinion, d'ailleurs j'essaye d'écrire autour de ça et il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord, pour moi ce qui caractérise la pensée, c'est le paradoxe. Le fait que justement les choses sont puissamment paradoxales. Et du coup, tout de suite, vous voyez que c'est pas la même chose là, d'un coup. Parce que là, c'est que tu peux réussir à penser une chose et son contraire en même temps. Et alors, c'est ce qui fait vriller beaucoup de cerveaux qui sont en mode « Oula, mais comment c'est possible ça ?» Parce que parfois, la vie, bah, c'est une chose et son contraire en même temps. C'est l'envers et l'endroit. Et ça, c'est complexe à appréhender intellectuellement. Ça rend les choses parfois même très abstraites. Mais c'est ce qui permet justement de multiplier les points de vue. Et je pense que tu as beaucoup de gauchistes qui ne sont pas si sûrs, qui n'ont pas de théorie si claire que ça sur leurs idées politiques, que ça angoisse de questionner comment ils pensent, tu vois. Ça les angoisse d'aborder les choses d'une autre manière, tu vois. Bah, par exemple, parler de Tapie il y a 5 minutes, ça les angoisse de penser Tapie comme une puissance de l'existence, tu vois. Ils ont l'impression que c'est de droite de penser ça parce que le gars avait des aspects de droite, tu vois. Ça les angoisse, donc ils le condamnent moralement et puis ils ont raison, tu vois, dans un point de vue de gauche, de dire ah, Tapie, la virée des gens, c'est factuel, en fait, tu vois. Mais... ça les angoisse de penser que ce gars-là, même quand il se bat contre le cancer, il a un truc intéressant à raconter. Il dégage quelque chose dont on peut s'inspirer, tu vois. Et c'est intéressant d'aller voir pour renforcer ses idées, renforcer sa pensée, renforcer qui on est. Et puis aussi parce que la vie va vous mettre des claques. Il y a des choses que vous croyez qui sont vraies et vous allez découvrir en permanence que c'est faux. Ou pire que justement, genre ça devrait se passer comme ça et que ça se passe exactement à l'inverse de tout ce que vous avez toujours cru. Et c'est ça ce qu'on appelle le réel aussi. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup la définition de Bégodeau qui fait du réel. Je la trouve vraiment, je trouve il a mis le doigt sur quelque chose, tu vois. C'est quand il dit que justement le réel c'est ce qui vient contredire toutes les idéologies. C'est ça sa définition du réel et je la trouve super frappante. Parce qu'il utilise ça notamment pour beaucoup taper sur la droite. Parce que la droite fait qu'invoquer le réel en disant que voilà, face aux wokistes, le réel c'est ce qui les arrange et c'est très abstrait à chaque fois. Mais il utilise ça pour ça. Mais ce que j'aime bien avec Bégodeau, et c'est là où je vois le bon Nietzschean qu'il est, c'est qu'il est aussi en mode « Attention les gauchistes, c'est aussi le réel, c'est ce qui vient vous contredire, vous. Vous êtes en mode « Ouais, si on faisait ça, eh ben, le monde, il serait mieux. » Et en fait, vous faites ça et le monde, il n'est pas mieux. Et par exemple, des fois, le réel vient frapper à la porte de Bégodeau. Quand il dit le vrai moteur politique, c'est la classe sociale, donc... même les Noirs et les Arabes, ça sera la question du travail, la question des égalités salariales, la question du social qui va les faire bouger. Le réel arrive et lui montre qu'en réalité, c'est plutôt les violences policières qui est un truc qui va faire bouger politiquement très rapidement. Et du coup, son avis de dire ne parler que des violences policières, ça a ses limites et voir presque une singularité sur les Noirs et les Arabes par rapport aux questions policières, c'est... un peu dangereux parce qu'on oublie que ce qui réunit tout le monde, c'est le travail, et qu'on leur dit bah non, enfin, les violences policières, c'est un truc qui est omniprésent chez eux, bah, c'est le réel, au moment des émeutes, qui vient lui montrer qu'il a tort. Et d'ailleurs, il le nie un peu en disant que c'est pas politique. Bah, il a du mal à en prendre conscience. Mais en même temps, attends, mais en même temps, ce qu'on pourrait te poser à ça, c'est que justement, les gauchistes, en mode c'est trop bien les émeutes, faut qu'on se révolutionne contre l'ordre bourgeois. Ce que le réel vient vous montrer, c'est que le Le Pen prolétariat qui s'exprime à ce moment-là, il prend des PS5, il n'est pas organisé et il n'en a rien à foutre de ce que vous pensez, vous. Oui. Et c'est ça aussi. Ouais, et c'est pareil, réel. Je pense que la gauche là, mange tout le temps des claques du réel, ça, que ce soit les ouvriers veulent plus voter pour... Enfin, une partie, attention. Hein. Une partie veulent plus voter pour eux, que plein de gens les trouvent méprisants. Et en fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est intéressant politiquement de s'essayer, de s'efforcer de penser, en fait. C'est pour ça. Mais parfois, c'est des choses... C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a une sorte de... Enfin, comment dire que la philosophie, c'est quand même... La politique, ça vient après la philosophie dans tous les cas. C'est que rien qu'avoir cette attitude-là de réflexion sur sa propre pratique politique, ça implique forcément que des fois, ça va se contredire. Tu vois ?
que ouais. Des fois, il va y avoir et votre corps. Et en fait, pourquoi, par exemple, Nietzsche, pour moi, c'est l'auteur qui défend le mieux cette idée-là. Et pourquoi il le fait ? C'est qu'il prend, par exemple, votre propre corps. Dans votre propre corps, ce qui fait que votre organisme il fonctionne, c'est qu'il y a des forces contraires qui l'habitent et de ce chaos organisé, ça fonctionne. Vous voyez, votre température corporelle, elle navigue d'un truc soit trop froid qui vous tuerait à un truc trop chaud qui vous tuerait, elle arrive à être dans perpétuel équilibre parce que constamment, ça se bat de partout. Ça se bat entre vos intestins, votre cerveau, vos organes, vos muscles, vos trucs. Tout est en perpétuel en train d'essayer de conflit, d'essayer de faire des cellules qui se battent avec des bactéries, qui machin, des trucs qui se bouffent, qui veulent, qui sont là, des virus, etc. Et en fait, c'est ce bordel très organisé qui fait qu'en fait, ça tient, qu'il y a une forme d'équilibre chelou. Et on peut voir ça dans le corps social. Si on a envie de penser le corps aussi jusque-là, on peut voir ça dans la société. Vous voyez, on peut voir ça dans comment ça s'est organisé, le fait qu'on est plein à penser des choses extrêmement différentes, plein de cultures, que parfois on se fait la guerre, qu'on a envie de s'entretuer, qu'il y en a un, il se pense meilleur que les autres, du coup on veut l'arrêter, et en même temps nous aussi on se pense meilleur que les autres, etc. Bah, ça fait que l'histoire, elle continue. Donc c'est très matérialiste. C'est pour ça que Dany va devenir vegan. Non. Mais arrête, moi, mon problème... C'est que j'aurais aimé débattre avec un antispéciste pour lui dire « Vas-y, viens, on parle, on philosophe sur à quel point, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas de la vie en tout, tu vois ? Est-ce qu'il n'y a pas du conatus dans les plantes ? » Parce que Spinoza, lui, il le disait, tu vois. Et le problème, moi, c'est que je veux débattre d'antispécisme avec des véganes, donc ça ne fonctionne pas, quoi. Bah oui. Les véganes, ils pensent qu'à ce qui est sentient. Bah oui. Problème, quoi. Bah oui, du coup, ils ont l'impression que t'es en mode et... les insectes, alors que t'es en mode. Bah oui, que je suis en mode le cri de la carotte, en fait, alors que oui, je m'en bats les couilles. Bah ça. Non. En fait, non, ce qui est plus précis, c'est que les réactionnaires sur le côté vegan, ils sont en mode lol, vous voulez pas tuer les insectes, vous voulez tuer les insectes, vous voulez pas les tuer, lol, le cri de la carotte, alors que toi, t'es fasciné par les insectes mais et oui le cri de la carotte. Et en fait, ils croient que toi, tu dis ça pour dire que les véganes veulent rien dire, alors quoi, toi, tu dis ça pour dire mais moi-même, les punaises de lit, je suis fasciné par leur volonté de puissance, leur vie, leur vitalité. Oui. Mais ils comprennent mais pas ça, ils mode, pensent que tu dois les tuer. Mais oui, alors mais qu'elles veulent pas. Que survivre. Bah oui, moi, mais ça, ils pour ça que pas. Je vous jure que je pense que pour parler de ça, faut que je parle à Aymeric Caron, qui est moins con, en fait. Et je sais, pour les gens, quand j'utilise Aymeric Caron, je fais ça pour décrédibiliser les véganes, c'est ça qui me fume. Mais au moins, Aymeric Caron, il serait là en mode, moi, je suis en mais parce que je suis tu un voulais... antispéciste. Parce que il serait là, il serait cohérent. Tu veux autister sur ça, alors que les gens, ils s'en battent les couilles, c'est pas la question, et surtout... Ah oui, non, mais ça, pour moi, je pensais qu'on ferait un truc philo sur lequel on pourrait être d'accord avant qu'on soit moins d'accord sur la politique, tu vois. Ouais, mais après, c'est que toi qui es autiste là-dessus, Dany, il faut que tu t'y résoudes. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Quoi, moi, je pense que... Tu parles à philo avec d'autres gens, quoi. On réessayera, tu vois. La daronne moustique, bah ouais, là, et puis là... Mais surtout, moi, je dis pas, faut pas les tuer, les punaises de vie. Bien sûr, je les ai toutes butées, hein. Et je les buterai à nouveau s'il faut. Mais il y a une partie de moi qui me dit, comment mon existence peut-elle avoir plus d'importance que... ça recommence, ça y redevient vegan, là. Bah, allez, hop. Pourquoi ? Oui, bah parce que je fais 1m80 et elle 3 cm, voilà, je sais, il y a ça qui voilà. Joue. Mais si on commence à penser pique. Comme ça, on peut penser des choses sombres, tu vois. C'est pour ça aussi que oui, c'est bah intéressant. On s'arrête, mais bref, on a fait il y a un contrat on social. On n'a pas pu en parler. On s'arrête aux animaux. Allez hop, vu. Oui, de toute façon, il y a des plats vegan sur HelloFresh, allez-y. D'ailleurs, moi je me suis fait baiser, j'ai jamais reçu le plat. On pourra jamais faire la recette, je l'ai jamais reçu. Faut que j'appelle le service client, là ils disent que j'ai reçu la commande, je l'ai pas reçu. Mais c'est de ma faute, je crois, la vérité. Je suis sûr, ils ont mis ça à un autre voisin qui s'est régalé. Ouais, ouais, je crois aussi, gros. Je crois que c'est ça, la vérité. Oh, hey, le ça voisin marche bien, HelloFresh. Hey, là, tu leur fais de la publicité. Mais c'est le voisin qui m'a baisé. C'est pas HelloFresh, c'est pas de leur faute. Content, dis donc. Les pauvres. Bon, allez, vas-y, let's go, là, le vu. C'est bon, là, c'est bref, pareil, filou, là, on va devenir pouet-pouet prout, là. Moi, je veux plus être pouet-pouet prout, moi. Oh, merde, attends, je suis pas du tout sur la bonne fenêtre. C'est bon. Quel sort pour les Arméniens du Haut-Karabakh ? Rien n'a fini. Alors ça, moi, je me suis pas renseigné. Je sais pas si t'as vu. Là, c'est hyper chaud. Ce qui se passe en Arménie et à Azerbaïdjan, je crois. Ah oui. C'est hyper, hyper chaud. Alors moi, je me suis pas du tout renseigné. J'ai pas les datas. J'espère que ça va en dire un peu sur le vu. Mais sinon, ça aurait été bien. PDH aussi, j'imagine qu'ils vont peut-être en parler. Et je sais pas si vous savez s'ils vont faire un truc sur PDH. La gauche aux fraises, ouais, là, apparemment, personne comprend ce qui se passe. Là, j'ai vu, c'est tombé sur le dos de Révolution Permanente qui a fait son tweet habituel de « Oui, on ne prend pas parti, il y a des prolétaires des deux côtés, etc. » Et les gens sont en mode « Non, non, là, il y a
une dinguerie qui se passe. Enfin, voilà quoi. Genre, bon, c'est un peu. Voilà. Mais oui, je dirais à Cassandre, il vous fera un stream où lui, il va travailler et il le fera. Voilà. Les Arméniens ont déjà give up. Ah, j'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison. Des premières négociations entre l'Azerbaïdjan et les Serbes. Ouais, là j'avoue que je. Vaut mieux dire qu'on comprend pas plutôt que d'avoir un mauvais avis. Ah oui, là moi je vais pas commencer à la ramener. PDH, c'est la chaîne Parole d'honneur, ils font des discussions sur ces sujets. J'imagine, ils ont parfois des gens qui parlent pas mal. Alors ce que j'ai vu, l'avis antiraciste que j'ai vu un peu, c'est que l'Azerbaïdjan est en mode extinction des Arméniens, quoi, de ce que j'ai vu. Alors je sais pas pourquoi, ce que ça implique, etc. Là j'avoue, j'ai vraiment pas les datas, les gens. Il y a une enclave arménienne en Azerbaïdjan et ces derniers veulent les virer. T'es sûr que tu veux lire le chat ? Moi, je te conseille qu'on avance et qu'on regarde le vu. Ouais. Ne lis pas le chat sur les conflits. Rappelle-toi l'Ukraine. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ne lis jamais un chat de l'Ukraine. Moi, j'irai écouter des gens qui disent je crois avoir à peu près compris quelque chose et je vais en écouter plusieurs et voilà. Oui, voilà, c'est ça. Le chat. L'évacuation de civils continue, la population redoute un nettoyage ethnique. Ah ouais. Ce matin, nous sommes allés vous poser une question indiscrète au marché. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir ? Une salade de riz avec des tomates, voilà, et du jambon blanc. D'accord. Dans la galerie des glaces, les couilles, de la... Oh, les repas royaux. Est-ce que t'as vu les vidéos, gros, de Français, de gens qui hurlent « Vive le roi !» quand le roi d'Angleterre passe Mais c'est quoi ça ? On est le pays de la révolution. Elle est où la guillotine, là ? On est le pays de la guillotine. C'est où, la... Après, t'as vu, il y a Antoine Léaumont. Ah oui. Antoine Léaumont, un peu cringe, mais en même temps, il a dans ce contexte... Lui qui a mis que des drapeaux français en mode de « Notre bande opératoire et la guillotine, pas plus de France !» J'étais là, mais Antoine, mais ça y est, il est parti. Il faut le faire après, redescendre un jour. Ah vrai, gros. Mais en même temps, j'aime bien. En fait, au début, j'ai vu ses tweets, je me suis dit « C'est finito, ça y est, il est trop loin dans son RP Robespierre. » Mais en même temps, je vois ça la seconde d'après. Je me dis, mais en fait, il a raison. Bah ouais. Non, mais en plus, à la limite, pour venir en valeur de la République, que Macron juste la bite du roi d'Angleterre, qu'il y a un cérémonial, je dis pas que c'est bien, mais ça m'étonne pas. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est des gens, des randoms, qui vont et qui crient « Vive le roi !» et qui sont mais en surtout... émoi devant un roi comme ça. Moi, surtout, c'est quoi mon avis vraiment réel quand je vois ça ? Voilà, vous voyez, tout à l'heure, là, ça paraît tapis. Tapis, j'avoue. Un peu stylé, tapis, tu vois, genre être président d'un club de foot, être respecté par des fans de foot. Moi, je suis un peu chaud. Par contre, vivre ça ? Mais moi, en fait, je comprends même pas, il est où le plaisir ? C'est tellement hors de ma sociologie. C'est tellement hors de mes codes. Quand je vois Brigitte Macron en mode prout-prout dans cet univers avec le verre, fourchette et tout, moi, ça m'angoisse. Genre, là, je sais que j'ai pas de jalousie. J'ai pas de, tu vois ? Parfois, j'ai de la jalousie, genre un mec dans un jet privé qui va manger du bœuf de Kobe à Tokyo. Je suis un peu jaloux. Moi je suis en mode, c'est pas bien, c'est écolo, mais je suis un peu jaloux. Ça, je suis zéro jaloux. Hein. Ça, je suis en mode, c'est horrible. C'est austère, ça me fait bader. Genre, c'est affreux. C'est genre, c'est le dernier endroit où j'ai envie d'être. Je suis en mode, heureusement. Genre, ça a l'air affreux d'être un fils de pute en costard dans ce contexte. En fait, j'ai tout sauf envie d'être ce gars, quoi. Genre, il y en a, ça vous fait rêver, ça? C'est trop, c'est finito en plus ce truc, c'est désuet. Ah ouais. Table de 60 mètres de long et de ces verres en cristal de Baccarat, les 170 convives cherchent leur place, comme les acteurs Carole Bouquet ou le très british Hugh Grant. Oh, regardez les gueules, les costumes, tout, les colliers, ça pue, et puis, ça sent le formol. Et puis gros, il y a vraiment des gens... Genre, tu sais, parce qu'à un moment, Macron, il a touché le bras du roi. Et apparemment, il ne faut jamais toucher le roi, sauf s'il t'y invite. Bon, ok, d'accord, moi, je m'en bats les couilles, cuck. Et t'avais tu sais des gens... Faire vas-y. Touche le roi, on le décapite un bon coup. Voilà, qu'il nous y invite. Vous voulez, on ne touche pas avec les mains, on touche juste avec la lame. On ne touche pas, une lame. Il n'y a pas de problème. Et il y avait des gens qui répondaient en mode « Oh là là, c'est une honte, on ne respecte pas le protocole, il faut respecter le roi, il faut respecter les traditions et tout. » J'étais là, mais je dis « Mais vas-y, bref. » Ouais, c'est un roi. Ils aiment bien respecter les traditions, c'est un roi. Mais quand c'est la baïa... Ah ouais, ah ouais. Là, ça devient une tradition religieuse. Ah ouais, de fou, de fou. Comme les acteurs Carole Bouquet ou le très british Hugh Grant.
Il y a 400 ans, lorsque l'embryon du château de Versailles a été bâti, c'était de base une maison de passe ou un relais de chasse ? Oh, c'était une maison de passe ? Non, je dis relais de chasse, moi. Ouais, c'est sûr. Après, il y avait peut-être une grande fée à côté. J'ai pas la blague, une grande fée. Il y en a plein, ils vont la voir, tu vas voir. Fée de chasse. Là, c'est sûr, il y en a, ils l'ont là. Maison de passe, une fée. Voilà. Zelda. Non. TOTK, je l'ai. Ah, le relais de chasse. Ah, et le oui. Relais de. Ah, ok, ah ouais, ok, ok. Ah, oh, vous êtes des. Ah, l'odeur du. Ah, ah, ah. Ah, l'odeur du chat N-Sex, retournez jouer. Si vous avez cette rêve. Retournez jouer à Splatoon parce que vous avez jamais joué après, à un vrai jeu de votre vie. Après, justement, gros, justement. À Zelda Breath of the Wild, ça va. C'est... Quand t'as joué à Splatoon, pour moi, là, c'est fini. Oui, c'est vrai. Là, t'es fini. Mais la vérité, t'as moi. Acheté... Non, mais après, limite, t'as acheté un Splatoon, tu t'es fait avoir. T'as pas de FPS 2. Sur ta Switch. Gros. Mais t'as acheté le 1, le 2 et le 3, t'es une merde. Il y a des gens, gros, ils jouent à Splatoon tous les jours. Tu te rends compte ? Après, moi, les seuls jeux Nintendo que je respecte auxquels j'ai turbo joué, c'est les Zelda et Fire Emblem. Moi, je trouve que c'est vraiment les trucs Matrix. Bah oui, ça reste les meilleurs. Ça, quoi. C'est vraiment de la frappe, tu vois. Genre vraiment Fire Emblem. Un peu d'accord. En vrai, les Metroid, ici, sont bien Metroid Prime. Ah, je les ai jamais fait, par contre. Ça, j'ai jamais fait. Peut-être j'aimerais bien. Mais voilà. Ah, t'aurais kiffé, je pense. Bah oui. Mais bref, c'était à l'époque, hein, maintenant. C'est... Non, mais Pokémon, les gens. Pokémon, c'est plus buggé c'est bon, vas-y, qu'un jeu ski drop. Play. Allez, bref. Appuie sur play. Une maison de passe. Pas du tout. Mick Jagger, l'autre star de la soirée, s'incline tout sourire devant Brigitte Macron. Allez. À table, avant l'entrée de Omar, signé Anne-Sophie Pic. C'est vraiment le peuple à faim petit... et eux, ils sont en or, quoi. Ah, gros, c'est... Genre, c'est indécent dans le contexte. Mais c'est vraiment... Mais... C'est... Avec des bails, j'ai vu ça sortait des chiffres, des bails de bouteilles de champagne à 3000 balles la bouteille et tout. Je crois ça, par contre, c'est bien un truc dont j'ai envie de cette soirée. C'est la bouffe. Je crois que c'est les alcools. Non, en la fait... bouffe, moins. Parce que ça a l'air d'être trop bizarre. Ah oui, toi, t'aimes pas les plats en sauce et tout. T'es un casse-couille. Mais alors, toi, tu prends contre, la tisane. Par moi, contre, je prends la l'alcool. Mais gros, en fait, t'imagines, tu vires tous les gens dedans et juste tu tapes une grosse soirée dedans où t'as la tisane, t'as la bouffe, t'as tout et t'as le lieu. Et juste, on fait un DJ set là-dedans. Tu mets des squatteurs. Ah ouais, gros. Qui vont tout taguer, tout casser. Après, mon rêve un peu. En vrai, c'est un peu mon rêve. Mon rêve un peu, gros. Ça mon rêve, c'est ouvrir les. T'ouvrir l'Elysée à des squatteurs ah ouais, de leur dire l'opéra. Lâchez-vous. Ah ouais, de fou. Faites du chemsex, chiez sur les murs. Ah ouais, moi taguez je fais... tout. Moi, juste, battez-vous. Je fais un DJ set, moi. Vous me filez un gros système son, juste je mixe et vous faites ce que vous voulez. Ah ouais. Tu te rappelles quand on était période Totoro, qu'on passait devant l'opéra. Ouais, squatter l'opéra. À Paris, à l'opéra de Paris. Ah ouais. Et qu'on était en mode, il faudrait squatter l'opéra ah et ouais. tout. Ah ouais. Et après, on passait devant l'Apple Store, on regardait les iPhones. Fais voir, non. On n'aura pas squatté l'opéra, mais on aura réussi un truc, quoi. Écoutez, les gens, on peut pas tout réussir. Oui, bah hein. Ça va. Ils appartaient entre Emmanuel Macron et Camilla. L'écrasante majorité de ceux qui travaillent, par exemple, au SMIC, n'y arrivent pas. Qu'ils doivent sauter des repas, qu'ils doivent se priver de viande, se priver de fromage, de fruits frais. En fait, se priver de viande et de fromage, ça devrait pas être mal, en fait. Se priver de viande et de fromage, ça devrait être la base de toute personne qui a un peu de morale et de décence, en fait. Je comprends pas son argument. Vraiment, c'est un problème, en fait. Donc, elle est pas de gauche, en fait. Qu'ils doivent se priver de viande, se priver de fromage, de fruits frais. Voilà, donc on est dans cette société de classe. Quel serait votre jackpot idéal ? Une étude IFOP sur notre rapport à l'argent montre qu'en moyenne, les Français estiment à 26 millions d'euros la somme parfaite pour mener la vie dont ils rêvent. Quoi ? Ouais, putain, mais... moi c'était 5000 balles à une époque. À une époque, c'était 200 balles déjà. Mais aujourd'hui, la vérité, aujourd'hui, tu me donnes un petit 50 000 balles. Déjà, non, moi, non, la vraie, moi, tu sais, je te donne la vraie somme. Pourquoi c'est une baraque en vrai ? Non, moi, voilà. Moi, la vraie somme pour moi, c'est demi-million. Ouais. Pourquoi ? Maison. Plus voiture, plus scooter, ouais. Et un peu studio équipé, à l'intérieur. Genre une télé. Il faut 100 000 balles en plus, gros, pour faire et un studio isolé. Derrière, t'as un 2K net. Ouais, pour moi, bon. C'est goûté. En fait, fou, justement, fou. T'as besoin de plus, pas vraiment. Bah ouais, de fou. Et ça, fou. On peut y arriver. Hein. Ah ouais, de fou.
On peut y arriver. Juste une baraque avec un studio tout équipé, maxi studio et tout. Ah, maison ouais. Bord du lac, non, je m'en bats les couilles. Une maison déjà, non, frère. Juste une maison. Juste un truc, après, genre, je paye pas un putain de proprio plus en fait. Juste une maison, déjà. Un hôtel particulier dans Paname. Ça vraiment là. Non, mais non, mais fils de pute, toi aussi. Bah. Arrête. Non, mais là, c'est pas une maison là. Là, il faut des millions là, frère. Il faut 2-3 millions, je pense, pour ça. Un peu plus, 2-3 millions, gros, 2-3 millions, t'as un appart un peu moderne dans Paris, hein. Bref, pas trop, hein. Ah ouais? Bah oui. Bah, tu te rappelles, Bibliothèque François Mitterrand, là? Ouais. T'avais des apparts à 1,5 million, c'était les apparts de rappeurs que t'aimais pas, là. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que gros, 2 millions, moi, ce que je veux, moi, c'est l'hôtel particulier de Bernard Tapie. J'aimerais trop vivre dedans. Mais alors là, mais gros, rien que son Picasso, là, je sais pas combien il vaut dedans. Non, mais sans le Picasso, je m'en bats les couilles du Picasso. La vérité, je m'en bats les couilles. Il faut le décorer, plus, tu vas le décorer comment achète... bah, je mets des livres partout, de fou, gros. La réalité, de fou. Je mets livres et mes planches originales de BD et tout. J'en ai plein, gros. J'en ai encore qui sont pas accrochées. J'ai une boîte pleine de planches originales et de lithographies. Après, on n'a pas les mêmes rêves. Hein. Moi, pour moi, le summum du luxe, ce serait d'avoir une petite salle de muscu personnelle. Bon, un plouc, quoi. Voilà, oui, t'as un plouc. Moi, je suis un plouc. Après, je crois que dans l'hôtel particulier de Bernard Tapie, tu pourras avoir et la salle de muscu et des livres et des trucs, quoi. Genre, ouais, mais moi, la maison à Inoxtag, ça me suffit, tu vois. Bon, après, je trouve trop plouc encore par rapport à moi. Après, ce qui est bien dans ça, c'est la verrière, là. La verrière, c'est un banger. Genre c'est... Ah ouais, ça je suis chaud. Ah ouais. Bah je redécore différemment, genre son PC verdure là, je suis pas fan. C'est dégueulasse. Et puis même, genre sa cuisine, en fait tout est vide, tout est à part de rappeurs nuls, c'est genre je sais pas, genre c'est nul. Après moi ça vraiment, les apparts de rappeurs nouveaux riches, tout vide avec juste une télé et une PlayStation, bon. Non mais moi de toute façon j'ai juste une maison dont t'es proprio, où t'as le véhicule, le machin, le truc, du coup ça fait que t'as de l'argent en concret, c'est-à-dire que t'as... dans des propriétés, quoi, et derrière, même si t'as plus trop de thunes un jour, au moins t'as ta baraque, quoi. Ouais. Tu vois, genre, tu peux vivre de petits boulots, tu peux. C'est trop bien. Mmh. Moi, c'est vraiment le dream, hein. Et ça serait déjà énorme, hein. Bah ouais. C'est déjà énorme. Mais bref, ouais. Eve, bref, sans aucune contrainte. Non, mais qu'est-ce que vous avez apporté, là? Alors, ça, c'est la médaille qui a été remise aux invités après. Donc, si vous voulez, je suis le seul Durand de l'histoire des Durands qui possède donc cette médaille. Voilà pour la caméra. C'est chic. Ok. Oh, regarde, on peut voir qu'il y a des pros, qu'il n'y a pas des pros. Il est trop content. Ça me fait trop rire. Wow. Ah, tout à l'heure, j'ai vécu l'expérience totale. Je suis allé au Starbucks aussi. Oh, ah ouais. Et gros, ce qui m'a fait mourir dans le Starbucks, c'est qu'il y avait full de monde et tout le monde avait un iPhone. Et j'étais en... Ah, c'est vraiment les rases en fait. C'est vraiment le combo Starbucks. C'est vraiment. Après, avoue que t'as pris ton plaisir. Ils avaient un truc. En plus, Gucci, je vois quel Starbucks. Il est stylé le Starbucks. Grande lumière. Enfin, il y a plein de vitres et tout. Oh. Classe, le Starbucks. Il est bien. Et j'étais en mode ah ouais, d'accord. J'aime trop okay. Starbucks. On n'a pas le droit d'aimer les choses simples avec vous, Bernard Tapie, Starbucks, la viande, le capitalisme. Oh, vas-y, on peut plus rien aimer, quoi. Bah, gros, c'est... tu parles à un chat de gauche. Après, base, non la vérité, je veux bien lâcher Starbucks si on garde la viande. Bah non, mais les gens sont prêts à l'inverse, en fait. Ah bon? Ils sont prêts à accepter le café. Oh là, ça marche pas. Moi, c'est bon, je suis convaincu par Athlétique maintenant. Moi, je sais que toi, je suis un Welfaris, moi, maintenant. Oui, je suis un Welfaris premier degré. Oh. Moi, je suis pour un meilleur être animal. Comme ça, on mangerait de la merde. Moi, je suis un Welfaris des animaux et des humains, contrairement à franchement, vous. Franchement, gros, tu préfères moi, je pense pas manger aussi aux humains. Une belle entrecôte. La meilleure. Vraiment la plus bonne possible. Ouais, tu sais que la bête continue, a bien été élevée et tout. Continue, pour l'instant, je bande. Tout que t'es sous steak congelé, là. Ok, ouais. C'est un bon deal. Si, si, ouais, je te demande pas d'arrêter. Je te mais dis tu juste, garantis moins, l'entrecôte. Bah, avec moi, ouais. Pour les gens, je sais pas si on peut tout pour moi. De toute façon, t'inquiète, Mélenchon, il va les baiser. Il a dit végétarien dans les cantines, là. Mais ça sera sur le dos des pauvres, encore. On va pas à la cantine, nous. Oh, bon. Mais justement. Let's go. Ça sera sur le dos des pauvres, encore. Allez, bon. Les gosses, là. Hey, comme à l'époque. Crousse. Allez, crousse végétarien, allez hop, allez. Justement, les étudiants de gauche, let's go, bien fait pour vous. Ah ouais, alors que moi, s'il y a bien un truc dans le resto du crousse qui me rendait heureux, dans le repas à 3 euros avec les frites pas bonnes, la compote éclatée ou le yaourt nature au sucre, c'était le steak en semelle.
Ah ouais, heureusement qu'il y avait un peu de steak semelle à ma plaisir, quoi. Ah ouais. C'est ça aussi où tu vois que c'est mal pensé. Ah ouais. Le poulet frit de fou classique. Vous voulez enlever le peu de plaisir qu'il y avait à la cantine, vous voulez l'enlever, mais bon, vous réfléchissez mal, hein, globalement. Le crous, c'est un banger, mais apparemment, il y en a des biens à Paname, des crous. Ah ouais, à Paname. Genre, le crous, qui était pas loin de Paris 3, il était pas si mal, la vérité. Non, moi, je trouvais que c'était horrible. Nous, on se disait 3,50€. Crous, steak, semelle, frites pas bonnes, yaourt, nature, confiture, là. Alors que croque-vite, 3€, américain, double merguez, des vraies bonnes frites bien grasses. Du coup, nous, on n'allait jamais au resto, on allait à croque-vite. C'était classique. Rien que le nom, tu sais que c'est de la frappe. Tu me dis, oui, voilà, on va à croque-vite, je sais que je vais prendre du plaisir tout de suite, tu vois. C'était le coin des prolos. Genre, t'avais vraiment toute la misère de Montpellier. Pour ceux qui connaissent, c'est entre la gare et la place de la Comédie, là. Et c'est vraiment genre croque-vite, c'est pff, la frappe. Je suis sûr, il y en a qui connaissent, là. Qui connaît croque-vite, là? Parce que je te jure, croque-vite, gros, c'est... Ça me donne... Le nom me donne trop envie, gros. C'est extraordinaire. Moi, je vais à Montpellier, je mange là-bas. Classique, incroyable. Go aller à Montpellier pour aller à croque-vite, je suis ultra chaud. Je connais. Ah ouais. Et il y avait aussi House Pizza à Hôpital La Péronie, en dessous du bâtiment du Crous. Bon, là, je suis extrêmement précis, mais c'était pas plus cher parfois que le Crous, tu te disais. Ouais. Ouais, mon carré. Sur la bouffe à Caen, t'as toujours eu des trucs cool pour ceux qui connaissent le kebab du Safran près de la rue Froide, incroyable. Le kebab Bogos, après, il en a perdu. Je suis allé la dernière fois, le truc d'Orelsan, c'est devenu de la merde. Il arnaque les gens maintenant. Quand j'étais jeune, il était meilleur. Ah ouais. Il y avait des trucs bien à Camp. Non, croque-vite, gros, c'est toujours. À chaque fois que j'y vais, c'est la. Mais je pense, gros, je suis multimilliardaire. Tu me donnes la fortune à Bernard Arnault. J'arrive à Montpellier, je vais à croque-vite. Non, mais tellement c'est bon. Et c'était moins cher que le Crous. Sinon, t'as la Ikea, mais là, il fallait prendre toute la ligne du tram. C'était un peu chiant. Mais tu pouvais à Ikea, les boulettes de viande. Mais c'est devenu cher, hein. L'autre fois, je suis à Ikea, j'étais choqué, hein. Parce qu'à l'époque, je payais 2€, j'avais 40 boulettes. Enfin, je sais plus ce qu'on avait, café, glace. C'était une dinguerie en moment, Ikea. Tu mangeais comme un roi. Ça me rappelle, ça coûte 10 balles, quoi. Tu sais que c'est Louis Boyard, quand j'étais au stream avec la fille, il y avait Louis Boyard qui parlait en jouant à LOL et il racontait que justement, il allait à Ikea pour bouffer notamment les hot dogs de Ikea. Il disait que c'était vraiment pas cher, c'était mon petit plaisir quand j'avais pas de thunes. J'allais bouffer le hot dog de Ikea. Et t'as Hugo Bernalicis qui est arrivé et qui a dit... j'espère que tu précises que c'est sûrement produit dans des très mauvaises conditions, que Ikea est une entreprise capitaliste et qu'on ne sait pas d'où viennent ces hot dogs en fait. Alors que t'as vu le voyeur qui était en mode popopo, le hot dog d'Ikea c'était de la frappe, il coûtait que dalle, je l'ai bouffé, j'en ai acheté 3, j'étais trop heureux et tout. Et j'étais là, ah ouais, c'était. Ah ouais. Mais c'est vrai que tu vois qu'avoir eu de l'amiante dans son lycée ça rend fort. Ah ouais, du coup, tu mouilles, ça rend basé. Ah ouais. Mais bref, ouais. Mais non, mais gros, c'était trop. Mais tu sais qu'en plus, c'était genre l'enchaînement majestueux. C'était les boulettes, 20 boulettes pour 2 balles. T'avais café, glace. Et justement, quand tu sortais avec ton ticket de caisse, t'avais le droit à un hot dog. Du coup, pour 1 euro, pour genre, allez, moins de 5 euros, t'avais mangé une glace, un café, 20 boulettes de viande et 2 à 3 hot dogs. On se faisait des fois avec les potes. Oh ouais, genre, c'est pour ça que t'es en micro. Je mangeais pour la journée, je mangeais mes 2000 calories. Je vais aller à croque-vite maintenant. Apparemment, ça a fermé, ils ont dit. Oh non. J'espère vous mentez. Enfin, j'espère vous êtes des Danny menteurs. Il est en deuil, là. Regardez, il est dans la face du déni. Après, il a de la colère. Non, pas croque-vite. je vous mentais, mais plus jamais dans cette ville de merde, du coup. J'en veux plus. Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il est à l'Assemblée, là? D'où on laisse un roi rentrer à l'Assemblée nationale? Non, mais là, c'est trop grave, là. Bref. Le drapeau anglais, gros, il me dégoûte. C'est la honte. Je suis désolé, c'est horrible. Ceux qui ont accepté ça sont des traîtres à la patrie, en fait. Vraiment. C'est trop grave. Et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. Votre pause. On rigole. De la relation durable entre nos deux pays. Il a des gros doigts. C'est méchant, moi aussi j'ai des gros doigts. Ouais, mais c'est le t'es pas roi. Donc on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tout le monde s'en fiche de moi. T'es le roi de quoi, toi?
Le roi des cons. Le roi des rots, le roi des... du comment je suis mal assis sur ma chaise. Oui, bah ça va, c'est bon, n'en rajoute pas. Déjà, je suis pas roi, pas besoin de me ridiculiser. En plus, c'est une dinguerie de faire ça. Ouais, tu peux être roi dans ton propre royaume. Voilà. Bah, c'est pour ça que je t'ai trouvé des royaumes, après tu les aimes pas. Je suis roi de où je pose mon chapeau, comme disait le chanteur. Là où je pose mon chapeau et mon foyer. C'est le roi du bâton. Tu seras du bâton, en fait. En fait, je suis roi du bâton. C'est moi, en fait, j'ai gagné, en fait. C'est moi le plus fort, en fait. Ah, cette voix, j'en peux plus. Elle m'obsède. Je peux plus faire ça dans ma vie. Moi, ça me rend malheureux, un peu. Ouais, c'est parce que tu comprends pas le plaisir, en fait. Tu fais comme ça, c'est trop bien, en fait. Oui. T'es une chevalière, bon, une chevalière de roi. Vous venez l'entendre faire le roi. C'est bien, on est bien. Oui, c'est bon. Non, on a bien parlé, on a parlé de philo, on a parlé de tapis. Oui. L'homme, hein, Bernard, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais on parlait de tapis, alors vraiment, beaucoup les motifs ibériques qu'est-ce de ce tapis. Je sais pas, je veux dire, d'ailleurs, ma moquette commence à gondoler. Quoi? Bah, en fait. Tu gondoles de la moquette? Je me gondole la moquette là en ce moment. Parce que c'est les roues de la chaise, et en fait, ça baise les moquettes. Et j'ai acheté une moquette de merde un peu. Du coup, je gondole. Voilà. Donc vous savez que... Déjà, t'as de la moquette. Bah oui, pour le son, pour ses voisins. Oui. Évidemment. En plus, surtout que les gens, j'ai mis Liège into moquette. Du coup, c'est le plaisir, c'est le banger. C'est le truc. Et au plafond, vous voyez, au plafond, les gens, j'ai un truc de ça, là. Vous voyez pas très bien, mais ça, c'est des mousses comme as, turbo-épaisses, turbo-compactes, qui sont un agglomérat de produits cancérigènes qui isolent la pièce, c'est l'écrit. Et depuis, la vérité, les gens, depuis, il n'y a plus aucun problème. Tiens, mon iPhone. Ouais. Non, c'est juste, ça faisait pauvre. On dirait que t'allais même pauvre. Ah, je te demande ton tel. Pauvre. Enculé. Enculé. Mais bref, ouais. C'est pas de la laine, non. Nous devons, ensemble, œuvrer afin de protéger le monde de ce défi existentiel, le plus grand défi de tous, à savoir le réchauffement climatique, le changement climatique et la destruction catastrophique de la nature. Richie Sunak, ici en visite, c'est dans un essai. Mais qu'est-ce qu'il y a, lui, avec son homard, là, qu'ils ont bouffé après? Oh, le gros méchoui, là. Oh non, putain, arrête! Dès qu'on voit des animaux, faut qu'on pense à notre part de public vegan déçu de nous. Mais ils sont déçus de toi, pas de moi. Moi, ils attendaient rien de moi. Alors que toi, tu sais ce qui te baise, c'est que tu donnes des gages aux véganes. C'est que t'es un peu d'accord. Alors que moi, tout le monde sait, je suis perdu, tu sais. Non, mais j'ai compris, un jour, je ferai plaisir à mon public, je viendrai trans, musulman et vegan. Waouh, il y a des trucs contradictoires dans le tas un peu, là. Mais... Bah... Pas de problème, hein. C'est ce que mon public veut. Je donne à mon public ce qu'il désire. Dès que je comprends un truc que je suis pas, je dois le devenir. Donc bon, c'est mon public. Mais oui, quoi, là, tout est prêt, c'est vrai. Là, tu prends une broche, tu traverses les trois, tu les mets à cuire direct, c'est fini. C'est trop bien. Quel banger. Mis un gros coup de frein sur après, les engagements climatiques du livre. De quoi? Je suis vegan contrarié. Je suis vegan musulman, trans vegan et musulman. Et alors? Ça sera ça le titre de mon livre? Voilà, ça va sortir à côté de Mardé Woke et Mon enfant est woke. C'est chez le même éditeur. Voilà, préface d'Éric Zemmour. Devenir quinquin, a détesté, devenir quinquin, hein. Très vous allez bon kiffer, titre de je livre pense. Aussi, je suis d'accord. Devenir quinquin. c'est vraiment Daddy, ça. Devenir quinquin. Avec un costume à la Bernard Tapie, là. Pff, moi, je suis trop. La vérité, je serais un peu heureux. Ah ouais, en mode, c'est un peu plouc comme ça. Ouais, de fou. En mode costard. Après, il te ressemble à toi. Avoue, c'est toi qui t'habillerais comme Tapie. Ouais, c'est vrai. Les longs trenches. C'est vrai. Les costards. D'ailleurs, il a un traîné Burberry. Magnifique, hein. Les tenues à son. Il est trop stylé. Bref, il est trop stylé. Du Royaume-Uni. Le Premier ministre a annoncé le report de plusieurs mesures phares, comme celle sur les voitures à moteur thermique, interdites à la vente en 2035 au lieu de 2030. Le leader conservateur, l'urgence, c'est d'alléger les dépenses des travailleurs, qui sont aussi des électeurs. Entre la France et l'Angleterre, qui va gagner Alors les deux, ridicules. Ah ouais, ouais, là, c'est là le niveau là, de bourgeoisie. L'autre mais en face, elle sait pas faire un service, c'est une catastrophe. Cette partie, regardez, tu sens la bourgeoisie qui les bloque. Regarde,
Ah, si. Après, ma question, c'est est-ce que c'est la bourgeoisie ou est-ce que c'est le Botox? Ouais, j'ai cru que c'était dire différentes injections. J'ai eu peur. Bah non, mais... Non, mais là, gros, là, les injections d'acide hyaluronique, là, t'as toute la pièce, hein. Hommes et femmes, hein, qu'on en fait, là. T'as raison. En fait, c'est du plastique, quoi. Bah, c'est pour ça, elles sont bloquées. En fait, il y a un habitus bourgeois mélangé à un corps. Ouais, qui est bloqué, un corps plastifié, quoi. Ah ouais. Bah, quand t'as de l'argent, faut l'utiliser, hein. Ah ouais. Des réseaux. Alors, on va vérifier le plaquage sur Antoine Dupont. Parce qu'il y aurait un point de contact peut-être. Ah ouais, c'est dur. Il n'a pas été blessé quand même, c'est notre meilleur joueur. Il a la mâchoire fracturée jusqu'au moins la demi-finale. C'est ultra hardcore, gros. Oh non. Plus mâchoire fracturée, la douleur. Oh non. Oh la douleur, les gens. Mais fracture déjà. Vous avez pas envie. Mais là, c'est fracture de la mâchoire. C'est un sabotage. C'est un sabotage, clairement. C'est genre vraiment, tu sais, genre, ils ont viré. C'est un fait de course. Notre meilleur joueur. Mais non, c'est un sabotage. C'est bon, là, il n'y a pas besoin. C'est pas une meuf. On n'a pas besoin d'être. Tu vois, on peut blame, quoi. Oh, ça veut dire que t'étais d'accord avec le harcèlement misogyne? Bah non, justement. Ah, attends. Ah si. Ah oui, non, t'as raison, les hommes, on s'en fout, c'est vrai. Vas-y, continue. Ah, c'est, non, c'est validé, c'est validé et légitime. Non, c'est horrible. Bon, bah force à lui, hein. J'espère qu'il va se remettre et qu'on va réussir à gratter la demi-finale quand même, quoi. C'est horrible. On est très vigilants. À ce niveau-là, là, oui, t'as quoi? Quoi? Après, sport de Gaulmont. Sport de Gaulmont, mais sport trop stylé, je l'armais. Ah oui, bien sûr, mais sport le de joueur Gaulmont, qui l'a plaqué se fait harceler. Let's go. Vive la France. C'est mérité. Vous avez dit, hein. Ah, mais là, attendez. Allez revoir notre avis. Hein. Genre, ils auraient fait ça, genre remplaçant dont on s'en branle, mais pas notre meilleur joueur, ça va. À la tête, et vous savez que les arbitres sont très vigilants. Aïe. En plus, enfin, imagine, genre lui, il a quand même un coup de bœuf, il est en surentraîné. Tu te prends le même choc, tu notes ta tête à s'arrache. Attends, attendez. Notre tête à s'arrache. Gros, à nous. Surtout, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain? On est à 54-5. 54 points en rugby. Mais attends, mais là c'est l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis à 54. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? On dirait quand je joue avec Wissam à FIFA. De fou. Ah non, mais là, c'est... Fallait le faire sortir. C'est notre... Oh là 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 là. Ah, c'est une dinguerie. On a fini à 98 points. Non, mais au rugby, c'est indécent. On dirait que c'est un match de basket ou... Bon, bref. Voilà, là, oui, tête contre tête. Ah ouais, mais non. Ouais. Tu te blesses contre la Namibie. Attends, fais voir. Là, ça peut être terrible. Oh wow. Déjà, les gens, moi j'ai des douleurs à la mâchoire à cause de mes dents de sagesse là. Ah, et ouais. C'est déjà, c'est affreux. Ah, ouais. Mais c'est rien. Genre, la fracture de la mâchoire, je pense, c'est. Ah ouais. Ah, tu te vois tellement douiller. En plus, la tête, je trouve déjà avoir mal, genre aux bras, aux jambes, ça te casse les couilles, mais avoir mal à la tête, c'est. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est la zone où t'as jamais envie d'avoir mal, quoi. Mm. Avec le sexe, avec deux, trois comme ça, c'est des zones où t'as jamais envie que d'avoir mal dans ces zones-là, quoi. Pour les Namibiens, parce que ça va faire carton rouge et essai refusé très probablement. Ah oui, c'est sûr. Là, c'est sûr et certain, tête contre tête, essai rouge. On est quand même assez préparé. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres à la blessure. Et pour l'instant, tous les trois, on a été quand même assez épargnés par les blessures. Touché du bois, mais. Hein mais Oh, je crois que c'était pas du bois cette table en fait. C'est horrible. Antoine, il a eu qu'une blessure aussi. Enfin, c'est... Après, il a touché en dernier aussi. Les Greg, ouais, c'est ça, fallait toucher plus vite. En fait, est-ce qu'il a envoyé le mail? Il a pas tapé. Il a pas tapé, il a caressé le bois. On dit pas je caresse du bois, on dit je touche. Oh non. Ça fait longtemps aussi que tu t'es pas blessé, toi. Tu dois. Bah ouais, mais après, faire ça, quoi, c'est touché pour un rugbyman, non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, vrai. C'est touché, ça. Tu prends une caresse deux, ça t'a mal. C'est... Oui, de fou. Je pense que c'est comme ça, non? Un mauvais plaquage, un mauvais geste, une blessure là. On espère que ça ne sera pas trop grave. Ouais, il doit avoir tellement mal. Standing ovation. Oh. Don't stop me now. Et on en reste là, 96-0. On leur a mis 96-0 et ils nous ont baisé notre meilleur joueur. C'est horrible. Bref. Succès historique, plus large succès en Coupe du Monde du rugby français. Aussi incroyable que cela puisse paraître,
cet âge digital qui semble avoir toujours existé n'a que 20 ans. Notre rapport au monde est désormais totalement dépendant de la qualité de notre connexion. La multiplication des miroirs numériques est-elle à l'origine d'une tendance universelle à ne plus s'intéresser à autre chose qu'à soi-même? Oui, bah, laissez-nous être heureux aussi. Cette époque est-elle celle de néo-Narcisse? Est-ce qu'il y a Narcisse qui à se regarder toute la journée en live? Qu'est-ce qu'il a? Nous, on n'est pas narcissiques, nous. Mais on est d'accord que chaque truc Arte docu, c'est les réseaux sociaux. Ah ouais. C'est con. C'est quand qu'un jour ils vont produire de la pensée en fait sur ce sujet. Non, mais en plus, il y a vraiment besoin. Tu vois? C'est toujours leur. Ah ouais, c'est vrai. Il y a Facebook. Et ça nous connecte, mais ça nous isole aussi en même temps. Ah, des gens on vit dans une société. Comme ça, là, c'est... vraiment, c'est grave, quoi. Je vais mettre une image. C'est un singe qui évolue en homme. Et à la fin, l'homme, il évolue. Il a le cou comme ça, tout tordu, parce qu'il regarde son téléphone. Ah, c'est débile. Ah, les gens, ils regardent tout le temps leur téléphone. Oui, bon. Ça me fait bader un peu. Tu peux penser à quelque chose, sinon? Ouais, ah ouais, c'est vrai, ça. C'est France 3, c'est pareil. C'est la télé des macronistes. Ouais, 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 Macron, ouais. Voilà. C'est pareil. Ouais, j'ai des vidéos d'Olivette sur mon téléphone. Regardez. Hein? Pourquoi j'ai ça? C'est quoi, ça? Bah. C'est quoi? On voit rien, en plus, c'est pas clair. Attends, non, mais... Bah, c'est du shit. Ouais, tu vas montrer la pire photo, je sens. Attends. Vas-y, arrête ça. Arrête ça, putain. J'ai perdu la photo, de toute façon. J'ai vu. Développement personnel, nous le répète. Commence par t'aimer toi-même. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Le 18 juin 2022, à Guangzhou, en Chine, une centaine de femmes se sont auto-épousées en même temps. Oh bah c'est génial. Tout le rituel du mariage traditionnel est convoqué. Robe blanche, alliance, gâteau, discours et même Vas-y. Voyage de noces avec elle-même pour certaines. Vas-y. Ouais, mais il y a un problème avec le Japon. D'ailleurs, on va en parler dans le prochain Bander Mag vendredi 20. J'ai été raciste. C'est en Chine. Il a dit, oh, y a un problème avec les petits Pikachu, là. Les petits Pokémon, là. Non, mais... Waouh, la vie de rasin. Mais non, mais... Mais je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Ça va ! C'est pas raciste, ah bon ? En fait, ça se voit que... Après, regardez. Vous, pourquoi vous connaissez la différence ? Vous croyez supérieur à Raz, en mode, il est pas raciste, mais je vais le défendre. Vous avez regardé chaque vidéo de Tev ici, au Japon. Et de... Du coup, vous savez reconnaître instinctivement. Et c'est d'ailleurs les seules choses que vous connaissez. Vous aimeriez bien aller en Asie. Parce que la femme asiatique a l'air douce et docile. Merci, Dani. Donc ça va, je connais. Moi, je suis obligé de te défendre. Non, mais la vérité, je voulais placer Bander Mag le 29. Où on va parler des Japonais puceaux. Donc, ah oui, d'accord. Donc voilà, c'était de la pub en vrai. Non, mais donc, gros rapport avec la Chine. Wendo X Suzuka. Renseigne-toi sur les conflits entre la Chine et le Japon, tu vois. C'est... Ah, je crois que oh, les Japonais, ils ont voulu aller en vacances là-bas et ça s'est pas bien passé, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, je crois, à peu près. Ouais. Je crois qu'il y a, eu des petits conflits, genre, ils étaient pas très polis avec les Chinois, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, à peu près. Ce phénomène se répand dans toute l'Asie. Mia, donne-moi un surnom que tu aimerais avoir. Je peux t'expliquer ou pas? On va te créer un réseau social comme maman est là, ok? Parce que comme ça, on pourra mettre toutes tes belles photos et tout. Tu veux? Oui? Elle est trop jeune. J'ai juré, elle est trop jeune. Non? C'est le bruit de mes AirPods. Ouais, bah écoutez, hein. Après, gros, go faire des gosses, on leur met un. On leur fait faire mais des sur Twitch.
Bah, genre, non, mais tu sais, on fait comme les gamins. Animaux. Qui va te regarder, tu vas lui dire à 10 ans, tu veux faire quoi plus tard? Et qui va dire streamer, tu vas avoir un bad. Ah, non, mais sinon, on fait comme les animaux, tu sais, où il y a de la bouffe qui tombe quand il y a des dons. Et genre, on met les gosses avec un truc, et genre, le biberon il descend que quand il y a jouets. Des dons. Et des jouets, voilà, c'est ça. Ah ouais, j'avoue. Genre voilà, genre le petit hocher. Prendre des grosses baffes. Ah ouais. Genre, contre des gros dons. Je sais pas, en fait. Des baffes, non? Attends. Non, c'est pas. Ça leur apprendra la vie. Non, mais juste une écuelle avec de la bouffe qui tombe, et puis voilà quoi. Ah mais moi, de toute façon, gros, j'ai un gamin à l'âge de 2-3 ans. À un moment donné, je le capture en pleine nuit, je le mets dans une voiture, je le jette au milieu de la forêt, je lui file genre vite fait à 3 de ans. Quoi boire sa pisse, filtrer sa pisse, tu vois. Et je laisse se démerder une petite semaine. Non, mais après, ça va devenir un petit fils de pute de Bourges là. Il va avoir un iPhone dès la naissance, c'est bon. Hein. Je le lâche au bois de Boulogne. Il faut aussi qu'il apprenne la vie. Il a deux choix. Soit il chasse, soit il fait ami-ami avec les gens qui travaillent ici. Il se démerde, quoi. Ok, Dani. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais. On a compris, ouais. Non, mais les gens. C'est la base, non? Ah, la base, ouais. Entraînement avec Piccolo. Ouais, en vrai. En vrai. Tu files ton gamin à Piccolo. T'as vu comment il devient cool? J'avoue, hein. Mais après, il cancel pas de se battre. Ça devient pas un débile à lunettes qui veut plus se taper? Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est dans le din. Il est avec Sarlel. C'est un peu ça, ce qui se passe. C'est un peu vrai. Un peu ça, ce qui se passe avec le perso. Bah, Skip, là, dans Super, il revient avec une nouvelle transfo. J'ai pas tout compris. Bon, c'est bref. Pas clair. Ouais, comme d'hab. Hein. Aux États-Unis, le taux de suicide des adolescentes... C'est pour ça que c'est le meilleur perso, tu vois, cherche pas. C'est grave, hein. A augmenté de 65% entre 2010 et 2015. T'as jamais remarqué, gros? T'as les rebeux Vegeta et t'as les rebeux San Gohan, tu sais? Ils sont vraiment, ils se distinguent, tu vois, ils sont... Je suis plus fort que toi, mais... J'ai plus de sagesse. T'inquiète. Réel un peu. Hein. Regarde bien sur Twitter maintenant, tu verras. Ils font des leçons souvent, tu verras, ils font des RT bizarres. Ils font des rappels. Bon, parfois ils font des rappels, frère. Les rappels, c'est pas bien. Alors là, c'est. Ah oui, ça, c'est vraiment le tir San Gohan, ça. C'est ça. Fais pas le rappel en public, mon frère, machin. Bon, allez, vas-y. Bref, ouais. Au développement des réseaux sociaux. Un mot à dire sur. Sur cette culture, Az, peut-être? Je sais pas. Une supposition ? Non, c'est intéressant. Jolie danse. Oui, des beaux vêtements. S'ouvrir dans la vie. Je suis un citoyen du monde. C'est bien. Oui. Bon, le lycée de merde ou... Ça a l'air d'être le meilleur truc, non ? Ouais, en vrai, ouais. Vous êtes... Ça a l'air bien un peu. Ouais, vas-y, ça me va. Moi, c'est pour en vous, plus, le chat. Vu qu'on sait que vous êtes des merdes à l'école... Vous n'arrivez pas à voir vos partiels, au lycée vous vous faisiez harceler, vos profs vous aimaient pas, vous étiez nul à chier, même au Club Magic vous vous faisiez harceler, c'est dire le tiers de merde que vous étiez. Et du coup, il y a un documentaire des nouvelles sur... règles de Gabriel Attal. Voilà. En mode c'est bien, faut fasciser un peu ce pays, encore plus. Exactement. Non, après, la personne qui a envoyé ce react l'a dit, les gars, réagissez à ça, il y a un react malveillant à venir. Ah, donc, du coup, voilà, je c'est le ton est donné. D'être vas-y, on est turbo bienveillant. Je pense qu'il va y avoir un prof à l'image. Non, on va être turbo bienveillant. Vas-y. Ouais. Être là, vous cracher dessus en mode ouais, elle fait rien et tout. Ouais. Elle va jamais y arriver dans la vie alors que je fais tout pour m'en sortir. Et genre, vous m'accablez et tout. Vous êtes là en mode oui, elle va pas y arriver. En fait, c'est super décourageant. Chaque année, 100 000 jeunes sortent. Oh là là. Fais pas tout pour s'en sortir, elle se plaint déjà. Oh, ça y est, je suis malveillant. Non, mais pardon. Mais elle a le droit de se plaindre quand même. Moi, ce qui me choque, c'est pourquoi il y a une table de squatteurs là? Bah, ça a l'air d'être un lycée comme ça, non? Il manque juste une 8-6 vide avec des clopes dedans et c'est bon, c'est une table de squat, ça. Je reconnais. Hein. C'est Camélia, vous la connaissez? C'est qui? C'est Camélia, elle est cool. On dirait des TikTokers, ces gamins. Classe d'art plastique. Camélia, la craque. Une journaliste très cool. Attends, c'est une journaliste, elle? C'est une journaliste ou une élève? Attends, du coup, je comprends pas. J'ai rien compris, moi, pour l'instant. France ta gueule slash.
crois qu'il est trompé. France TV slash. France ta gueule. Ouah, Boumed, il a voulu être gentil, il a été dans la malveillance directe. Ok. Ah non, c'est la présentatrice après, pas la go qui parlait. Ah, on est complètement... En mode, oui, elle va pas y arriver. En fait, c'est super décourageant. Chaque année... Elle y parlait, je pense. 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucun... T'inquiète. Pourtant, le son est turbo fort. Ça te va, là ? Non, mais là, non, mais... Je sais pas, hein, on sait jamais, hein. Il existe plusieurs solutions, dont les micro-lycées, et on en recense environ une trentaine partout en France. Les micro-lycées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lycées à taille réduite qui accueillent des jeunes qui ont totalement décroché, et l'objectif, c'est d'obtenir le bac général. Moi aussi, je peux décrocher mon iPhone 15 Pro, 256 Go titane noir. Oh, j'étais juste en train de vérifier s'il y a un bail avec la connexion, et toi, ça t'a donné envie. Je l'ai bien dit cette fois. T'as pas dit les géos. Si, j'ai dit 256 Go. J'ai dit les 256 Go. Après, t'as vu quand il dit des fois, il dit XDR display et 2000 nits. Je sais pas ce que c'est, non, moi ça je peux. Ouais, non, mais là, faut être sous. Là, c'est en dehors de mes compétences. Ah oui, non, là c'est. Ok, par ça, bah oui. Oui. Plusieurs critères pour candidater. 1. Être super motivé, la base. 2. Avoir entre 16 et 25 ans, mais ça dépend des établissements. Et 3. Ne plus être allé en cours depuis au moins 6 mois. Le micro-lycée du 93 nous a ouvert ses portes. Allez, Sarek. Micro-lycée, du coup, ça s'appelle ? En vrai, je connais pas du tout. Est-ce que c'est des trucs genre lycée de gauchiste un peu autogéré où ça se tutoie, tu choisis à quel cours tu vas, les gens font des joints ? C'est ça ou pas ? J'ai rien compris. On va voir, on va découvrir. En vrai, je connais pas du tout. Ok. Je m'appelle tout Rose. Temps, ouais, j'en ai dit, j'aime trop. Non, on a compris, je suis au micro-lycée depuis l'année dernière, parce que du coup j'ai été décrocheuse et je suis ici pour avoir mon bac. Alors j'ai décroché à l'école parce que. Attends, c'est pas la même que dans le documentaire des HPI. Non, mais ça recommence. D'aller confondre les femmes. Ils voient une meuf avec une teinture, ça y est, c'est les mêmes. C'est genre, non, c'est vraiment... Je sais que sur TikTok c'est la mode, voyons. Oh là là. Sur TikTok. Les jeunes, vous croyez m'apprendre des choses. Ok, Dani, qu'est-ce qu'il a ? Le Kwakubé n'a pas de secret pour moi. À Pagnan, n'est-ce pas ? À Pagnan, t'as fait les crampetés. Ah, il y a le nouveau truc là, ce que là. Je l'ai pas, c'est quoi ? Mets-moi la mise à jour. Le c'est truc quoi avec la jambe là, où tu fais ce que sur le morceau là, c'est ça ? Attends, c'est ce que ou c'est autre chose ? Qu'est-ce qui. Déjà en retard. Ouais, peut-être. Hein. Moi, je suis un boomer. Hein. C'est ce que j'ai vu ça il y a quelques tu jours. Tu secoues les jambes en faisant ce que ? Non, c'est pas ce que. Non, vous l'avez pas ? Personne ne l'a ? Personne oh, ne l'a. Oh, tu les as baisés. Oh, vous l'avez pas. Oh, la preuve que vous l'avez pas. Oui, ce que. C'est quoi ce que ? Envoyez, c'est quoi le ce que ? Moi, je veux savoir ce que. Dani, en retard d'un mois. Mais personne l'a. Faites genre. Vous l'avez même pas. Vous savez pas de quoi tu parles. Y a Ayana Kamura, elle l'a fait aujourd'hui, je crois. C'est quoi le ce que ? C'est tu fais ce que avec tes jambes. C'est sur un morceau un peu qui a percé TikTok, bizarre. C'est trend de Golemon. Ils veulent pas envoyer. On s'en branle, c'est juste, c'est rien, c'est juste, tu fais ce que. Moi, je voulais voir quand même. Oh, vas-y. Colère. Mais gros, cette génération, de toute façon, ils ont décidé d'inventer que des termes incompréhensibles, tu vois. Contrairement à nous. Oui, nous, c'était clair. Nous, on était la sagesse. C'est réel, ça. Nous, c'était mieux avant. Bon, allez, vas-y, pardon. En gros, j'ai été déscolarisée très rapidement. Chocard de baiser, ouais. Et je commence à faire le CNED. Jusqu'à ma seconde. Ok, ça a été tout un truc. Et ensuite... Ah, je crois que j'ai le ce que. Tu l'as fait, toi ? De quoi ? Le CNED ? C'est quoi que t'avais fait, toi, déjà ? Ah, non, moi, j'ai arrêté en seconde. J'ai pas été en cours. Ensuite, j'ai fait CAP Librairie Papeterie Presse, brevet professionnel de Papeterie Presse. Après, j'ai bossé en librairie pendant un moment. Et ensuite, je me suis servi de mon brevet professionnel pour faire une année de fac. Voilà. Et t'as quel modèle d'iPhone ? J'ai l'iPhone 15 Pro 256 Go noir titane. Oh bah comme quoi. Ah Cristal, c'est mon Cristal, je trust son lien. Voilà c'est ça. Et donc là on en est au tiers parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert. On en est au tiers du même où il y a des surveillants dans les collèges qui commencent à faire des TikTok pour dire j'en peux plus, tout le monde le fait 15 fois par jour, vous avez un problème. Ok. Bien gaze. Ah mais ouais, c'est pas le plus matrixant, après rigolo, hein.
Vous, vos trains là, sont bien. Hein, quand vous avez acheté à 35 ans le dernier Pokémon à 60 euros Day One, c'est vrai que vous étiez à ce moment-là, vous étiez dans la classe, quoi. Rappelle que vous avez dansé sur Camini, Marly Gaumont. Ouais. Ok. Non, mais c'est juste un petit rappel. J'ai été dans un lycée de rattrapage juste avant, qui est un peu comme le micro-lycée. Ouais. Et du coup, ça m'a aidé à reprendre ma seconde. Et ensuite, ils m'ont dirigé vers là, où j'ai pu reprendre le lycée. C'est même pas reprendre, c'est commencer le lycée pour la première fois. La phobie scolaire, en fait, vraiment, c'est l'impossibilité d'aller en cours la plupart du temps. C'est des angoisses, ça allait jusqu'au vomissement, aux crises de panique. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension de la part des parents. La phobie scolaire, ça m'a toujours fait... Moi, j'ai ressenti ça de fou, mais j'aime bien qu'on dise que c'est genre la phobie scolaire, alors que pour moi, ça s'appelle être normal. Eh oui. Non ? Pour moi, ça peut être en bonne santé, on devrait appeler ça la grande santé. Oui. Pour moi, si tu te sens mal en allant à l'école ou au travail, c'est équilibré en fait. Moi, je suis d'accord. T'es en grande santé, t'es pas en dépression. C'est vrai. T'es pas en angoisse. Je sais pas. En fait, on nous plaque une lecture psychologisante là. Pourquoi en fait ? Ah ouais. Pour moi, c'est la preuve que t'as un esprit. Les gens malades, c'est ceux qui vont à l'école heureux. Ils arrivent à l'école tôt et tout. T'as l'éjaculation précoce et pour te reproduire plus vite. Pardon. Non, c'est autre chose, ça. Moi, tu sais qui c'était les vrais malades ? C'était les gens qui commençaient à 10h du matin et qui venaient à 8h pour aller en perm et faire des devoirs. Ça, c'était la maladie mentale, ça. Alors que... Ah ouais. Angoissé... Les gens qui faisaient des fiches, gros. Ah ouais. Avec du stabilo et tout. Oh là là. Ah ouais. Moi, mon plaisir, c'est de leur dire, t'as eu 12 avec tes fiches, j'ai eu 11 sans fiches. Ah ouais. Allez, nique ta mère. Ah ouais, de fou. Perdu 20 heures à faire une fiche, quoi. Mais ça, des fiches, moi, je les faisais à la fac. Je faisais des fiches, des cours. Et en fait, je les apprenais pas, les fiches, mais je les apprenais en écrivant la fiche, en fait. Tu vois. Mais en fait, ma manière d'apprendre le cours, c'était de faire la fiche. Du coup, c'était pas mal. Oui, bah, c'est ce que diront chaque personne qui fait des fiches. À la fac, ça m'a bien aidé. Après, j'ai quand même raté. Donc, bon, comme quoi. Du coup, t'as un de ces fils de pute qui faisait des fiches. J'avais des jolies fiches. Voilà, c'est ça en fait. Vous faites des fiches, pour moi, c'est pour les caméras. Tu sais, c'est genre, tu fais un truc joli, c'est un joli sous-titre, machin, mais vous avez rien compris quoi. Si, j'avais compris. Et surtout, moi, ce qui m'énerve avec les gens qui font des fiches, c'est quand toi, quand tu vesquis un peu le lycée, genre un trimestre entier par exemple, en terminale par exemple, je sais pas qui aurait fait ça, et que t'arrives et que tu demandes des fiches aux élèves qui font des fiches, bah non, je te les prête pas, moi je prête mes fiches par contre, je suis pas un fils de pute. Ah non, ça c'est vraiment être une J'étais merde. Là, on s'en fiche. Pourtant, non. Play. Là, c'est... Là, faut Guillaume Play, là. Ouais. Maintenant, j'avais envie de laisser un petit blanc là-dessus, tu vois. Parce que c'est pas un truc dont on parle énormément. Donc, c'est très souvent incompris. On se dit juste, c'est un enfant Après, qui prend ta prise. La vérité, moi, je trouvais que j'angoissais avant d'aller à l'école. Les vraies crises d'angoisse, c'est le salariat. Moi, c'est là que j'ai découvert la vraie phobie salariale, tu vois, la vraie phobie de l'aliénation. Parce que je badais avant d'aller à l'école, ok. Mais alors, avant d'aller travailler, ça, c'était la vraie douleur, par contre. Donc, qu'elle s'inquiète pas, bientôt, elle souffrira pour de vrai. Ah, merde. Bah oui, c'est ça. Merde, du coup. Tu sais que c'était mon angoisse au lycée, c'est que j'étais en mode, c'est horrible, mais est-ce que... Ça va pas être pire après. Ouais, donc c'est ça qui fait bader quand t'es au lycée. C'est ça, en fait. Que t'es en mode, je souffre, la vie c'est de la merde en fait. Mais en plus, on fait que te dire, oh, tu vis tes plus belles années. Et toi t'es en mode, quoi ? C'est quoi cette douille en fait ? Ah ouais, de fou. À la base, t'es bien, t'es là, tranquille, tes parents, machin, ça se passe bien. Tu regardes des dessins animés, c'est cool, tu joues au foot. Et d'un coup, on t'enferme tous les jours. Ah ouais. On t'insulte, on te méprise, on dit que t'es une merde. Ouais. Et en plus, tout le monde te dit, franchement, tu vis tes plus belles années, prends ce vent. Tu m'étonnes qu'on vienne dépressif. Ah ouais, c'est horrible. Tu m'étonnes qu'après, t'essayes d'esquiver le salariat en fait. Bref. Ils sont un truc comme ça, mais en fait, on se rend pas compte, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Et du coup, c'est vachement de souffrance parce qu'on se dit aussi qu'on n'est pas comme les autres, on ne suit pas le même rythme que les autres. Je ne m'entendais pas super bien avec tout le monde, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de jugements. Des trucs comme ça, c'était pas. On n'était pas sur la même longueur d'onde du tout. Et c'est pareil, j'accrochais pas non plus aux méthodes d'éducation, des trucs comme ça. J'avais l'impression qu'il y avait aussi du jugement de la part des profs. Ça, c'est le pire truc. Ouais, bon. Elle est intelligente, quoi, contrairement à ses camarades. Ah,
Voilà. Moi, je vois ta flemme nulle, mais la vérité. Non, mais je la flemme pas, justement. Je suis premier degré. Ah, ok, je croyais que tu voulais être méchant. Ah, non, je te jure, pardon, je suis en mode. J'ai cru que tu voulais être méchant. Je crois qu'elle souffre de mon iPhone. Mais pourquoi ces golemons là, ils vont à l'école et ça les rend heureux? C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Je la comprends de fou. Et le pire, c'est les profs. C'est que tout le monde est en mode, ah, les élèves, ils harcèlent, etc. Mais moi, les vrais mauvais souvenirs, les gens qui ont vraiment été immondes, c'est les profs, en fait. Genre, c'est vraiment eux qui te pourrissent le plus. Et notamment, quand tu ne fites pas avec le système scolaire, ils se vengent sur toi. Parce que pour être prof, c'est que toi, l'école, c'est ton bain, en fait. Ça veut dire pour moi, les profs, c'est des élèves matrixés par l'école qui étaient tellement heureux d'aller à l'école qu'ils faisaient des fiches qu'ils ont voulu y retourner. Ils font des fiches pour faire leurs cours. Ça veut dire que ces malades mentaux, ils se sont dit, mais l'école, c'est trop bien, je vais y passer toute ma vie. T'es forcément un psychopathe. Mais ça, d'où? C'est ça. Bah oui, tu veux qu'en sortir. C'est ça. C'est que t'es forcément une mauvaise personne. Si le résultat de ta scolarité, c'est de dire, oh bah, je vais y retourner, je vais y rester toute ma vie, t'es une merde en fait. C'est obligé. Surtout, il y a des gens qui ont fait de la prison et qui ont décidé de devenir gardien de prison. Alors, il doit y en avoir quelques-uns. Ouais. Bon, je pense que c'est un phénomène rare. Alors, Trotsky, quand il a voulu faire les prisons en URSS et qu'il a voulu être sûr que les gens soient bien gardés, il a pris des anciens prisonniers du tsar pour être sûr qu'ils torturent les prisonniers contre-révolutionnaires. Il est un peu un génie quand même. Mais bref, ouais. Du coup, pour moi, l'école est construite pareil. Waouh. Mais c'est vrai, de toute façon, regarde la tête de la prof. Moi, je trouve les profs, ça se voit, ils ont des têtes, ils ont fait des fiches, ils ne voulaient pas les prêter. Ils ont voulu les garder, ils ont commencé à préparer leurs cours. C'est ça aussi, les profs. Pourquoi vous êtes en vacances? En plus, vous êtes là, non, les premières années, il faut préparer tes cours. Mais vous avez fait que ça pendant votre scolarité. C'est vrai. De toute façon, tout ce qu'ils savent faire, c'est réussir le bac et du coup l'enseigner, quoi. Super. Ouais, gros, c'est des merdes. En fait, votre intelligence, ça sert à rien. L'autre, au moins, son intelligence, c'est en mode, bon, moi, je suis desco, quoi. Je vais pouvoir me plaindre toute ma vie. Et voilà, on va en faire autre chose, quoi. Ah ouais. C'est bref. J'étais pas entourée de gens bienveillants. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a grandement fait que j'étais déscolarisée. Ah, et au bout d'un moment, bah, je me suis dit, c'est plus possible parce que je travaille à peine. Je suis dans une dépression complète. Ça va pas du tout. J'ai envie d'avoir un futur. Et c'est pas en restant chez moi que je vais en avoir, en fait. C'est pas en continuant à entretenir mon mal-être que j'irai mieux. Donc je me suis dit, il faut que je recommence mes études et que j'ai mon bac pour pouvoir faire ce que je veux. Ça veut dire quoi, décrocher? Elle a du recul hein, pour son âge. Ouais, franchement. En vrai, c'est là que vous voyez, genre, je suis désolé, elle est autoréflexive. Elle s'est dit, ouais, bon, je vais dans le mur, comment faire pour que ça soit moins affreux, parce que je peux pas et qu'en même temps, je me baisse pas, quoi. C'est ça. Et puis surtout que ce qui est horrible, là où c'est horrible l'école, c'est que si t'arrêtes les cours parce que t'en peux plus et que ce que tu peux faire comme taf en sortant de l'école, parce que tu vois, genre par exemple, des gens qui... Il y a des tafs que tu peux apprendre en apprentissage ou tu peux faire un CAP, c'est un taf que tu kiffes, bah go y aller direct, même dès la troisième, genre tu vas taffer, ça peut correspondre à une petite partie de la population. Mais si t'es quelqu'un qui a envie de faire un truc qui dépend des études et que tu te baises, en fait, c'est toute ta vie où tu te condamnes à souffrir. Donc en fait, t'es dans le choix de dire, est-ce que je souffre encore quelques années pour espérer un peu moins souffrir après? Est-ce que j'arrête tout de suite? C'est ça, l'horrible torture mentale que te fait vivre l'école. C'est cette réflexion-là qui est forte. Là, tu vois ce que tu dis, ça va avec ce com' là qui dit « Je suis désolé, mais ce discours est un peu gay. Si tu trouves l'école pas bienveillante, frérotte, la vie sera dure très vite pour toi parce que dehors, c'est pire. » Oui. Justement, c'est pour ça que je disais, moi, en fait, là où I feel, c'est que j'avais ce sentiment comme elle, mais très vite, moi, j'avais compris que ça va être pire après. Et c'est ça aussi qui fait que cette réflexion-là, elle est très, 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 très difficile. Et on peut avoir envie de voir ça de loin. Et moi-même, hein, quand j'avais cet âge-là, je me disais, je suis foutu. Je suis un flemmard. En plus, tout le monde te dit que t'es une merde et que tu vas jamais rien faire. En vrai, aujourd'hui, je la chéris, cette réflexion que j'ai eue quand j'étais jeune. Je me dis, mais quelle solidité mentale, j'ai envie de faire exprès de le dire comme ça, quelle solidité mentale il faut pour ado déjà te dresser contre l'école et te dire... Je vais essayer de hacker un peu le truc pour échapper derrière au salariat, faire quelque chose d'autre et tout, etc. Et pour me rendre compte de ça, il a fallu que je rencontre plus tard des gens qui ont commencé à m'envier, qui me disaient « Putain, moi, je suis allé au bout de mes études, comment je regrette Je me suis fait baiser par le système, etc. » Ça ne veut pas dire que tu vas forcément y arriver, mais en fait, il y a une forme de fragilité en mode « J'arrive pas à accepter le monde tel qu'il est. » Et ça peut te laisser sur la touche parce que tu n'es pas prêt pour le réel. Mais en même temps, tu te prépares tellement au réel que cette fragilité, cette souffrance passagère t'apprends à la peut être le fruit
de comment te trouver et comment t'épanouir dans un monde qui n'a pas prévu que tu t'épanouisses. Et surtout, donc, en elle, vrai, moi, je serais nuancé sur ça. Surtout qu'elle, là, tu dis si elle n'est pas prête, mais justement, si. Elle est en mode, j'ai drop, je me suis barré pendant 6 mois, j'ai arrêté. Et là, je suis en mode, non, je ne peux pas faire ça parce que sinon, je me baise. Et justement, pour moi, elle est dans le chemin de réflexion de dire, baiser pour baiser, autant que j'essaye de mettre le plus de chance de mon côté un peu moins souffrir derrière. Donc, ça, je pense raison. Qu'elle a déjà fait le chemin un petit peu. Elle a de ouf raison. Ouais, mais du coup, elle a une méfiance innée de l'école, tu vois. Qui fait que ça va lui servir. Ouais, donc cette, en fait, toute souffrance n'est pas inutile, c'est ça que je veux dire. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire du coup, ouais, faut forcément se barrer dans son coin. Tu peux finir dans la drogue et découvrir une autre partie de la vie, mais finir très mal assez jeune aussi. Hein. Ouais. Attends, donc, attends. C'est pas forcément conseillable, évidemment. Je suis allé au bout de mes études, je me fais 700 euros par jour, je regrette pas du tout. Mon ref, fait croquer ou quoi ou... Là, tu flexes, faut prouver là. Tu te fais 700 faut balles par jour. Toufik, là. Tu peux lâcher un petit billet ou... Toufik, en bide, là, il faut prouver, là. Tu peux lâcher une petite carte légendaire, là. Comme ça, on dira ton nom dessus, t'auras prouvé à jamais, là. Il a offert 5 abonnements, le rat. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est riche. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est riche et qu'il a pas claqué dépense pas son argent bêtement. Comme un con. J'ai pas encore payé les impôts. Ah, vous avez vu. Oh là 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 là. Allez, 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 ça dégage. Il a dit les impôts. Interdit de flex ici. Ah ouais, t'attendras d'avoir payé tes impôts. C'est un freelance, laissez-le coffrer. Oui, oui, bah oui. Bon, vas-y, guitare. Coffre, mais hein. Bref, hein, ouais, hein, bon. Persepolis, trop de la merde derrière, hein. Je tiens à le faire remarquer. Hein. C'est pas parce que t'as pas payé tes impôts qu'un petit 100 sub, ça passe un pas en légende. 100 sub, voilà quoi. Freelance dans la data. Ah ouais, dans la data quoi. Dans la data quoi. Non mais après, les études, ça peut vous amener quelque part, mais en fait, l'idée de dire que c'est forcément la sécurité, je pense que beaucoup d'adolescents en plus réfléchissent à ça précisément comme ça. C'est aussi genre, c'est quoi la sécurité? C'est quoi une bonne vie? Est-ce que c'est gagner de l'argent dans ce monde capitaliste un peu absurde? Ouais. Ou est-ce que c'est pas prendre du temps pour soi, vivre sa jeunesse, pour faire des conneries, voyager, se démerder, se débrouiller? Faire les deux. Ouais. Bah ouais. Et puis il y a une culture de la débrouillardise. En fait, le pari de la débrouillardise, c'est que tu sais jamais si tu vas finir mort dans l'overdose ou qu'au contraire, ça va t'amener vers un succès que sera jamais celui de l'école. Et là, il y a tout le biais du survivant là-dedans. Je me sens pas du tout concerné. Je vois pas de quoi c'est tu pour parles. Ça que je dis ça. Mais en tout cas, quand t'es ado, ça te tente, quoi. Et je pense que beaucoup de gens qui décident d'aller vers des vies de galère, des vies artistiques, des vies comme ça, c'est aussi des gens qui. Et c'est pour ça, genre, d'un point de vue capitaliste, d'un point de vue même parental, de conseils de base, t'as envie de leur dire, frère, la société, elle est dure, la vie, elle est dure, y en a qu'une, fais pas le con. Et c'est un très bon conseil de suivre ses études en parallèle, tu vois, au moins. Mais est-ce qu'ils ont si tort que ça? Bah, je trouve que parfois, c'est les Mad Ones qui ont raison. Hein. Les Mad Ones? C'est quoi ça? Oui, je propose, j'ai envie de citer Kerouac. Kerouac? Kerouac? Les Mad Ones, ouais. C'est genre ceux qui sont Jacques. Quoi. Jacques? Jacques? Allez, Toufik! Ouais, tout il a il a data, il s'est data le chat, let's go Toufik, merci. Ça va, c'est bien, go, c'est bien. Il a prouvé go. Qu'il gagnait au moins 1000 euros par mois. Il a prouvé, il a flex. Non, mais le flex est validé. Let's go, let's go. Il nous a data dessus. Quoi, de qui? Bah, décrocher d'un système qui est apparemment le seul moyen de nous en sortir. Parce qu'on nous met un peu ce truc que le seul moyen de s'en sortir dans la vie, c'est les études. C'est des trucs comme ça. Et ça ne convient pas à tout le monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce qu'on nous demande. Et parfois, pour réussir, il faut juste un peu se plier à ça. Donc, je sais que je voulais même pas forcément mon bac, mais je sais que pour réussir, il faut que j'ai mon bac. Donc, je pense que c'est décrocher de ce truc qu'on nous impose un peu. Je vous laisse. En vrai, elle a compris le réel. Basé, hein. En vrai, là, elle a vraiment compris, je trouve. Elle a compris qu'il fallait... Et se méfier et en même temps quand même se payer un peu au game. Ah mais quel suceur ce gars, c'est une dinguerie. Hein. Mais gros, je trouve c'est impressionnant à son âge. Non mais...
Après, moi, à son âge, j'étais en mode à 25 ans, ce sera l'augmentation de carrière avec le RSA, c'est sûr. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. J'avais la même. On en reparle 2 ans après en dépression. Il faut que je trouve 20 euros pour trouver du shit. Voilà, tu vois. Alors, bah, c'est bon, j'ai compris. L'école, c'est de la merde. Je vais aller devant le lycée privé pour vendre du shit et je pourrais y avoir mon shit gratuit. Voilà, c'était bien. Vraiment, un businessman. Après, ça se voit, elle a des haltères dans les cheveux et tout. Donc... ça se voit, elle pense à plusieurs là-dedans aussi. Montrez-moi du Coralie, ce qu'on avait dit, du grand 2 avec des cartes, ok. Je m'appelle Coralie, j'ai 24 ans et je suis micro-lycéenne depuis l'année dernière. Micro-lycéenne, c'est un nom carrément. Genre, c'est micro-lycéenne en fait. Je m'appelle Dani et je suis micro-pénis depuis l'année dernière. Rapport à l'école, il a pas vraiment été compliqué en fait de par moi-même. Il a été compliqué de par plutôt du côté familial en fait. Et j'ai pas eu le choix d'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire qu'à mes 18 ans, je travaillais en même temps. Et le choix de continuer ou d'arrêter, bon, en fait, je l'ai pas vraiment fait. J'en pouvais juste plus. J'étais fatiguée de travail, lycée, tout ça, puis ben, mon appartement, donc tu sais, t'as tout à faire derrière. Ouais. En gros, t'as une petite vie de femme, t'es super jeune, et t'as déjà ta petite vie de femme, ta vie de lycéenne, le travail, et c'est trop. Il y avait personne qui allait payer mes factures à ma place, du coup, j'ai arrêté. Réel. Précis. Et ça, c'est ça l'horreur, et on revient au vieux avec son truc pour les étudiants, quoi. Parce que quel est le moyen de baiser ses études ? C'est le salariat, quoi. Et des gens qui sont dans... Merci Alejandro 14, merci. Les gens, même à la fac, moi, je voyais les gens qui étaient salariés, qui faisaient un 25 heures, même plus des fois, et qui faisaient leurs études en même temps. Les seuls que j'ai vu réussir, c'est des gens... C'était des warriors, en fait. Genre, tu ne peux pas demander ça de tout le monde, en fait. Être capable de faire ça, ceux qui arrivent à faire ça, force à vous, vous êtes trop déter, en fait. Bah, ils sont tellement deux que c'est 5% à la fin des études. Hein, c'est ça. Moi, je n'aurais jamais pu faire les deux en même temps. Je le sais déjà, j'ai pas réussi, mais alors, enfin, c'est impossible, tu vois. Genre, mais en plus, c'est contradictoire. C'est trop. En fait, le taf t'épuise et les études te demandent de pas t'épuiser. Et en fait. Il y a une inégalité là-dedans aussi, c'est que tu as des élèves qui vont faire la même fac que toi, mais eux, ils vont prendre des bonnes vacances, ils vont bien dormir et tout. Du coup, bah, en fait, même s'ils font un peu plus les cons que toi, au final, ils sont plus concentrés en cours. Tu vois toi, tu arrives crevé, tu taffes, tu n'as jamais de vacances. Du coup, quand tu arrives, tu rentres du taf, tu arrives à la fac la première semaine. Moi, c'était une semaine de vacances. Hein. Genre quand tu pouvais quitter... Rien que ça, ça te handicape un peu. Mais en plus, t'en as à côté, ils se prennent des prépas perso, des cours particuliers. Tu vois, genre, en fait, c'est rien que ça, ça te met dans une mentale et non, c'est pas possible, en fait. Tout de suite, t'as pas la même égalité des chances. Et c'est pour ça, ceux qui arrivent, c'est des oufs. Ah ouais, c'est des bosseurs. Mais du coup, ils sacrifient leur vie. C'est un sacrifice, mais après, genre, vous l'avez fait. Moi, je dis, faut pas regretter, faut être fier de la réussite aussi, de vous être déter à ce point-là. C'est une dinguerie, en fait. Moi, je pense que ça rend quand même puissant, quoi, d'avoir réussi à concilier les deux. C'est que, genre, voilà, t'es une capacité de charbon. Et même, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui l'ont tellement fait que, tu sais, ça a été tellement douloureux que ça les a écrasés et, tu sais, ça les a mis en dépression. Tu vois, alors que non. Genre, regardez ça comme une fierté d'avoir fait autant. Et du coup, voyez ça comme une possibilité de voir que vous avez vraiment la capacité de turbo-charbonner, d'être turbo-déter, quoi. Donc, vous ne laissez pas dépasser par la douleur que ça a été de le faire, se trouver plutôt de la force là-dedans, quoi. Mais bref. Il est vraiment bienveillant, en fait. Bah oui, j'ai dit que j'étais bienveillant. Non, mais. Oh. T'es les gens. Le jour où il y a eu les résultats du bac, je me suis dit, je l'ai, tant mieux. Je ne l'ai pas, tant pis. C'est pareil, de toute façon, j'arrête. À quel moment tu t'es dit, ok, j'ai quand même envie de l'avoir, ce bac ? En fait, après avoir travaillé quand même, d'avoir eu pas mal d'expérience au niveau du travail, etc., dans différentes branches et tout, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment pas, que j'en avais marre d'enchaîner des petits boulots de merde, pas très bien payés. Et en fait, je me suis retrouvée, je pense, comme pas mal de personnes qui n'ont pas le bac, en fait. Quoi ? Non, mais ça, c'est la vie de Twitter. Faut pas dire boulot de merde. Je me rappelle. Y a des gens, tu sais que je m'étais fait engueuler sur YouTube. J'avais dit une fois, j'ai eu un boulot de merde pendant l'été. Tu sais, je parlais jamais de moi à l'époque. En plus, j'ai dit ça. Et genre, disant, faut pas dire boulot de merde. Chaque boulot se mérite respect. Non, mais non. Alors, ça, c'est des gens qui ont jamais fait un boulot de merde, ça.
Oui, oui. Ah, vraiment, ça, ils ont jamais fait un taf de merde pour dire ça, qu'ils aillent se faire enculer, en fait. T'en as jamais vu, je te jure, t'en as jamais vu. Mais c'est bon, quoi. Ah, c'est bien des boulots de merde, moi, je vous assure. Les Dadifs font un bon boulot, il y a un boulot de merde, je vous jure. Ah ouais, les gens qui font les boulots de merde, ils le savent. Ça se ressent là, là, c'est comme l'amour, là. C'est pas parce que les gens sont dans un boulot de merde qu'ils le font mal ou qu'ils s'en battent les couilles, hein. Mais ils sont capables de voir que, ils font un boulot de merde et puis, de faire avec parce que, t'es dans cette sauce, quoi. Bref. Je me suis engueulé par un débile sur TikTok parce que j'ai dit pauvre au lieu de personne qui a pas d'argent. C'était non, Bernard Friot qui a mis le commentaire. Non, arrête, c'est faux. Si, c'est Bernard Friot qui a mis le commentaire. Non, mais oui, d'accord, non, mais c'était une vanne. Pauvre au lieu de personne qui n'a pas d'argent. Non, mais c'est une vanne. Faut pas dire pauvre, ça les diminue. Non, arrête. Comme s'ils étaient pas diminués déjà pour le fait d'être pauvre. Bref, vas-y. Vexé, entre guillemets, parce que je me suis dit, mais c'est pas parce que j'ai pas le bac que je suis pas capable de le faire, en fait. Enfin, ma sœur jumelle a repris l'école. Elle, pareil, un peu le même parcours, etc. Et elle a repris aussi au micro-lycée. Pas ici, dans un autre micro-lycée. Et je trouvais ça vraiment cool de sa part, en fait, qu'elle le fasse. Genre, je me suis dit, vraiment, c'est bien et tout. Et moi, à ce moment-là, je suis tombée enceinte. Et je me disais, donc là, je vais avoir un enfant avec un travail que j'aime pas. Et je vais lui... En gros, ce que je vais lui mettre dans la tête, c'est que peu importe si ça nous plaît ou pas, genre, on le fait et c'est tout. Et j'avais vraiment envie de lui envoyer une autre image de la vie où vraiment, on peut aller au travail avec le sourire. Tu le fais presque pour ta fille ou tu le fais pour toi? Honnêtement, je le fais forcément pour moi, parce que c'est un rêve d'enfant que je veux réaliser. Et aussi, je le fais pour ma fille, ouais, pour qu'elle comprenne que peu importe le trajet, c'est l'arrivée qui compte, quoi. Putain, mais quel tir de déter, quoi. Genre, ça a été en fait, dans la merde, ça a été autour des tafs, et là, ça a la gamine. Ça veut dire que la gamine plus les études et tout. Ah, le tir de déter. Moi, j'aimerais bien un montage parallèle avec des gens qui faisaient des fiches à l'école. Juste pour qu'on compare les niveaux d'intelligence. Ah ouais. Non, mais ah c'est un sale échec de l'école, là. Je blague. Réel, hein. Mais je suis aussi eux, à moitié sérieux. C'est les vrais méritants, eux. Le mérite n'existe pas sauf pour elle, hein, vraiment. Hein. Tu vois, moi, quand les gauchistes, le mérite n'existe pas, quand je vois des gens comme ça, c'est là que je vois que dire ça, ça a des limites, désolé. Elle est mérite, bah, oui. C'est tout. Faut le dire à un moment donné, ça va, quoi. Tu vas aller manger, toi? Bah ouais, mais frère... Je crois que je vais manger une pomme, hein. Ok, ouais. Toby Lofi, hein. Ça, c'était Toby Lofi, je suis d'accord. Je suis en train de marquer en quoi la ZEE de la France surveille et les menaces et les espaces privilégiés. En fait, genre, il y a trois colonnes, donc une plus géopolitique, une écologique. Je bats la mort. Ah non, arrête. Et une géographique, et en gros, on a choisi une des trois. Je fais la géopolitique. Ah, ça va. Je regrette un peu. L'échelle du micro-lycée 93, c'est 50 élèves, 12 profs, une assistante d'éducation et... Ah ouais, c'est basé 12 profs, ah ouais, 50 12 élèves. Profs, 50 élèves. Ouais, ça commence... ouais. Mais ça devrait être comme ça partout, gros. Ah c'est ouais, ça la vérité. Paradis de Macron. Ah, pardon. Bah non, justement, c'est là. Ah oui, si, pour baiser. Ok, j'ai compris la blague. Et un psychologue qui est là une demi-journée par semaine. Chaque élève au micro-lycée va pouvoir être reçu par un prof référent avec qui il va avoir un rendez-vous hebdomadaire une fois par semaine pour discuter de comment ça va. Stylé le haut camouflage autiste, là. Comment ça se passe la semaine? Quelles sont les difficultés? Ouais, de fou, genre, mais en mode camo, autisme, moi je kiffe les camos. Bref, ouais. C'est rencontré, c'est un accompagnement, certes, à la réussite à cet examen, quel baccalauréat, mais en fait, plus largement, c'est aussi reconstruire une confiance en la capacité à réussir ce qu'on entreprend, et donc parfois, décider que le projet du bac, finalement, c'est pas celui que l'élève souhaite poursuivre cette année, mais souhaite en poursuivre un autre, et ben, ça peut être aussi une forme de réussite. Donc voilà, la réussite au micro-lycée, elle peut prendre plein de formes différentes, et elle ne se réduirait pas à la réussite à l'épreuve du bac. Ce qui est important dans ce challenge, c'est que c'est qu'eux-mêmes sont venus vers nous et eux-mêmes on se sont dit, bah là, je pense que c'est le bon moment pour moi de passer ce bac. Et par ailleurs, après ce premier pas, nous, lorsqu'on accepte leur candidature bien, au micro-lycée, qu'ils deviennent élèves au micro-lycée, il y a un contrat qui s'établit entre nous et qui est de dire, bah, si on t'a accepté, c'est parce qu'on pense que tu l'auras. Et d'ailleurs, ils et elles l'ont, le bac. C'est un lieu qui se veut un peu comme un lieu de... Basé. Ça doit être cool d'être prof là-dedans, en vrai.
En vrai, tu sais, parce que là, tu peux vraiment faire ton taf de prof. Mais non, je veux pas être prof, t'es fils de pute, jamais je serai fils de prof. Mais quitte à être prof, autant être prof dans un truc où tu peux prendre ton temps avec les élèves et pas être une merde. Et pas être une merde du merde qui a un maton mental. C'est tout. Ah ouais, non, mais on est à ce niveau-là de bienveillance, quoi. Ah oui. Ah, après, moi, je suis d'accord, quoi. Quitte à être nazi, autant vraiment pouvoir en torturer vraiment tes préférés, quoi. Te concentrer sur la torture. Non, en sacrifice de masse, ça, c'est pas ouf, c'est apparemment. Ça, c'est qu'après, c'est l'usine, tu vois. Alors on veut de la torture personnalisée. On veut pouvoir apprendre à torturer en fonction de la personnalité de chaque élève. Veut voir exactement. La victime s'attacher à nous. C'est ça, c'est ça. Et après, pour mieux la détruire psychologiquement, évidemment. Évidemment. Il y a toujours une blessure quand les élèves sont sortis du système scolaire. Et nous, on va essayer, en fait, de venir pouvoir réparer cette blessure qui a eu lieu à un moment ou à un autre. Les élèves qui sont sortis du système scolaire, je pense à un moment ou à un autre, ont un peu l'impression d'être devenus invisibles ou transparents pour l'institution, d'avoir perdu un peu consistance. Ils ont disparu du système scolaire. Et le suivi, c'est avant tout, en fait, travailler. C'est vrai, ça ? On est des welfaristes scolaires ? On est pour le bien-être des élèves. Bah si. Ah oui, j'ai compris. En mode, vaut mieux la viande locale que l'abattoir. Oui, ok. Vaut mieux un lit. Ouais, ok. Et là-dessus, bon, toi, tu manges on accueille quand même ultra majoritairement des élèves à qui l'institution a dit tu n'auras jamais ton bac. Et en fait, à plus de 90% ici, les élèves ont leur bac. Les résultats du bac, c'est hyper fou. Parce que c'est beaucoup d'émotions. Avoir le bac, c'est plus qu'un diplôme, en fait. Il y a beaucoup de reconnaissance symbolique, il y a justement beaucoup de choses qui se réparent à ce moment-là. Donc c'est hyper fort. C'est quand même un espèce de sésame ultra nécessaire pour l'insertion professionnelle. Oui, enfin, bon, je crois qu'il n'y a que les gens. Vraiment une prof de français. Hein. Un peu, vraiment une prof de français. En fait, j'aime bien les élèves, mais alors les profs, si ça a l'air d'être les plus gentils qu'on a jamais vus. Mais elle est quand même casse-couille. Quoi ils parlent. Pas vous. Ah, les profs de français, ne pas être des casse-couilles, challenge. C'est pour ça qu'on ne peut plus les écouter. On les a trop écoutés. Ils sont trop chiants. Moi, je ne peux plus les écouter parler. Ils ont assez parlé dans ma vie, en fait. Et je parle le plus lentement possible. Avoir avec le bac, un peu bienveillante. C'est là que tu te répares, en fait. C'est vraiment important. Parce qu'il y a un pouvoir symbolique. Moi, je me répare en achetant un iPhone 15 le jour J. Hein. Vas-y, montre-le. Voilà ce qui répare mon cœur. Ah, c'est vraiment... En fait, ce qui me fascine dans nos lives, à chaque fois, on a un truc, une obsession. Nouveauté de iOS 17. Oh. T'avais pas mis à jour encore ? Tu peux faire ta fiche de contact ! Ça prend ton fiche de contact ! Alors, tu veux voir ma fiche de contact ? Attends, je vais te montrer ma fiche. Attends, par contre, il n'y a pas mon numéro dessus. Attends, laisse-moi vérifier. Oh ! Ouais, j'allais montrer mon turbo numéro. Attends. Oui, je veux la créer ! Pourquoi je peux pas la créer ? Pourquoi je peux pas la montrer ? Pourquoi je peux pas la créer ? Je peux la montrer. Eh, regardez quand je vous appelle comment je suis le boss. Mais je peux pas la créer, moi ! Pourquoi je peux pas le CEO qu'on crée ? Vous avez vu le boss ? Putain, c'est vraiment le boss, il vous appelle. Mais c'est où qu'on crée une fiche de contact ? Vraiment, t'es là, tu fais « Ah ouais, c'est le boss, il m'appelle. » Il m'appelle le boss. Je trouve pas ! C'est trop long, tu pourras pas y arriver en live, c'est giga chiant. Go, appuie sur play. Gens qui ont leur bac, qui disent que le bac, ça sert à rien. Tu vas voir, attends, pause. T'as pas écouté le nouveau mode transparence ? Des AirPods ? Maintenant, les AirPods, quand quelqu'un te parle, ça le détecte, entend sa voix. Et quand tu parles, ça baisse la musique. Et quand tu arrêtes de parler, ça remonte. T'as même plus à retirer l'oreillette. Crois à la salle, c'est incroyable. Les gars, ils font plus tourner, je les entends. Ils t'entendent les bruits de klaxon, s'il y a un risque d'accident et tout. C'est banger. C'est banger, mais c'est trop bien, en fait. C'est Gucci. Mais ça, c'est juste une mise à jour. Hein. Oh, vas-y. Mais en fait, il faudrait Apple qui nous. Qui nous paye, là. Ils nous paye, là. Avec Papsan. Ah, oh, d'ailleurs, regarde, je suis coréen. Regarde le niveau de coréen. Oh, putain, gros. Oh, l'alias de. Gros. Oh, la dinguerie. J'ai des milliers, là. J'ai 300 000, là. Ouais. Parce que, alors, ça fait 300 balles, hein. ça fait 300 balles. Ouais, mais c'est trop bien, ouf. T'as l'alias de fou. Regardez. Ils sont beaux, en vrai, hein.
50 000 ! Un billet de 50 000, frère ! Celui-là, j'ai 50 000. Bon, après, tout coûte 10 000, mais... Ah. Gros, regarde, ils sont beaux, en vrai. On voit pas. C'est pas net. Surtout l'alias, on s'en fout, Anna. Hein, on veut l'alias. Flex l'alias. Et attends, mais et je montre les billets, après, ça, je vais montrer l'alias. Après, je sais pas trop faire. J'ai jamais eu trop d'argent. Je sais pas. Fais comme j'ai ça, pas là. Trop manipulé d'Elias. Fais comme ça, là. Jette les billets comme ça, là. Moi, je joue comme un Monopoly, gros. Je les range par non, couleur et tout. Non, mais fais comme c'est si ça. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu des gros billets. Ah oui, genre, ok, j'ai compris ce que tu voilà, veux. Voilà. Ça, faut pas les plier, hein. Ouais. Alors, ouais, le chat. Ouais. Ah, ça va faire une carte, ça. Let's go. Range-les maintenant. Enfin, je ramasse tout comme un fils de pute. Bah, je te signale que dans les clubs de striptease, il y a un balai géant pour ramasser les billets. Hein. Ah, comme pour les cheveux dans les salons de coiffure. Bah oui, c'est trop bien. Oh, il en a un derrière lui, le guide. Pas regarder, il en a un sous son cul, il va pas le voir. Quoi ? Ah ouais. Attends, mais gros, je suis sûr que j'ai perdu. Hey, oh, tu vas partir avec un billet en moins, c'est sûr. Tu peux payer quinquin, ouais. Ouais. Bon, moi, je vais faire mon fiche de contact, moi, pendant ce temps. Non, vas-y, c'est bon. Info personnelle ? Non. Ah, c'était bien goofy comme moment. Attends, j'en ai plus. Ah, c'est bon, j'ai cru. J'avais 4 de 50 000. J'ai cru que je les avais perdus, wesh. Et en plus, ils te mettent ça dans la truc de change. Ils te mettent ça dans une enveloppe. Du coup, elle m'a fait une enveloppe pleine de billets, gros, dans ma tête. J'étais Pablo Escobar, là. Enfin, genre, je venais de servir Pablo Escobar. On m'avait donné et tout. En plus, j'avais l'iPhone dans la sacoche. J'étais en mode, je suis le mec, là. Il y a un gars, il a décidé de me braquer aujourd'hui. Il se met trop bien. Après, il a eu des wounds, c'est un peu chiant, quand même. Je trouve pas la fiche de contact. Je pars quand ? Le 27, les frères. Du coup, dernier live... Non, le 26. Donc, vous avez encore dimanche et... Le 26, les amis. Et après, je m'en vais. Bisous, je m'envole. Enfin, des vacances. Let's go. Je vais pouvoir faire mon boomed, là. Ça va que ça va bouffer. Hein. Je pars 19 jours. C'est de la frappe, hein. Application téléphone, onglet contact. C'est là qu'on voit la pauvreté. Bernard Arnault, il aurait même pas ramassé. Oh, Bernard Arnault, il a même pas besoin de faire de change. Je pense qu'il a une carte black, titanium, métal. Du coup, le braqueur a toutes les infos, les billets, la date. Oui, bon, bah après, s'il y a un mec qui veut me braquer pour 300 euros dans un aéroport, bonne chance, hein. Je comprends pas. Oh, il a disparu ? Bah, il a tout débranché ? Bah, c'est une dinguerie ? Bon, bah... Le stream est fini, les gens, je crois. Hein. Dommage, hein, on s'amusait bien, c'était bien... Pourtant, il est toujours dans l'appel, je crois. C'est bizarre. Bon, bah, on va attendre qu'il revienne. Hein. Il est passé à l'heure coréenne. Ouais, c'est ça. Il a changé de fuseau horaire, les gens. Terrible. Hein. Oh, on peut faire ce qu'on veut. Du coup, on peut arrêter cette vidéo de merde, là. Oh, trop bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Petit clip ou quoi ? Non. Allô, tu m'entends ? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ah, ça est revenu. Bon, ça va, ça a planté qu'une fois. Hein. Bah ouais, hein. Je me suis dit, bon, t'as planté, j'étais là. Je m'avais oublié que j'étais ce coq. T'es con ? Bon, allez, vas-y, là, go lancer, là. On a perdu tout le ouais, monde avec ta marre, fiche là. De contact qui marche pas, là. Il faut juste que je fasse les billets pour faire ça. Il dit ça, son cœur de maladie mentale, ce gars. Il avait juste trop envie. Hein. Black people, they could go in the same school than the white people, go in the same places on the bus. And can you guess what she is going to describe to her parents? What about her feelings? She must have felt left out, maybe, and she experienced the racism, probably.
Ouais. Du coup, c'est quoi l'exercice? Alors, l'exercice, on a trois personnages. On doit inventer une histoire sur une petite fille qui subit du racisme à l'école pendant la ségrégation aux États-Unis. On doit inventer une histoire? Il y a besoin d'inventer une histoire. Ah ouais, c'est une invention, en fait. Ça veut dire que ça n'a pas existé pour vous. C'est une petite fille, elle se lève, elle met une robe longue. Voilà, l'histoire est terminée. J'ai pas ta blague. Non mais putain, mais là, c'est t'as ouvert un journal, c'est ah oui, une robe longue, la baïa, j'ai compris. Bon, ta vidéo longue, là. Ouais, j'en ai marre. Play, là. Ah oui, elle... Alors pour l'instant, Yasmina est headmaster, donc proviseur. Moi, je suis le père de la petite fille. Et Rose, c'est une parent d'élève qui veut pas que la petite fille aille en cours. Okay. Du coup, elle est raciste. Ok. Dans son personnage, c'est personnel. À son plaisir. Deux arguments. Toi, deux arguments à l'attaque. Toi, deux arguments à la défense. Okay. C'est quoi les arguments racistes? Let's go. J'avoue, l'école qui t'apprend à être raciste, c'est une dinguerie. C'est merci, quoi les Marc arguments Bureau. De raciste, déjà? Bah, je sais pas, genre... Vas-y, Dani, toi, t'as des arguments de raciste, non? Bah, par exemple, j'en ai un. C'est quand t'as dit « Oh, c'est des Japonais alors que c'était des Chinois à l'écran ». Mais non, mais ça va, arrête. Mais c'est pas de la détestation, c'est de la confondation. C'est pas pareil. C'est du racisme de confondance. Ça n'a rien à voir. Vas-y, fais play. Ouais. C'est toi qui va devoir reformuler les arguments avancés par les deux parties. Parce qu'il va animer la discussion entre vous deux. Et à la fin, c'est lui qui doit prendre la décision. Ma décision va vous choquer. Mais du coup... J'espère en bien. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 22 ans. Je suis en terminale B du micro-lycée du 93. De la 6e à la 1ère, j'étais en école privée. J'étais plutôt un élève assez dissipé, qui vivait beaucoup sur mes acquis. À côté de ça, il y avait un peu une tension au sein de la famille. Oui. Et en gros, d'année en année, je travaillais de moins en moins. Et en première... Attends, voilà, ça, tu dirais vraiment, c'est une dinguerie. Genre. Ok, bah... Wendo. Pourquoi Wendo? Vas-y, dis en quoi il ressemble à Wendo, vas-y. Les argument. Cheveux longs. Non, il n'a pas du tout la même coiffure. Ses cheveux n'ont rien à voir avec les siens. Forceur. Ah, vas-y, vas-y. Continue. Quel autre point commun? Les cheveux longs. Ah, mais non, il ressemble pas du tout, non, mais là vraiment, genre autant Balzac, je te suis, mais là gros, genre vraiment, genre il ressemble plus à Lucari qu'à Wendo. Hein. Bah, un mélange entre les deux. Ouais, donc c'est quoi le côté Wendo alors? J'étais en retard, j'avais accumulé trop de retard. C'était aussi compliqué parce que je venais de perdre ma grand-mère et c'était pas facile à l'époque. Donc j'ai été obligé de quitter mon école, et c'est là où tout a commencé. J'ai dû changer d'établissement, et c'était un tout autre, pas climat je dirais, mais environnement, dans le sens où j'avais pas du tout mes repères, et bah j'ai pas su. J'arrivais pas à aller en cours. J'avais déjà du stress de base par rapport aux attentes de ma famille, beaucoup de stress en moi, la peur de l'échec, la peur de réussir aussi, bah c'est à ce moment-là où j'ai décroché scolairement. Pendant 3-4 ans je dirais, et du coup l'année dernière, je me suis inscrit à la mission locale pour un peu avancer dans ma vie, tout simplement. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même des capacités, que ce serait con que je m'arrête en terminale sans avoir le bac. Et quand tu dis que je me suis rendu compte finalement que j'avais des capacités, pourquoi t'en doutais? En fait, j'y réfléchissais même plus. Il faut savoir que oui, durant ces 3-4 ans, j'étais aussi dans une certaine dépression. Socialement, je voyais presque personne. Souvent dans ma scolarité, on m'a dit que j'avais des capacités, mais bon, pas pour me faire des fleurs, mais je suis quelqu'un qui... Que tu veux. qui aime pas qu'on le complimente. C'est durant du coup cette année que je me suis dit, enfin l'année dernière en formation, que ce serait con que j'arrête là. On m'a dit quoi tout à l'heure, définition de l'être humain pour Descartes? Une substance pensante alliée. Le fait d'être ici, les enseignants, tout ça, on est super bien entourés. Surtout en dépression, non mais c'est oui, mais pas on a comme un lycée classique dans le sens où on arrive et on jette les cours et tu te démerdes en fait. C'est. Lui, on est suivi, jamais pause, hein. Et il y a beaucoup de compréhension même. Ah, t'as des trucs à dire là? Moi, je crois qu'on a tout dit. Hein. Bah oui, tu peux pas chercher s'il y a un autre élève. Zizou, c'est un peu sûr, en fait, les reportages. En fait, ils sont trop cool. Du coup, on peut pas être malveillant. Attends, il y a écrit quoi? Le retard n'empêche pas quoi? Ah putain, mais ma souris est bug. Oh, c'est long, hein.
Oui, bah le retard n'empêche pas d'être con. Voilà, allez hop. Ouais, y a rien d'autre de bien. Ah ! Écoutez un peu ce qu'a dit elle. Qui ça, elle ? Elle, là ? Ouais, non, ouais. Ah, c'est la même que tout à l'heure ? Ouais. Pas celle après ? Oui, celle bah oui. Après, non, c'est la même aussi. Oh, ouais, vas-y, bon. Ça marche bien, mais je me pose la même question parfois. Pourquoi les élèves nous disent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de micro-lycées ? En tout cas, c'est vrai que si on venait nous demander. Ah, oui, bon, allez. Allez, on a compris. C'est bien, très bien pour les élèves motivés. Ça cette vidéo est. Basé. Non, mais c'est bon. Ouais, on arrête là, non ? J'ai trop faim, moi. Non, mais ça fait. On a live 2 heures ? C'est bien 2 heures déjà. Bah, il y a un petit train de live, là, je crois. Allez, petit train de live, les gens. Let's go. C'est parfait. On est bien. Y a pas un cru sinon, un truc rapide vite fait pour finir en beauté. Non, y a pas, je vois pas là. Vous êtes des branleurs. Ah oui, y a les trucs, les extraits là. Carlito, mes couilles là, t'as pas regardé Tu veux parler de Carlito toi? Je suis bon. Bon, on va regarder Carlito, il a The Kerry. Dire Dani là-dessus. C'est qui a dit The Kerry? Bah, Carlito. Ah, c'est lui, je vois. J'ai con ou quoi? J'ai entendu un The Kerry en mode Soundbox, je me suis dit, c'est quoi ça? Donnez de l'argent par contre, hein. The Kerry. The Kerry. The Kerry est touchant, vous le savez au fond de vous. On ne peut pas nier la vérité. Il a fait des erreurs, comme nous tous. Il est touchant. Attends, de quelle erreur il parle? De quelle erreur il parle? De sortir avec une gamine de 16 ans, j'imagine. Mais il est touchant. C'est pas clair, son histoire, là. Vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose. Non? Merci Carré. Mais le train non, de live. Non, je trouve que. C'est trop bizarre. Non, mais. Bah, il y a un train de live là. Tout à l'heure. Tu le vois? Ah, oui. C'est moi qui bug alors. Je pense que c'est moi qui bug. Il est niveau 3, les gens ne veulent plus donner d'argent par contre, donc c'est horrible. Mais... Et vous mettez des points d'interrogation. Il a fait... Non, il a pas. Pas touchant dans ce sens là. Non, pas dans ce. Vous trouvez pas au fond de lui? Pas touchant dans le sens touché. Non, vous êtes vraiment des. C'est un agresseur sexuel? Ah ouais, ça fait longtemps. Mais en fait, ce que je trouve pas clair, moi, dans l'extrait, c'est que, ok, il a l'air de pas avoir. Je crois qu'il a pas l'air d'avoir eu les dernières datas, mais du coup, les erreurs qu'il a fait, c'est la première erreur. Genre, il s'est dit, je pardonne une fois. Pourquoi il a besoin de défendre The Kairi en trouvant qu'il est touchant? Je ne comprends pas son autisme, en fait. Genre, le gars a accumulé les bails quand même, tu sais. Genre, c'est à un moment donné, bon, tu drops quoi, tu vois. Ça, genre, c'est. Voilà quoi. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. Je comprends pas, sujet, pas de contexte. Bah, après, c'est vos médias rap quoi. Ils sont obligés de sortir des trucs. Mais toi comme qui as voulu regarder ça? Mais quel contexte tu veux de plus? Il parle de The Kairi en disant au final, il est touchant comme gars, parce qu'il l'aime bien un peu. Pour moi, il avait un TikTok en mode The Kairi est touchant 10 minutes avant le stream et essaye d'en parler. Ah, y a moyen. Ah oui, les TikTok où il pleure parce qu'il a fait des conneries, là. Il s'est mis dans la sauce tout seul. Oui, bon, après, les gens ont l'air de dire « Ouais, bon, il a pas tout compris. » Ouais. Ah oui, le truc de Squeezie aussi, là. Que des sauces pas claires, en gros, vous voulez nous faire voir. On s'en branle un peu, je crois. Truc de Squeezie. Quel truc de Squeezie? Son monteur, là, le truc qu'il a mis le courant. Ah, oui. Il l'a enlevé. Oui. Vraiment, vous avez rien à manger, Twitter? Ah ouais, là, si vous avez pas assez de drama. Vous avez faim un peu, non? Ah ouais, là vous êtes en vous êtes vous en êtes mode en qui on pourrait drama. Mettre dans la sauce. Ah ouais. Bah oui, Jonathan Cohen, c'est pareil, genre la sauce elle est nulle. Nice quoi. Ah ouais, elle est pas c'est épicée. Même pas un hein. peu épicée, il a dit ah ouais, ouais, mon frère, voilà, on a tous des contradictions quoi, frère. C'est ce qu'il frère. A dit. Frère. JDG, c'est Picsou, mais c'est un peu long, je pense. La Raz, il a trop faim, je le sens dans sa tête. Ouais. C'est lui qui a le contrôle du live, les gens. S'il veut couper, il coupe. Hein. Quel plaisir, quoi couper. Déjà, vous donnez donc, pas d'argent, moi, donc bon. Pour une fois, je serai pas responsable de la blague de fin. À partir du moment où on est à un niveau 3 du train de live à 10%, je vois pas ce que je vous dois, quoi. Non, mais en plus, c'est vraiment une journée difficile aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Je me demande vraiment ce qu'on n'a rien à faire hein, après, tu ouais. vois. C'est rien pour m'occuper, quoi. C'est pour ça ils nous soutiennent pas, ils sont jaloux aujourd'hui. C'est ça. Picsou nous a conditionné à rien donner. Ah ouais? Je pense que c'est ça. Terrible ça, Picsou. Non, mais demain, les gens, de toute façon, pourquoi ouais, la voilà vérité. La vérité. Déjà, moi, je me la lève vérité, tôt. C'est que demain, vous allez avoir un vrai live avec oui. Raz. Oui. Qui va utiliser son nouveau iPhone. Exactement. Dis-le pour voir si tu arrives. iPhone 15 Pro, 256 Go,
titane noir. Bon, maintenant, il te manque juste un peu de fluidité. Oui. Et demain, du coup, tu vas à la manif, c'est ça? Ouais. Demain, je vais à la manif, les gens. Ça va être cool. J'y serai avec Wissam et Cassandre. Stream sur cette chaîne ou... Ouais, je pense, ouais, je vais streamer sur Dany et Raz. Hein. Ouais, ça va streamer ici. C'est ça. C'est de la daube. Ah bon? Bah, allez, on sait pas encore. Bah oui. Fermez-la. Moi, je dois préparer trop de choses, les gens. Donc, c'est manif contre les violences policières et plein de bails. Voilà. Donc, bah tu non, sais faut vers y quelle être. Heure tu vas rentrer? Plutôt non. Tôt ou pas? J'en sais rien, pourquoi? Parce qu'il faut que je file l'autre iPhone à... Ah oui, ça, mais je peux pas parce que j'ai besoin du Wi-Fi. Bah, je sais pas, je pense que tu pourras pas lui filer là. Bon, on verra. Surtout, je pars tôt, plus si tu veux lui filer, c'est là que je comprends pas ton histoire. Si tu veux lui filer, il faudrait que tu me le files avant non, que je parte. Il faut que je passe chez toi, après, pour mettre la mise à jour. Ah c'est oui, tout. Oui, c'est pour ça que je te demande. Non, mais je si pense que la manif, elle est à 14h. Je pense que ça rentre à 18h ou plus tard, je pense. Ah oui, c'est pour ça que je me disais. Mais en fait, justement, je vais peut-être proposer à Wissam de passer chez WAM après. Peut-être passer d'abord chez toi. Mais sinon, je rentre avec Wissam. Tu rentres avec Wissam? Ouais, voilà. Ah ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, au pire, on s'organise après le stream. Mais il voulait faire un FIFA aussi chez moi. Non, mais vas-y, après, bref. Vous pouvez bouger. Oui, c'est vrai. Chez toi. C'est vrai. Voilà. Vas-y. Bon, vas-y, il y a le train de la hype de merde, on se nache, ça va. Merci les gens. Non, mais en vrai, les gens. Là. Moi, je suis mort, j'ai trop faim. Mais du coup, ouais, demain, vers 14h, ça lance le live sur Dany et Raz pour être en manif. Puis, bah, comme d'hab, on va se marrer en manif. Et puis, on va essayer de discuter de bail aussi un peu en marchant. Et puis, venez à la manif aussi. Regardez le live, venez à la manif. Soyez présents, c'est important. Manif contre les violences policières. Ça va être aussi sur la question de la baïa. Enfin, voilà quoi. C'est une manif de rentrée. C'est cool d'y être, quoi, les gens. Si vous, au pire, demande la bah, Wi-Fi aux voisins. Vous regardez, c'est où? Vous regardez, les gens, vous vous démerdez. Vous allez sur Twitter, vous allez avoir le parcours entier, c'est bon. Contre le racisme, etc. Enfin, voilà. Manif, oui, venez, habituel, vous allez pouvoir croiser Wissam et Raz pour faire des photos avec eux. Exactement. Raz, de toute façon, vous croyez que c'est le plus de gauche d'entre nous, c'est juste qu'il va au truc de gauchiste car il aime faire des photos. Exactement. J'aime être, me sentir et important. J'aime montrer me sentir son iPhone. Aimé. Ah, ça, tu vas pouvoir le montrer, tu le montreras à tout le monde demain. Ah bah t'as de fou. Mais je ferai pas exprès, c'est pour filmer. Ah, j'espère qu'on arrive à courir avec. Ah moi non. J'écrirai run. Écrivez ça dans le chat demain, comme dans le chat de Popsan. Genre run, cours quand il donne son iPhone, s'il vous plaît. Faites la même chose. T'as intérêt à activer l'Apple Care, hein, sinon tu le repayes. Hein. Je vais le donner à personne par contre, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà quoi. Y a aucune chance que je le donne à qui que ce soit quoi. Si vous avez une bonne excuse, c'est bien. Et pour demander la wifi aux voisins, moi j'aimerais bien, mais le problème c'est que c'est tout le quartier qui a plus de wifi. Bah oui, là ça marche pas, c'est tout ton quartier qui est mort, et puis en plus, c'est trop chiant de demander la wifi en à quelqu'un. Déjà, il y avait pas de vidéo ce soir, mais en plus, au lieu de passer 2 heures à préparer notre live, on a passé 2 heures à essayer de se connecter. C'était trop chiant. Après, au moins c'est fait, cela dit. Hein. Ouh, genre, au moins tout c'est ce qu'on fait, devait ouais. faire, on a ça en moins à faire demain en vrai. C'est réel. Donc au moins, t'auras. Ce que je trouve dire, c'est que t'aurais pu. Avoir internet qui saute au moment où tu pars en vacances, ce que je trouve deep, c'est que tu l'as avant et il va revenir même... au moment où tu te barres. C'est vraiment même, le seul. Juste quoi. Moi, il aurait sauté 20 minutes après que j'ai juste fait le transfert. Oui, t'aurais été heureux déjà. J'aurais été en mode, bon bah tant pis quoi. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Vraiment se faire baiser comme ça, c'est. Erreur d'aller sur les profs et pas Picsou. Oui, bah. Hein. Oui, ah, c'est les gens bon. Nous ont dit ça va être marrant. Oui, on prend notre chat aussi. Après, si vous trouvez que les vidéos sont gaises, vous avez qu'à aller sur le Discord pour poser des bonnes vidéos. Point d'exclamation Discord sur le channel lien vidéo live et vous proposez des bonnes livraisons quoi. Non, mais on a fait des bonnes discussions au début. Moi, j'ai bien aimé le live en vrai. Il était cool. Bah ouais. Il était cool. Bah ouais. Par contre, faut couper, Raz. C'est toi qui coupe en fait. Ouais. Vas-y, tu veux faire le ce que là iPhone 15 Pro, oh, 256 Go, titane noir. En fait, lui, son truc, ça va être de le dire de manière nulle.